Ah bah regarde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée sur Twitch et la dernière soirée de la semaine. Et on termine bien la semaine puisque nous la terminons avec une nouvelle édition de la Radio Flavien. Alors pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la Radio Flavien, on se retrouve un samedi sur deux à parler de choses diverses et variées, avec la possibilité pour certains et certaines de venir en vocal, histoire de nous raconter une anecdote, une histoire, de poser des questions, vraiment comme une sorte de radio, hein, une vraie radio, puisque nous sommes une vraie radio quand même. Mais oui, et ce soir, nous partons sur une spéciale astrologie spéciale. Horoscope, je vais lire votre horoscope signe par signe. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'en pense en tant que grand expert en la matière, en tant que quelqu'un qui a des dons de surnaturel, quelqu'un qui a vraiment une voilà un affect tout particulier avec l'astrologie, l'horoscope, hein, puisque je suis un sorcier depuis très longtemps, depuis toujours finalement. Et également, si vous avez des questions, vous pouvez soit me les poser en vocal ou soit directement sur le chat. Et pour ceci, eh bien, mystère et boule de gomme, regardez ce que j'ai. J'ai des cartes. Grâce à ces cartes, et oui, des cartes de sorciers de l'Umbra qui viennent de Bayonetta, je vais vous faire une interprétation. Voilà, je vais essayer de répondre à vos questions à travers les cartes par rapport aux énergies, ce que je ressens, ce que je vois dans votre avenir, votre passé. Si vous avez une question dans votre milieu professionnel, amoureux, je ne sais pas, des questions de manière financière, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Spécial Radio Flavien qui va très très bien se passer. Nous allons passer un très très bon moment. Prenez place, tous ceux qui débarquent sur Twitch et ceux qui sont en replay sur la chaîne secondaire, bien sûr que oui. N'hésitez pas à venir. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous avez la forme sur Twitch? On n'est pas sur TikTok, hein, on est que sur Twitch ce soir. Grosse flemme. Salut Amaury, salut Julie, salut Lolita, comment ça va? Oresama, salut Cassie, salut Van ou encore Lil Wayne, bonjour Ambre, salut Manu, salut Fabi, Opetsu, Tora, salut Gwen, salut je crois que j'ai tout, Magnolia, salut à tout le monde. Ça va, vous allez bien? Oui, j'ai les cartes de bien sûr, j'ai les cartes de Bayonetta. Voilà, ces cartes vont nous permettre, eh bien, enfin, en tout cas, en tant que, je le rappelle, en tant qu'expert, ça va me permettre de pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, si vous avez des questions pendant la soirée, je sais pas, est-ce que machin me trompe? Est-ce que je vais décrocher le job de mes rêves? Est-ce que je vais passer des très bonnes vacances? Eh bien, vous pourrez me les poser en vocal. Si jamais vous voulez nous les dire en vocal, mais si vous êtes trop timide pour passer en vocal, no problème. Vous pourrez les poser sur le chat, histoire que je puisse être le plus précis possible et pour que vous puissiez passer un bon moment et avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, donc la prestation, elle est pas chère, elle est de 5 euros. Donc n'hésitez pas, hein, le petit, voilà, Julie a déjà payé 5 balles. Donc Julie aura le droit à sa question personnalisée. N'hésite pas Julie, si tu as une question, si tu passes par là, n'hésite pas. Une question, 5 euros. Donc allez hop, on se fait plaisir. Je vais être riche, ouais. Yes. Oh, je vais être riche ce soir. Oh, l'argent va couler à flot. Bon oui, ça va bien avec vous? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Est-ce que votre week-end se passe bien déjà avant de lire les horoscopes, avant de lire les trucs de tarot, etc. Hein, bon, on va pas aller jusqu'à minuit, hein, on va se faire jusqu'à 22h, 22h30, grand max. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end. Ou alors ceux qui bossent, hein, si vous avez bien bossé. Ouais, et je vais être riche ce soir, ça va être cool. Oh là là, salut pharmacien. Longue journée de travail et toi? Bah moi ça va super, ça va au top. Oui, j'ai grave un escroc, ouais. Oh mais c'est clair, l'escroc de malade. Bon bah top alors. Ouais, c'est bien. Une petite note sur 10 sur votre journée. Ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire là. J'ai l'impression que tout le monde a passé une belle journée. Bon, ça fait plaisir alors. Eh bah tant mieux. Coucou tous ceux qui débarquent. Très bonne journée pour moi. Bon bah c'est top tout ça. Oh bah ça fait bien plaisir. Ah non, il y a quand même des notes de merde. Bon, on va éviter de... Hein, on va pas chercher la bad vibes, hein. On va faire comme si qu'elle n'existait pas. Donc 6, 6, 8, 7, 9, 6, 8.
Oh bah super, que des bonnes notes. Bon bah ça fait plaisir, alors que des bonnes notes, hein, on vit dans le déni ce soir, hein, que des belles notes. 7 sur 10, j'avais compétition aussi, pareil, j'avais compétition de aquaponie, c'était hard, mais je pense qu'avec avec mon poney on a réussi à tout donner. Voilà, c'était on s'est donné à fond, c'est le principal. J'espère que toi aussi la compétition ça s'est bien passé. J'ai été chercher mes tartes et les ingrédients pour un gâteau que je fais demain. Oh génial, un gâteau à quoi? Tu as gagné? Non, j'ai perdu. Malheureusement. J'ai tout donné, mais pas assez apparemment pour l'aquaponie. Non, j'ai perdu, ouais. J'ai essayé. Mais le principal, c'est de participer, c'est le plus important. En fait, on n'était pas assez en symbiose avec l'aquaponie. Pas mal. Oh zut, Cricri a pas été bon. Alors, ça n'a rien à voir. Cricri n'a rien à voir là-dedans. C'est un poney. C'est vraiment... j'ai essayé... bon bah je crois qu'il a pas essayé, il a pas réussi à m'écouter. Non non, Cricri n'a rien à voir là-dedans. Pavlova, une meringue et dessus chantilly et fruits. Miam. Attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner le gâteau que tu vas faire. J'ai l'impression que tu vas faire un pavlova avec une meringue, je pense, au-dessus, avec un peu de chantilly et des fruits. Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr. Bah oui, parce qu'on va être dans le thème de l'horoscope et tout. Mais je suis vraiment pas sûr. Ouais, quel don, hein, ouais. Mais oui, je m'en doutais, hein, bah, quand je vous le dis, hein, écoutez, 20 fois. Quand je vous le dis que j'ai vraiment des pouvoirs, c'est pas pour rien. Je suis pas un escroc, hein, parce que je vois beaucoup passer le mot escroc, escroc, escroc. C'est faux. Je suis choc-barre de baiser. Ouais, complètement choc-barre. Mais vous allez voir que durant la soirée, mes interprétations peuvent être bonnes. Voilà, je vais essayer de donner des... Je vais essayer de vous donner ce que je pense, mon avis sur telle ou telle chose. Voilà, donc vous allez voir que ça va être très 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 sympa. Une belle soirée qui s'annonce. C'est incroyable. Ah bah oui, bien sûr, choc-barre de baiser. Ah bah vous allez le dire souvent, hein, choc-barre de baiser. Alors, moi, je suis juste là pour répondre à vos questions, hein, je le rappelle. Nous verrons ça en temps et en heure, hein, avec les fameuses cartes divines. Hein, les cartes des sorciers de l'Umbra. Grâce à ces cartes, ça permettra, voilà, de... Je vais essayer de retranscrire ce que je pense, par essayer de vous répondre un maximum, d'être le plus transparent possible. Hein, on va essayer, voilà. Donc, je compte sur vous pour ne pas dénigrer mon travail. Puisque c'est un vrai talent que je possède, voilà, donc je pense que je suis la personne la plus apte, hein, je m'y connais absolument en astrologie, en horoscope, en magie noire, donc je veux personne qui me contredise, sinon c'est Abad. Voilà, c'est mes tirages et ce ne sont pas les vôtres, sinon allez voir Christine Haas. Salut Geoffrey, bien sûr que j'y crois Pimousse, salut Nao, bien sûr que j'y crois. Évidemment, j'ai ce talent depuis toujours. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le mettre à contribution ce soir. Pour la radio Flavia, et encore une fois, si vous avez des questions ou quoi, vous avez envie de les poser, n'hésitez surtout pas à le faire dans le chat. Ou en vocal. Salut Sacha, il y a beaucoup de Sacha ce soir là. Vous êtes combien là? 2-3 là? C'est quoi? C'est genre, il y a eu une promo sur le prénom Sacha? C'est depuis Pokémon? Tout le monde s'est dit, allez hop, j'appelle mon fils Sacha? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un troisième Sacha dans la salle? Il manquerait plus qu'il y ait un Pikachu qui débarque. Et on n'est pas dans la merde. Salut Lee! Coucou tout le monde. Ouais, je bois un petit coup, puis on va y aller, hein, les copains. Quelle heure il est, là? 20h10? Waouh! Ça passe vite. Bonsoir tous ceux qui débarquent. Complètement dingue. Ah bah voilà! Et bah voilà! Il y a un petit Pikachu qui traîne. Et ben voilà, tu vois, je te l'avais dit. Voilà, c'est obligé, il allait débarquer celui-là. Bah écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien, l'approche du week-end. Une belle soirée Radio Flavia qui s'annonce. On va bien s'amuser, on va bien rigoler. J'ai préparé mes horoscopes. Voilà, on va faire signe par signe. On va essayer de faire un signe. Je vais répondre à vos questions. Voilà, s'il y en a une ou deux qui pop, hein, je vais essayer de répondre avec mon tirage de cartes. Signe par signe, et je vais vous dire un peu ce que j'interprète. Voilà, donc... encore une fois, ce ne sont que mes interprétations. Le pouvoir de l'astrologie, de l'horoscopie et de
de la coloscopie, ce n'est que des interprétations personnelles. Voilà, d'accord ? Surtout la magie de la coloscopie. Alors ça, c'est très personnel. Donc, ne prenez pas pour acquis, personne à la science infuse. Voilà. Mis à part moi ce soir. C'est le but du live, bien sûr. Ça va être très cool, bien sûr, ça va être très cool, ce live. Bien sûr. Oui, alors, en fait, il y a l'horoscopie, il y a l'astrologie et la coloscopie. En fait, le don de la coloscopie, c'est pour aller au plus profond de vous-même, pour aller chercher des détails qui me permettront de répondre à toutes vos questions de manière plus précise. Donc, le pouvoir de la coloscopie... Mais c'est vraiment pas évident. Je pense pas que je vais l'utiliser ce soir. Ça m'étonnerait, je ne pense pas. On va plutôt rester sur l'horoscopie. Ça fait beaucoup, ouais. C'est pour ça que je vais pas pouvoir mettre toute moi. En plus, ça demande beaucoup d'énergie, vous savez. Donc, je vais peut-être pas mettre toutes mes essences dans ces pouvoirs ce soir. On va essayer d'y aller partie par partie. Ok ? Bon, on commence ou pas, là ? On va commencer par l'astrologie, là ? On va se faire un peu de... Enfin, pas d'astrologie, de l'horoscope. On va essayer déjà de se mettre un petit peu de... Hein ? Se mettre un peu dans le bain. Est-ce qu'il y a des béliers ce soir? Est-ce qu'il y a des béliers sur le chat? On va regarder un petit peu ce qui s'annonce sur... pour les béliers, hein, les très chers béliers. Ouh là là. Est-ce qu'il y a des béliers? Ah, il y a des béliers ce soir! Il y a des béliers, Lil Wayne est bélier, Pharmacien est bélier, Tora est bélier. Eh bien écoutez, on va commencer par vous-même. On va commencer par le signe des béliers. Hein, c'est très important, bien sûr, de commencer par les béliers. Aujourd'hui, les béliers, clairement, si je peux vous donner un conseil, ne parlez pas aux gémeaux. Voilà, les gémeaux, ça va pas être votre poteau. Hein, ça tombe bien. Est-ce que les gens aiment vraiment les gémeaux? Non. Donc, profitez-en pour dire non aux gémeaux. On dit non. Salut, Fizette. On dit non aux gémeaux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est de l'horoscope actuel, hein, c'est pour aujourd'hui, pour demain, c'est la tendance, hein, de l'horoscope. Voilà, donc, ta pote, elle est gémeaux. Alors, faut pas confondre avec le magasin, c'est pas pareil. Voilà, si ta pote, elle tient un magasin gémeaux, ça peut être intéressant pour aller acheter des paires de chaussures. En revanche, si c'est son signe astrologique, vaut mieux la tège, hein, elle dégage. On n'en veut pas. Ouais, on embrasse les gémeaux, mais écoutez, les... Ouais, les béliers ne sont pas très très... voilà, ne sont pas très... n'ont pas un lien d'amitié avec les gémeaux en ce moment. Ouais, donc ça craint. Hein, donc on fait bélec aux gémeaux. En revanche, vous vous entendrez très très bien avec les scorpions. Voilà, donc Lil Wayne, Tora et compagnie, tous ceux qui nous regardent en replay, tous ceux et celles qui sont béliers. Eh bien, en ce moment, vous allez vous sentir bien avec les scorpions. Les scorpions, je fais partie de la team scorpion. Hein, au cas où, si on s'entend bien, c'est normal. Vous allez bien vous entendre avec les scorpions. Les scorpions arriveront à vous adoucir. Les scorpions arriveront à vous lâcher quelques mots, histoire de vous confesser. Histoire de, voilà, de vous délier un petit peu les paroles qui vous bloque. Donc n'hésitez pas à aller discuter avec les scorpions. Les scorpions, c'est quel mois? C'est courant novembre. C'est courant novembre, les scorpions. Salut Cli, comment ça va? Installe-toi. Voilà, donc, les béliers en ce moment, les gémeaux, c'est non. Les scorpions, c'est oui. Ok. Après, l'ambiance astrale. L'ambiance astrale, bon, c'est pas trop ça. En ce moment, les béliers. Hein. Coucou tous ceux qui débarquent. J'adore ce truc. J'adore faire l'astrologie. Ouais, les béliers, en ce moment, l'ambiance astrale, c'est pas terrible. Qu'on se le dise. La période, elle est pas ouf. Hein, elle est pas ouf en ce moment. Vous essayez de rechercher des nouvelles solutions qui pourront vous aider à gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est pas mal. Le temps, est-ce qu'on en a? Non. Donc, il va falloir chercher tout ça. Vous êtes, voilà, vous êtes plutôt pris dans une... Dans un tourbillon de... J'ai envie de faire plein de trucs. Salut Aldexoa. J'ai envie de faire plein de trucs. Et j'ai pas le temps pour ça. Donc va falloir essayer de trouver des solutions pour gagner du temps dans votre histoire, dans votre bordel. Je suis bélier, c'est trop vrai. Mais c'est normal. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un charlatan, je le rappelle. Je ne suis pas un escroc.
Je sais que les béliers en ce moment, c'est pas évident pour gagner du temps. Mais ne vous inquiétez pas. En ce moment, c'est un peu propice pour découvrir des nouvelles choses. Des nouvelles perspectives. Mais pour découvrir des nouvelles perspectives, eh ben, faut gagner du temps. Donc, on évite toutes les choses un peu inutiles. Toutes les choses parasites qui vous fait perdre du temps. Hein, on évite de trop scroller sur son téléphone. On va plutôt aller faire une balade. C'est bon, déjà, ça fait de l'exercice physique. Ça vous donne bon moral. Ça fait du bien. Hein, donc, on essaie de gagner du temps. Pour essayer de faire des choses un peu plus concrètes et un peu plus épanouissantes. D'accord ? Salut Jessie, comment ça va ? Coucou tous ceux qui débarquent. Voilà. Donc, on essaie de faire ça. En tout cas, l'ambiance astrale, les béliers, eh ben, c'est pas top top. En amour, ça va. En amour, alors, si vous êtes célibataire, va falloir, encore une fois, très cher, bah, lâcher prise. Va falloir sortir. Va falloir vous amuser. Va falloir relâcher la pression, hein, pour trouver un ou une partenaire. Parce que, bah, écoutez, c'est pas en restant sur ses acquis, ma foi, très chère personne, que vous allez pouvoir rencontrer du monde. Donc, on sort, les béliers. Hein, on arrête d'être têtu. Et puis, on essaie d'aller, je sais pas, à la soirée que vous repoussez depuis quelques temps déjà. Hein, on essaie, je sais pas, d'aller au cinéma avec ses potes. Peut-être qu'un pote va devenir un... Baby 18. On sait pas. Ah, il se passe beaucoup de choses dans les cinémas, vous savez. Donc, on essaie, en tout cas, de lâcher prise. De comprendre ce qui est véritablement l'amour, puisque l'amour, l'amitié peut devenir un coup de cœur, voire plus. Donc, on se fait confiance et on se relâche. Hein ? On se relâche, mais vraiment. Peggy 18. Ils sont tous moches dans mon collège. Alors, c'est pas forcément dans ton collège, Lil Wayne, que tu rencontreras l'amour. Hein, ça peut être en dehors du collège. J'en sais rien, admettons, tu sors de ton collège. Tu vas aller manger un petit kebab. Tu es en train de croquer dans le kebab. Et là, un bout de viande te coule sur le visage. Et qui arrive pour te ramasser et t'essuyer le visage? Ton âme sœur. Tout peut arriver ce soir. Donc, on ne ferme pas de porte. Voilà, mais il faut se lâcher. Hein. Il faut lâcher prise. D'accord? Le Peggy 18 qui tue, bah évidemment. Mais voilà. Donc, si vous êtes célibataire, va falloir relâcher la tension. Relâchez cette pression qui est quand même très importante. Si vous êtes en couple, en ce moment, il y a beaucoup de moments de doute et d'incertitude. On est sur un moment, voilà, un moment où il va y avoir besoin de dialogue et des dialogues sincères, les béliers. Il va falloir aller droit au but. Hein, on parle. Il ne faut pas hésiter, la communication, c'est la base. On partage les peurs, on partage les désirs. Vous avez envie d'un truc? Dites-le. Vous avez pas envie de quelque chose? Dites-le également. Hein, le secret d'un couple, c'est la communication. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc voilà, ok? La communication, on communique, hein? On communique. Et dans le mot communique, il y a Nick. Et c'est pas pour rien. Donc retenez ça. La communication. Ah, alors, l'argent en ce moment... L'argent, c'est pas trop ça. Ouais. L'argent, c'est pas trop ça. Va falloir essayer de trouver des alternatives. Hein, va falloir peut-être aller comparer le prix de l'essence pour éviter de payer trop cher. Va falloir peut-être supprimer une ou deux sorties, admettons, pour mettre un peu d'argent de côté. Hein, on a un peu la... Voilà, on essaie d'être un peu plus économique que dépensier. Parce que l'argent, ça brûle les draps, et donc, l'argent, bah, ça part vite. Donc, les béliers, on arrête d'être têtu, on arrête de foncer. Et puis, on va peut-être plutôt mettre de côté avant de dépenser tout ça dans le dernier téléphone, le dernier vinyle, le dernier manga. Hein? On met un peu de côté, histoire d'être en sécurité. Peut-être faire des trajets à pied, de prendre une trottinette, au lieu de prendre la voiture, tout à fait, Jessie. Peut-être, je ne sais pas, se dire que non, payer 80 euros la bouteille en boîte, c'est peut-être pas une bonne idée. Que de la payer 10 balles avant de se mettre une murge avant d'aller en boîte, c'est peut-être la meilleure des idées. On pense à l'économie, d'accord? Salut Lenzo, ça va bien et toi? Installe-toi, voilà. Donc on fait attention.
Le bien-être, les béliers, en ce moment, ça va. Mais vous êtes toujours dans le flou, hein, du style j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps, mais j'arrive pas. Et en même temps, vous avez envie d'écouter vos intuitions, les béliers, apparemment. Hein, donc, n'hésitez pas à demander conseil aux gens. N'hésitez pas, voilà, parce que votre avis n'est pas, votre idée n'est pas forcément la bonne. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre famille, à vos amis. Admettons si vous avez une question, professionnelle, vous savez pas si le boulot il est fait pour vous, bah pourquoi pas le demander à quelqu'un. Pourquoi pas demander à l'avis de quelqu'un, voilà, si jamais vous êtes dans un doute, si vous avez envie de éclaircir votre esprit, les béliers. N'hésitez pas, toujours la communication les béliers. On communique. D'accord? Et ce sera bien pour votre bien-être, les très chers béliers. Parce qu'en ce moment, voilà, phase de réflexion. On est un peu entre, vous êtes un peu le cul entre deux chaises les béliers. Vous êtes réflexion, vous avez envie de vous poser, mais en même temps, voilà, vous savez pas comment faire. Vous êtes dans le doute, le doute vous habite. Et merci Noémie pour le follow. Salut Constance. Ouais, le doute vous habite les béliers. Ah, donc on prend la réflexion, hein. D'accord. Bah ça a l'air plutôt pas mal. C'est pas catastrophique, l'horoscope des béliers, je trouve. En ce moment, c'est pas catastrophique, c'est juste, bon, vous pouvez pas blairer les gémeaux, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas catastrophique, mais va falloir prendre du temps pour vous. Le temps vous l'avez pas, mais économisez, essayez de faire un peu le tri dans vos activités qui sont un petit peu polluantes. Hein, moi c'est ce que j'ai fait en tant que Flavien, pas Scorpion, hein, en tant que Flavien. J'ai fait ça depuis 2024, moi je me suis dit nouvelle année. Tu passes moins de temps sur certains réseaux, tu prends plus de temps pour toi, et ça change la vie. Ça vous fait du bien mentalement. Et puis, bah, vous voyez des gens, vous voyez plus de choses, vous voyez plus de trucs. Vraiment, c'est un conseil, que vous soyez bélier ou pas, hein, finalement. C'est d'essayer de faire du tri dans vos passe-temps. Voilà, de faire des petites rations, même si on est très passionné. Voilà, voilà. Ça vous va, les béliers ? C'est pas mal. Elle est béliers, il était très bien. Après conseil coquin, apparemment, ouais, il faut comment dire, ressentir ce que fait votre partenaire. Voilà, donc faut pas hésiter à lui demander ce qu'il veut. Voilà, ça c'est un truc plutôt. Peggy 18. Voilà, donc on arrête de penser solo et on demande à son copain. Bon, ça je vais pas le dire à tous les signes parce que il y a peut-être des mineurs, mais demandez à votre mec ou votre meuf ce qu'elle veut au lieu que ce soit vous. D'accord. Non, j'ai pas encore fait les scorpions. Nous avons fait que les béliers. Vous inquiétez pas. On a fait que les béliers. Voilà. D'aller moins sur les réseaux. Bah alors, c'est peut-être pas d'aller moins sur les réseaux, mais de compartimenter ton temps. Voilà, apparemment. Hein. On compartimente son temps à se dire, bon bah écoutez, là je vais aller là. Bah ce temps-là, bah je vais peut-être pouvoir le donner ailleurs. Admettons, j'en sais rien, si vous avez un jardin, bah faire un peu de jardinage. Si vous avez envie, je sais pas, vous avez, j'en sais rien, des chaussettes à recoudre depuis X semaines, bah faites-le. Prenez votre temps, histoire de dépolluer votre esprit, les petits béliers. En voilà. C'était chouette, les béliers. Alors, en plus, on s'entend bien en ce moment. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, avant d'entamer le prochain live, signe, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais pouvoir faire un tirage de cartes pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce que vous avez une question professionnelle, personnelle? Je vais essayer de vous dire ce que je ressens à travers les cartes. Hein, mon intuition, est-ce qu'elle est bonne ou quoi? Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez, j'en sais rien. Est-ce que mon mec va me quitter? Est-ce que je vais décrocher CDI? Voilà, donc je vais essayer de vous dire, évidemment, un second degré à fond de balle. Hein, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Hein. Je vais essayer de vous dire ce que je pense de mes cartes, avec mes cartes de l'Umbra. Et ensuite, on passera au taureau. Très bien. En fait, tu es qui? Qui est-ce que tu es juste dans mes recommandations? Moi, je suis Flavien, mais c'est toi, t'es qui? C'est toi qui es venu vers moi, c'est pas moi qui est venu vers toi, Noémie. Hein. Canaille. Salut, Rucospé. Moi, niveau travail, comment je vais m'en sortir? Alors, ok, donc on va voir. Oula, bah c'est celle-ci qui est tombée. Alors,
Ça, c'est la question de... Voilà, de la coopération. Là, on est sur la carte de la coopération. Apparemment, tu vas bien t'en sortir. Tu vas avoir besoin de l'aide de tes collègues. Les collègues vont être très bien pour toi. Hein, ils vont t'aider, tes collègues. Tu vas leur apporter comme ils vont t'apporter dans la vie. Donc, je pense que cette carte me dit que tu vas bien t'en sortir, Val. C'est juste que tu vas avoir besoin d'aide. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à tes collègues. Mais tu vas gérer de malade. Hein, tu vas y arriver. Bravo Val, bravo Val. Vais-je trouver un travail? On va voir ça, Ciel. Ah, c'est Ciel. Bon, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qui Clé? Clel? Je sais plus ce que j'ai dit. C'est Ciel. J'avais pas vu. N'importe quoi. Bon, alors, Ciel. Est-ce que Ciel va trouver un travail? Voyons ça. Ah. Là, on est sur la carte de la spirale. On est sur la carte de... Tu as peut-être... Alors, il y a deux possibilités. C'est soit tu vas galérer à trouver un travail. Ça va être un peu le bordel dans tout ça. Va falloir mettre un peu d'ordre, hein, dans tout ça. Ou soit tu vas travailler dans un magasin qui vend des machines à laver. Notamment les spirales. Donc peut-être un magasin du style Electro-Dépôt, Conforama, Darty. Mais je pense que c'est plutôt la première intuition. Ça va être galère. Ne lâche rien. Tu vas y arriver. Mais pas tout de suite. Donc prends ton temps. Bah, pars en vacances un peu, souffle. Ou alors, est-ce que peut-être que tu avais envie de travailler à Darty ou à la Fnac ou je ne sais pas, dans la vente, dans le commerce. Mais je pense que ouais. Pour l'instant, ça va être compliqué. Donc laisse-toi du temps. D'accord? Voilà, c'est un peu le tourbillon, c'est un peu la misère en ce moment. Donc courage, hein, courage. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va, Recosplay, ça va? Alors, Lenzo, est-ce que je vais être papa? Bien, très très belle question. Je vais te dire ça. Hop, hop, attendez, je galère. Hop, oula, ah, bah c'est ça qui est parti. Alors là, on est sur la question de... Là, attendez, la carte plutôt là. Voilà, alors là, vous voyez, cette carte, elle est très spéciale. Parce que nous voyons une personne au milieu avec la lumière et les ténèbres. Donc, tu seras papa. C'est certain que tu seras papa. Mais tu vas varier entre le bon papa et le mauvais papa pour ton enfant. Donc ça va être compliqué, va falloir... Alors c'est mauvais papa, ça veut tout dire et rien dire. Hein, c'est juste que tu vas tellement être... tu vas avoir peur, tu vas te questionner, tu vas... Ouais. Tu vas te dire, mais est-ce que je suis fait pour être père? Tu vas te poser beaucoup de questions. Je vais retirer une carte hein, pour être plus précis. Et la réponse est oui, regarde. Oui, tu vas être un très bon papa. Avec ton partenaire ou ta partenaire, regarde, ça va être l'amour fou. Tu vois, tu auras beaucoup de doutes sur ton chemin. Mais le jour où tu seras papa, Lenzo, il y aura beaucoup d'amour. Il y aura une belle énergie dans le foyer. Ton bébé sera vraiment très très bien gâté. Vraiment, tu vas adorer. Tu vas adorer être papa. Le rôle de père va te combler. Tu vas vraiment kiffer la vibes avec ta meuf ou ton mec. Bravo à toi. Oh, trop d'énergie. Trop d'énergie, j'ai besoin de boire parce que c'est beaucoup d'énergie là. Ouais, j'ai besoin de boire quelque chose. Hein. Bravo à toi, Lenzo, bravo. Ouais, j'ai besoin de... Ouh là là là, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Ah, c'est complètement dingue. Je vais revoir une troisième question, puis on passe au prochain signe. Hein? J'ai pas encore fait les scorpions, ne vous inquiétez pas. On y va partie par partie. Alors... est-ce que je vais avoir une bonne note à mon contrôle de SVT? Très bien. Attendez, j'ai besoin de... Le contrôle de SVT, est-ce qu'il va avoir une belle note? Est-ce qu'il va réussir son contrôle d'SVT? Est-ce qu'il va réussir ou pas son contrôle d'SVT? Est-ce qu'il va réussir et... Ah, va falloir réviser. Là, on est sur la carte de la chance. Ça veut dire que tu vas essayer de faire en sorte que la chance sera, que la chance soit à tes côtés. La chance ne va pas être à tes côtés. Va falloir travailler. Voilà. C'est bien beau de prier, c'est bien beau de faire genre, ouais, je vais l'avoir, hein, les doigts dans le nez. Alors non. Va falloir réviser. D'accord? Va falloir réviser. Donc, tu peux pas miser que sur la chance. Tu peux pas.
Hein, la chance est bien mignon, ça va bien 5 minutes, mais il va falloir réviser. Donc, j'espère que tu... C'est pas trop tard. J'espère que tu vas réussir à prendre du temps pour réviser ton contrôle des SVT, parce que pour l'instant, t'es dans la merde. Ah, ça va être compliqué, cette histoire. Donc, pour l'instant, non. Si tu restes sur les acquis, tu n'auras pas ton contrôle des SVT, mais si tu prends le temps de réviser, tu pourras avoir ton contrôle. Mais rien n'est dit, tu sais, le pouvoir des cartes ne ment jamais. Coucou tous ceux qui débarquent! Oui, bien sûr, regarde! C'est 5 euros la prédiction, Julie a déjà payé. C'est 5 euros la prédiction. Oui, comme on a dit en début de live, 5 balles! 5 balles, vous avez un tirage personnalisé. Voilà. T'as allumé les bougies? J'ai allumé les bougies de la vie. Ce qui est différent. Bien! Préparez vos questions. Préparez vos questions, nous allons retourner sur le prochain signe astrologique, très chère personne. Et nous allons passer au taureau. Au taureau. Est-ce qu'il y a des taureaux dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des taureaux? Est-ce que les taureaux, il y en a? Est-ce que les taureaux sont là? Sur le chat? Ah, Ore-sama et taureau! Ah, mais il y a au moins un taureau. Bon, il y a 12 signes. Normalement, on va avoir au moins une personne dans les signes. Bon, même dans tous les cas, même s'il n'y a pas de signes présent sur le chat, il y a quand même des gens qui nous regardent en replay, hein, sur la chaîne secondaire. Donc, il y a forcément des taureaux qui vont regarder. Hein? Ok. Alors, pour les taureaux. Les taureaux, en ce moment, vous ne pouvez pas blairer les lions. Voilà. Les lions, les taureaux, c'est pas possible. Hein? On évite les lions. Hein? Trop de caractère. Les lions, trop caractère. Vous avez trop de caractère. On essaie d'esquiver les lions. C'est pas possible les lions, c'est l'autre J, vous avez des grosses cornes. Donc bah on évite la confrontation avec les lions. En revanche, comme pour les béliers, eh bien vous vous entendez super avec les scorpions. Décidément, voilà le signe qui est encore mon signe, hein, j'ai pas changé depuis un quart d'heure. Et bah en ce moment on s'entend bien avec tout le monde. On s'entend avec les béliers, on s'entend avec les taureaux. Donc voilà, donc on évite, si vous avez de la famille lion, n'y allez pas, hein, vous leur mettez un petit plan carotte. Si vous avez des amis lions, on n'y va pas non plus, hein, on le laisse sur le teco. Tu es lion, ciel, bah voilà, donc on évite de parler avec ciel. Ore-sama, ciel, on se parle pas, on communique pas sur le chat. On évite ça, sinon ça va très très mal se passer, j'ai pas envie de vous ramasser la petite cuillère. D'accord? Bien, alors, l'ambiance astrale, en ce moment, les taureaux, elle est plutôt bonne, l'ambiance astrale. Vous vous sentez bien. Vous êtes bien, vous planifiez des choses, vous pensez peut-être déjà aux prochaines vacances. Vous êtes plutôt bien de manière financière. Vous n'êtes pas non plus très confortable, mais vous êtes plutôt bien du côté financier. Donc, vous pouvez vous permettre comment dire, des petites surprises de temps en temps. Un petit resto, un petit cadeau, voilà. Vous êtes bien. En ce moment, les taureaux, il n'y a rien à dire, hein, tout est parfait. C'est un peu la joie de vivre en ce moment. Vous dites tout ce que vous avez envie de dire, vous vous sentez bien, c'est vraiment feel good. Les taureaux, bravo à vous. Bravo les taureaux, hein, vraiment pas mal. Hein, en ce moment, vous avez la belle vie. Vous avez envie d'exprimer vos émotions avec des petits gestes. Voilà, des fois, c'est de faire le petit déjeuner. C'est de, je sais pas, d'acheter un bouquet de fleurs pour votre dulciné. C'est d'envoyer un petit message sympa à vos potes, à votre famille. Donc, les taureaux, vous êtes plutôt pas mal. Vous avez envie de renforcer vos liens affectifs, vos liens émotionnels, avec des activités, des sorties, des nouvelles expériences, admettons un doigt dans le fil. Peggy 18. Bref, vous avez envie de raviver la flamme. Donc, n'hésitez pas. Hein, vraiment, c'est un conseil d'amis. N'hésitez vraiment pas si vous avez envie de tenter des nouvelles choses. Exprimez-vous. Hein, bien sûr, mais demandez le consentement d'abord. C'est quand même beaucoup plus simple. Salut Zirel, comment ça va? Hein, donc, vous avez envie de vous exprimer? N'hésitez pas. À travers une passion, à travers de la musique. Exprimez-vous avec de la danse, avec, je sais pas, de la peinture. Merci Tatazou. Tatazou, merci à toi pour le sub. Et bah écoute, si tu restes ici, tu auras le droit à une petite prédiction de mes cartes au cas où. Et merci Maïlis pour le follow Twitch. Voilà, donc en ce moment, bah vous êtes plutôt au top du top, les taureaux. Hein. Les taureaux, c'est super, tout se passe bien, vous êtes heureux, vous vivez des moments heureux. Tout est Hakuna Matata, hein. Vraiment, tout est pas mal. Mais,
vous êtes quand même craintif de potentielles déceptions futures. Voilà, donc c'est pas grave. Des déceptions, vous en aurez. Les taureaux, vous en aurez, mais vous arriverez à passer au-dessus puisque vous êtes un taureau. Et un taureau, ça n'a pas le temps de réfléchir très longtemps. Hein, on va droit au but, on s'en branle, bam, on y va, let's go. Et puis, on s'en fout un petit peu des déceptions parce que vous arriverez tôt ou tard à les surmonter. Et ça, c'est beau. C'est beau. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, il faut essayer de renforcer cette connexion qui est précieuse en couple. Hein, pourquoi pas faire des petites soirées tranquilles afin de raviver la flamme. C'est en osant qu'on se rapproche un peu plus. Donc c'est vrai, osez, n'hésitez pas. J'en sais rien, peut-être que votre dulciné, votre partenaire a envie de faire des choses et que vous aussi, mais vous n'arrivez pas à vous le dire. N'hésitez pas, sortez des sentiers battus. On sort des sentiers battus, hein, bien sûr. On sort, on y va, on est sur de l'inédit, on est sur des nouvelles visions. Hein, je le rappelle, le doigt dans le... Peggy 18. N'hésitez pas à demander, ça peut déverrouiller des portes. N'hésitez pas, je le rappelle, hein, les taureaux, va falloir y aller. Hein. Va falloir demander. Donc, conseil coca, bah, des petites caresses, des mots tendres, voilà, de l'affection. On est sur du... on est sur des belles choses. Et merci Fizette. Merci Fizette qui nous lâche au troisième mois. Mais merci beaucoup. Merci à toi et merci pour le train de la hype. Merci pour le chouchou-train. Le travail, les taureaux? Eh bien, écoutez, c'est parfait, le travail. La vie professionnelle, c'est parfait. Voilà. Il n'y a personne qui vous dira quoi faire. Vous avez des idées innovantes. Vous êtes leader dans le domaine. Vous avez envie de... Vous avez ce besoin de d'éclairer votre équipe. Vous êtes bien. Vous êtes... vous avez... vous êtes dans la sécurité. En même temps, vous êtes... vous arrivez à répondre à toutes vos questions. Tout est impeccable. Voilà. Vous allez au boulot tranquille. Sans boule au ventre. Sans appréhension. Le boulot, c'est nickel. Vraiment, c'est parfait. Il n'y a rien qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, clairement, le travail, c'est 10 sur 10 pour le travail. Bravo! Oui, on a pas encore fait les scorpions, là. On est sur les taureaux. Les finances, eh ben, on est un peu sur du coussi-coussa. Ça veut dire que vous êtes très confortable, mais à tout moment, ça peut vraiment tout partir en vrille. Ça veut dire que vous êtes peut-être, vous allez peut-être être tenté à acheter quelque chose de excessivement cher. Un projet futur, vous allez peut-être pouvoir... vous avez peut-être envie de, je sais pas, d'acheter un truc qui va vous demander peut-être de miser toute votre épargne. Est-ce que c'est le bon move à faire? Je ne pense pas. Donc essayez de vous fixer plutôt des petits trucs, étaler les paiements, peut-être histoire de soulager votre compte bancaire et votre livret A. Mais vous avez des pulsions d'envie de... Ouais, vous avez envie de dépenser. Hein. Vous avez envie de dépenser fort, vous avez envie de dépenser bien. Ça peut vous foutre dans la merde. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Hein. Je le rappelle, vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt confortable, mais vous avez envie de dépenser sévère. Donc, à vous de voir. Si vous dépensez, à vos risques et périls. Si vous dépensez pas, ou peu, ça peut aller. Donc, on revient sur le truc du départ. Les économies. Exactement, on va savoir. L'entourage. Un ami perdu de vue a besoin de vous entendre. Oh. Il y a peut-être des gens à qui vous n'avez pas donné des nouvelles. Depuis très longtemps, les taureaux, va falloir prendre le temps de se faire un petit coup de fil, là. Un petit WhatsApp, un petit Snap, histoire de voir que bah, les liens n'ont pas bougé. Il y a peut-être des gens qui vous réclament. Certainement, vous manquez à des gens parce que vous donnez pas beaucoup de nouvelles. Donc, va peut-être falloir y aller, là, quand même. Merci, Manu. Et Manu qui nous lâche deux subs. Merci, Manu, pour ce train de la hype. Salut, Lisa. Voilà. Donc, va falloir peut-être... se bouger le fiac, hein, et aller donner des petites nouvelles aux gens. Sinon, bien-être, c'est pas mal. Et merci, Wannabe. Oh là là, mais c'est beau, c'est beau. Merci, Wannabe, qui nous lâche un sub également pour la commu. Mais merci à vous pour la force que vous donnez. Hein. Merci infiniment. Là, tu vois, par exemple, Loresama, ne lâche pas tes thunes dans des subs. Voilà, c'est très mauvaise idée. Hein, on les garde. On les garde, d'accord, pour plus tard. Pense à la machine à laver qui va tomber en panne. Donc, Orisama ne suit pas le mouvement du train de la hype. Ce n'est pas le moment en ce moment. Très bien.
Et puis, bah sinon, le bien-être, tout est ok, hein. Vous êtes bien, ça revient à ce qui s'est dit au début du live. Vous êtes au top, les taureaux, vous êtes parfaits, vous êtes bien dans vos pompes, bien dans votre tête, bien dans votre corps. La clé du succès, bah vous l'avez, les taureaux, donc bravo à vous. Oh, bravo les taureaux. Bah taureaux, vous êtes trop bien, hein. Eh, taureaux, vous êtes au top du top, les taureaux. Vous êtes au top, vraiment, que du kiff, que du 10 sur 10. C'est vraiment génial, les taureaux, en ce moment, hein. Bravo, les taureaux, hein. Bravo. Ouais. Go devenir un taureau. En ce moment, il est bon de devenir taureau, ouais. Ouais. C'est bien. Ouais, je crois qu'on va... De toute façon, on peut devenir qui on veut, hein, finalement. Moi, si j'ai envie d'être un taureau aujourd'hui, bah, je suis un taureau. Je pense qu'on peut, on a le droit, non? De devenir un taureau. J'arrive à ouvrir ma porte pour ma louloute. Mais oui! Eh, soyez le taureau que vous avez envie d'être taureau. Hein. Voilà. Si vous avez envie d'être un taureau, soyez un taureau. Hein. Je veux dire, qui va vous empêcher d'être un taureau? Personne. Donc, soyez un taureau. Voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, les taureaux sont plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, bravo les taureaux! Très sympa! On va repartir sur un petit tirage, je vais voir un petit coup. Bon, sachez que c'est des trucs que je trouve évidemment sur internet. Je mets un petit peu mon interprétation. Mais c'est réel, hein, ce qui se dit. Donc, écoutez, ma foi, bravo les taureaux, c'est très très bien. Fier de vous. Hein. Si vous êtes taureaux sur YouTube, là, ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage et de mon interprétation. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était bien les taureaux. Et puis on va passer, on va faire quelques tirages de cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. N'hésitez pas à balancer les questions, j'en prends 3-4, hein, comme d'hab. Et on passera au prochain signe. Voilà. Est-ce que mon cousin est drôle? Bah alors, écoute, je peux répondre à cette question, mais je pense que toi seul le sais. Mais je peux poser cette question. Est-ce que ton cousin est drôle? Est-ce qu'il a de l'humour, ton cousin? On va voir ça, on va demander aux cartes. On va demander aux cartes. Oh, est-ce qu'il est drôle? Alors là, on est sur la carte. On est sur la carte solaire. Donc, en gros, ce qui veut dire que ton cousin, il est pas drôle. Il est pas spécialement drôle. Mais il est gentil. Voilà, il est gentil. Il est solaire, ton cousin. Il est solaire. Ce qui fait qu'il peut être assez amusant, voilà, il peut être sympathique à regarder, sympathique à écouter. L'humour, c'est pas sa qualité. Non, c'est juste qu'il est sympa. Voilà, il est gentil, il est plutôt... C'est ton cousin, quoi. Voilà, on va pas non plus trop lui en demander. Voilà, mais il est plutôt sympathique. Alors, est-ce que je vais être en couple? Alors, Tropper nous demande s'il va être en couple. Très bien, je demande à l'âme des cartes. Ça courage, chasseuse de cartes. Voilà. Voilà. Alors voyons. Oh là là, je pense que c'est ici. Alors est-ce que tu vas être en couple? Alors écoute. Oui, uniquement si tu montres ta lune. Hein, avec la carte de la lune. Oui, tu seras en couple, mais va falloir faire quelques concessions. Hein, va falloir se montrer et bien comme il faut. Comme tu vois, la carte de la lune, c'est très important. Si tu ne montres pas ta lune à la personne qui te plaît, ça passera pas. Tu ne seras pas en couple, hein, Tropper. Donc montre ta lune, histoire d'être sûr d'être en couple. Hein, la carte lunaire ne se trompe jamais. Et c'est vrai qu'une lune que tu montres, clairement, tout se démontre. Donc n'hésite pas à montrer ta lune et tu seras en couple. Voilà. La carte lunaire ne se trompe jamais. C'est un très beau signe, la carte lunaire. Hein. Voilà, d'accord. C'est, voilà, toujours montrer sa lune aux gens. Voilà, Tropper. Donc, ne lâche rien. Ne lâche rien, Tropper. Est-ce que je vais rater mon permis de conduire? Alors, est-ce que tu vas le rater? Donc, déjà, je sens comme... tu es pessimiste. Tu es pessimiste. Moi, j'aurais plutôt dit... La question, ça aurait été plutôt... Est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? C'est ça, la différence. Ça veut dire que toi, tu vois le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Donc, essaie plutôt de voir les choses dans ce sens-là, déjà. Ne pas se dire que je vais le rater. Non, est-ce que je vais l'avoir? On change de mindset, hein, en 2024. Alors, est-ce que tu vas rater ton permis? Je vais te dire ça. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai besoin d'un peu plus de chakra. Alors, non.
Je pense que tu vas avoir ton permis. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais on est sur la carte des animaux et des moyens de transport. Donc, tu pourrais partir en avion sur le dos d'un je sais pas, on dirait quoi, là, une panthère ou d'un serpent. Non, on voit que c'est le voyage. On est sur... Tu vas bouger. Tu vas bouger de manière très radicale. Non, tu ne vas pas rater ton permis. Non, non, non. On voit que tu vas être très volage. Tu vas être très volage. Tu vas avoir envie de... Tu vas voyager, donc, ce qui veut dire que tu auras ton permis. Tu l'auras. Voilà, attends, je vais essayer de confirmer tout ça par un autre tirage. Voilà, le voyage. Et tu vas gérer tout ça, regarde. En plus, tu vas avoir une très bonne note pour le permis de conduire. Regarde-moi ça. Le soleil brille. Tu vas être un ange sur la route. Regarde. Donc, ça va être super. Non, non, tu vas avoir ton permis, chérie. Bravo, Lisa. Tu vas tout gérer au permis, bravo. Non, non, tu vas l'avoir. Et haut la main en plus, donc fais-toi confiance, Lisa. Ouais, fais-toi confiance, hein. Et fais-moi confiance au PayPal aussi, hein. Oublie pas le don de 5 euros, hein. Hein, on n'oublie pas le don. Évidemment. Mais tu auras ton permis, ça c'est sûr. Ouais, 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 ouais. On va essayer de passer à une autre question. Est-ce que je vais me trouver un copain cette année? Ah! Alors, est-ce que Pharmacia va se trouver un copain cette année? Écoute. On va voir ça. Les cartes ne se trompent jamais. Eh bien, écoute, apparemment, oui. Tu trouveras quelqu'un. Alors, vous serez peut-être pas sûr sur le mot qui décrira votre relation dans un premier temps. En tout cas, tu vas rencontrer quelqu'un. Est-ce que ce sera ton copain? Pour l'instant, tu sais pas. Tu vas rencontrer quelqu'un d'important. Cette année sur ta route, hein, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, tu ne sauras pas si c'est ton mec, hein. Tu vas pas trop te prendre non plus la tête, hein. Je veux dire, c'est déjà bien que voilà, tu rencontres quelqu'un, donc plutôt pas mal. Mais cette personne va t'aider, déjà, elle va t'apporter du positif. Donc, ça ne peut qu'aller. Mais tu vas pas mettre de mots sur ta relation pour l'instant. Tu vas rencontrer quelqu'un. Est-ce que ce sera ton mec ou pas? Est-ce que ce sera l'homme de ta vie ou pas? Tu ne sais pas. Tu vas pas trop te prendre la tête. On va voir. Attends deux secondes. Ah, ah, ça risque d'être un homme toxique. Ouais. Aïe, 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 aïe. Donc, non. Tu vas rencontrer quelqu'un, mais cette personne va peut-être te faire du mal. On sent que c'est une personne qui, ouais. Tu vois qu'elle porte l'œil. Hein, regarde le gros yeux, là. Tu vois? Ouais. Elle porte l'œil. Donc, Pharmacia, tu vas rencontrer quelqu'un pour répondre à ta question. Oui. Mais ce sera pas forcément la personne que tu attends depuis longtemps. Donc, fais très attention à tes rencontres, hein, d'accord? On évite les endroits bizarres pour rencontrer des gens. Ouais, voilà, mais... Après, les cartes ne se trompent jamais. Les cartes ne se trompent jamais. Une petite dernière question? Ah, ça va être compliqué, hein. Ouais, je vous l'avais dit, les cartes ne se trompent jamais. Est-ce que je vais être embauché après mon stage? Ah! Alors, est-ce que le stage va donner un petit CDI, un petit CDD? Écoute, on va voir ça. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Je pense que c'est clairement pas le... Non. Tu peux oublier le contrat, là. Là, clairement, tu es en mode surveillance. Donc, ça veut dire que tu feras peut-être pas l'affaire à ton stage. Voilà, on voit que là, ça craint du boudin. Ouais, donc fais-toi petit ou petite. Parce que, bon, c'est pas ça va pas être ton... Ça va pas être le boulot, ça va pas être ton boulot. Là, clairement, c'est pas le moment. D'accord? Donc, finis le stage. Envie de préférence. Courage. Non, tu ne vas pas avoir... Non, non, ouais, ouais. Tu vas pas avoir de travail. Désolé, ouais. Désolé. Je suis désolé. Hein. Moi, je suis là pour dire les choses. Hein. Je suis là pour dire les termes. Mais ça craint. Ça craint fortement. D'accord? Donc, courage pour le stage. Hein, on t'envoie de la force. Ah, les cartes ne se trompent jamais. J'ai besoin de boire parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie quand même. Oh, ouais, je vous l'avais dit. Hein. C'était beaucoup de tension. Hein. On passe au prochain stream. Au prochain stream, pas du tout. On passe au prochain signe. Allez, le prochain signe. Alors, quel est le prochain signe? Le prochain signe... Ah, le prochain signe, c'est les Gémeaux. Bon, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux.
Les Gémeaux, est-ce qu'il y a des Gémeaux dans la salle? Est-ce qu'il y a des Gémeaux sur Twitch? Est-ce qu'il y a des Gémeaux sur YouTube qui regardent en replay? Est-ce que des Gémeaux sont là? Ah, Kazito, t'es Gémeaux? D'accord, donc c'est pour ça, du coup, le stage et le train. D'accord. Bon, et ben on embrasse tous les Gémeaux, hein, quand même. Voyons les Gémeaux. Bien. Alors, eh bien les Gémeaux, en ce moment, vous pouvez pas blairer les Gémeaux. Bon alors vous, ça m'étonne pas. Vous êtes mi-figue, mi-raisin, les Gémeaux. Même des gens de votre propre signe, vous pouvez pas les blairer. Ça veut bien dire qu'il y a un souci quelque part. Hein, donc les Gémeaux, en ce moment, on peut pas parler avec les Gémeaux. En fait, vous avez du mal à parler avec les gens, finalement. Mais vous vous entendez bien avec les Vierges. Voilà, donc avec les Vierges, c'est plutôt pas mal. Avec les Vierges, voilà. Mais avec les Gémeaux, vous êtes double face. Parce que vous n'arrivez pas à dialoguer, parce que vous savez comment sont les Gémeaux. Parce que vous êtes Gémeaux, évidemment. Donc, vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous n'avez pas envie de parler forcément avec les Gémeaux. Mais avec les Vierges, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien avec les Vierges. Est-ce qu'il y a des Vierges dans la... Alors, quand je parle de Vierges, je parle du signe astrologique. Est-ce qu'il y a des Vierges sur le chat? Est-ce qu'il y a des Vierges? Au cas où, les Gémeaux peuvent s'entendre avec les Vierges. Hein, voilà. On parle toujours de l'astrologie. Ok. Y a pas de Vierge? Non, depuis... Oh, d'accord. Bon. Je m'en doutais que quelqu'un... Allez, bon. Allez, on reprend. On va reprendre les Gémeaux. Ah, bah, évidemment. J'en étais sûr. Alors, l'ambiance astrale. En ce moment, les Gémeaux, il y a des difficultés. Au travail, il y a un manque de sérieux, il y a un manque d'organisation. Voilà, vous avez besoin de reconnaissance, les Gémeaux. Vous avez besoin... Bah, ça tombe bien avec le stage, ça me fume. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de succès, mais le succès, bah, ne va pas arriver. Voilà, donc, va falloir remettre un peu de... Va falloir vous remettre un petit peu en question, les Gémeaux. Voilà, en ce moment, c'est pas forcément la faute du collègue, c'est pas forcément la faute du boss, hein, si vous y arrivez pas, c'est peut-être de votre faute aussi. Donc, il faut se remettre en question, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'affronter ses propres difficultés et de pas trop essayer de les étaler dans votre milieu professionnel, parce que ça se ressent, hein, si on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien, on peut montrer aux gens que nous sommes pas bien, et ça peut avoir de l'affect, ça peut avoir une sorte de, ça peut avoir d'impact dans votre travail, donc on essaie de mettre de l'ordre dans sa tête d'abord, les Gémeaux, je pense que ça vous fera pas de mal. Ensuite, votre vie amoureuse, bah écoutez, va falloir s'adapter en douceur, avec des moments qui sont cruciaux. Voilà, donc ça peut être la location d'un appartement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'arrivée d'un bébé. Va falloir s'adapter en douceur. On se met pas la pression, les Gémeaux. Les changements de la vie, voilà, on fait face aux changements de la vie. Prenez le temps de renforcer les liens avec votre partenaire. Par exemple, des petits cours de cuisine, une simple promenade, d'échanger, de communiquer. Malgré qu'il y ait des tempêtes de malades en ce moment, notamment à cause de vous, les Gémeaux. Voilà, en ce moment, c'est un peu... vous êtes un peu une tornade. Vous avez envie d'un peu de foutre la merde, de mettre votre petit grain de... Votre petit grain de sel. Mais, ok, donc, avalez un petit peu votre fierté. Rangez-la, mettez-la de côté. Et ça ira mieux pour anticiper un potentiel avenir amoureux de manière sereine. D'accord? Voilà, donc on fait attention, hein. Si vous êtes célibataire, bon, écoutez, c'est le moment de rééquilibrer votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, en gros, votre vie. On la rééquilibre. Voilà, les Gémeaux, vous êtes double face. Hein, il y a un côté qui dit, ouais, fais de la merde. Il y a un côté qui dit, non, fais plutôt ça. Donc, on essaie de trouver un bon chemin. Alors, on essaie de trouver le meilleur des chemins. On essaie de savourer chaque instant de liberté, on essaie de s'épanouir au travail, même si on essaie de prendre sur soi. Si vous aimez pas un collègue, c'est pas grave, gardez-le, n'allez pas mettre une mauvaise ambiance, hein, c'est pas grave, ça arrive. Des journées comme ça, il y aura des journées de merde, d'accord? Mais demain est un autre jour,
Hein, on prend du temps pour soi. Voilà, vous êtes très changeant. Donc, il va falloir essayer de s'adapter et de faire en sorte que de pas trop monopoliser le lieu professionnel et la vie en général. Ouais, c'est un peu comme genre démon, ange et démon, genre mayo ketchup. Hein, on peut se mélanger, hein, c'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même bien de laisser la mayonnaise avec la mayonnaise et le ketchup avec le ketchup. Le mélange peut se faire. Mais on va pas commencer non plus à créer des trucs qui ne sont pas mélangeables. Bon, alors le travail en ce moment, bah, c'est la cata. Voilà, comme on le dit, le travail, ça va pas du tout là. Va falloir la prudence. La prudence dans les relations au bureau, au travail. Ouais, c'est... On évite. On évite de mettre des... hein. On évite de comment dire, de faire des échanges qui peuvent amener à des terribles conséquences. Hein, si tu veux tenir à ton stage. Je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit, c'est pas pour rien. Donc on fait très attention aux conversations avec les collègues. Comment on démarre une conversation. Est-ce qu'elle va être mal interprétée, hein, pour maintenir une ambiance de travail saine et respectueuse. Voilà, à plus Jessie. Voilà. En revanche, côté finance, eh ben c'est pas mal. Voilà. Vous avez besoin de quelque chose? Vous pourrez l'avoir. Vous avez envie de quelque chose? N'hésitez pas à le faire. Vous avez envie d'acheter quelque chose? Let's go, c'est le moment. Voilà, vous avez assez économisé. Vous pouvez économiser. Vous pouvez profiter. Vous pouvez vous amuser un petit peu. Donc vous pouvez quand même, hein, vous avez travaillé. Le travail vous a donné beaucoup d'argent, peut-être une stabilité financière. Eh ben, profitez-en bien. Voilà, pour essayer, pourquoi pas, de réaliser vos rêves sur du long terme. Un voyage, acheter une voiture, acheter une trottinette électrique, acheter un truc qui vous fera plaisir, mais sur du long terme. D'accord ? L'entourage, écoutez, l'entourage, c'est pas simple. Hein, vous êtes parti par parti. Hein. Ouais, c'est pas simple. L'entourage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va avec les. avec les Gémeaux. À part la moula. À part l'argent. Les Gémeaux, va falloir essayer d'être plus attentif. Ouais, avec les gens. Par exemple, un ami en deuil. N'hésitez pas à l'écouter. Voilà, sans juger. Juste un réconfort. Ça peut être pas mal. Essayez d'être solidaire. Ne pensez pas qu'à votre gueule. Si vous êtes dans une communauté, prenez le temps d'échanger avec les gens de la communauté. Vous n'êtes pas le centre du monde. Hein, une présence est une présence, mais on fait en sorte qu'elle soit silencieuse. Hein, parce qu'on vous a assez entendu, les Gémeaux. D'accord? Voilà. Donc on se tait. Et on écoute. Et pour le bien-être, bah, c'est pas fou non plus. Voilà. Hein, on priorise l'équilibre émotionnel. S'il y a quelque chose qui vous pèse, il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui vous saoule, prenez des pincettes. Voilà, parfois c'est bien de s'éloigner un temps, histoire de faire le vide, pour revenir et défoncer des bouches. D'accord? Et ça c'est vrai, ça marche partout. Donc les Gémeaux, s'il y a une situation qui vous pèse, que vous avez envie de d'en découdre, si vous avez envie de péter des bouches, soit vous pétez des bouches, à vos risques et périls, hein, surtout pas au travail apparemment. Mais prenez plutôt du recul, allez faire un tour. D'accord? Allez faire un tour et revenez, vous allez voir que la situation peut être apaisée. Et sinon, après le reste, l'esprit, vous êtes en phase de réflexion sur tout et de n'importe quoi. Ça bouillonne, les Gémeaux. Il y a de quoi. Donc, courage, courage à vous les Gémeaux. Oh là là, mais pourquoi ça ne m'étonne pas, hein, bizarrement. Pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est marrant, hein. Ça ne m'étonne pas du tout, les Gémeaux. Voilà. Va falloir, hein. Donc, le stage, on s'accroche. On s'accroche au stage. Hein, on fait pas trop le malin. C'est compliqué, là, les Gémeaux, hein. C'est... Hein. Donc, on... Courage. On ne lâche rien. Non, t'inquiète, Kazito, t'inquiète. Tu vas y arriver. Mais il faut juste se faire petit. Non, on va pas non plus... On peut être pas plus haut que son cul. Ah, d'accord. Mais ça va le faire, hein, courage. Courage à vous, les Gémeaux. Salut, Florian. Ah, c'était... Mais après, c'est l'horoscope, hein. Vous savez, c'est... Parfois, on a l'impression que tout va bien, mais l'horoscope ne ment jamais. Et surtout, mes interprétations, vous le savez que moi, je suis un expert. Donc, oui. Il faut absolument me faire confiance. Courage, Kazito, courage.
Ça va, Florian? Courage, courage à vous, hein. On croit en vous, les Gémeaux. Est-ce que des gens ont des questions? Est-ce que vous avez des petites questions? N'hésitez pas à poser les questions. Décidément, mon chien a vraiment besoin de moi aujourd'hui. Posez vos questions, j'arrive. Si vous avez des petites questions, si vous voulez que je réponde à vos questions de manière la plus sincère possible grâce aux cartes, n'hésitez pas, hein, vous me dites et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi-même grâce aux cartes. Est-ce que je vais gagner plus de 3 euros à l'euro million? Ah, salut Axel! Est-ce que tu vas être riche grâce à l'euro million? Hein, c'est ça la question, clairement. Plus de 3 euros. On va voir ça. Attendez, j'ai cette partie-là qui... Cette partie-là qui s'est échappée de mes doigts, c'est un signe. Trois cartes qui sont très compliquées. Alors, première carte, on est sur la carte qui va te permettre... Tu vas tenter, tu auras envie de jouer. Alors, on est sur la carte de let's go, on tente, on donne tout. On tente sa chance, hein, on tente. Donc tu vas essayer de jouer à de multiples jeux. Tu vas essayer l'euro million, les jeux à gratter, voilà, t'as un euro ou deux que... Tu vois là, il y a une petite pièce de 50 centimes, un euro là au milieu. Tu vas dépenser un petit peu de moula en pensant gagner de l'argent. Est-ce que tu vas en gagner de l'argent? Eh ben écoute, un petit peu. Regarde, Julie avec son petit sac là, son petit baluchon. Oui, tu vas gagner un peu de thunes. Regarde, tu vas même te barrer avec ton argent, Julie. Regarde-moi ça, hein, tu vas gagner un peu de thunes, donc tu vas gagner plus de 3 euros largement. Regarde, tu vas même vouloir faire des voyages, tu vas profiter, voilà, tu vas kiffer avec ton argent. Mais attention, tu vas tout perdre. Oui, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Oh là 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 là, attention, t'as voulu te barrer trop vite? Eh ben voilà, tu n'as pas pensé aux conséquences, non, tu n'as rien mis de côté, non, t'as tout dépensé. T'as été je ne sais où à Las Vegas, t'as cru que la vie c'était une fête, que la vie c'était un kiwi. Eh ben tu vas en payer les conséquences. Donc tu vas faire des crédits, tu vas faire des prêts à Cofidis et Sofinco. Tu vas te mettre dans la merde, hein, histoire de pouvoir payer ton loyer. Et ça va être la cata. Donc fais attention à toi Julie, très important. Tu vas gagner de l'argent mais fais bélec. Fais bélec Julie à l'argent que tu gagnes. L'argent c'est ça va, ça vient. D'accord, Julie? Mais au moins, t'as gagné plus de 3 euros, c'est bon! Ah, désolé, c'est... Le tirage... Les cartes ne mentent jamais. Les cartes ne mentent jamais. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je vous l'ai dit, hein. Ah, ouais. Je vous l'ai dit. Est-ce que je vais être VIP? Bon, moi, je connais déjà la réponse, mais bon. Je vais te faire plaisir. Moi, je connais déjà la réponse, hein. Alors... Et voilà. En fait, la réponse, elle est... En fait, tu vas être là, mais t'es pas trop là, t'es pas très stable. T'es pas une personne très stable. Donc non, tu ne seras pas VIP. En fait, non. Parce que en fait, t'es un peu tourbillonnante. T'es un peu volage. Hein, tu vas là, à droite, à gauche, tu viens, tu pars, tu ne sais plus trop te poser, en fait. T'es un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est genre... T'es un peu dans le tourbillon de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, tu seras pas VIP en tout cas, tu ne donnes pas les chances d'être VIP. Non Lil Wayne, non. Ça va pas être possible, voilà. Parce que t'es trop volage, t'es trop machine à laver. T'es un peu dans le tambour de la vie, donc ça va pas être possible. Est-ce qu'il y avait une autre question? J'ai vu qu'il y en avait plein mais je les ai oubliées. Est-ce que mon mec va faire une crise de la quarantaine? Ah! Je vais dire ça tout de suite. Est-ce que ton mec va te faire la crise de la quarantaine? Ça, c'est une très très bonne question. Voyons ça. Ok. Celle-ci. Je la sens bien, celle-là. Oh là là. Il va y avoir de l'orage dans l'air. Oh là là, misère. Oh là là, ça, c'est ton mec, là. Ton mec, il va avoir une conjonctivite, d'ailleurs, qu'il fasse bélec. Hein, merci pour le follow, Jade. Tu dis à ton mec de faire attention à la conjonctivite. C'est très important. Hein, il fait attention. Ton mec va avoir une conjonctivite, donc on évite de frotter. Mais oui, il va y avoir de l'orage dans l'air. Oh là là, ça va péter. Ça va péter. Ouais. Il va faire une sacrée crise de quarantaine. Alors là, va falloir prendre du recul. Hein, tu dis qu'il fait attention. Voilà.
qui se détend la nouille, hein, donc qu'il essaie de faire en sorte de mettre de l'eau dans son vin, il va pas kiffer d'avoir 40 ans. Il va pas kiffer du tout. Et surtout qu'on va lui rappeler souvent. On va lui dire, hé, t'as 40 ans, ça fait quoi d'avoir 40 ans? Bah allez, il va péter des bouches. Donc, il va passer un sale moment. Mais j'espère que tu seras là pour l'été, dans cette dure épreuve. Voilà. Ah, c'est compliqué, hein. Ça craint du Bouddha. Ouais, ouais, ouais. Ça craint fortement du Bouddha. Ah, la crise de la quarantaine. La fameuse. Mais oui. La fameuse crise de la quarantaine. Il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde, je scroll un petit peu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que je vais devenir ami avec cette personne? On va voir ça. Est-ce que Amaury va devenir ami avec cette personne? Oh, celle-ci. Alors... Ah, ça va être de l'amitié à... Ça va être très possessif comme amitié. Ah, l'amitié va être très possessive. Ça va pas être très sain. Cette amitié. T'auras envie d'être ami avec cette personne. Cette personne aura pas forcément envie dans un premier temps, mais vous allez vous dire allez, let's go, vous allez vous voir, voilà. Cette amitié ne va pas être très saine. Voilà, donc moi ce que je te tu peux être ami si tu veux avec cette personne, hein, Amaury bien sûr. Oh, tu peux, mais à tes risques et périls. Ça peut sentir la merde, hein, ça peut sentir le fiac. Moi, je préfère te dire, ne sois pas trop ami avec ce genre de personnes. D'accord? On fait attention. Allez! Gardez vos questions pour plus tard. N'hésitez pas, même si vous avez déjà posé des questions, reposez-les plus tard. On va passer au prochain signe astrologique. Ouais, fait Bélec. Hein, les amitiés, ça craint du Bouddha, hein. Ouais, ouais. Gardez vos questions, je les lis tout à l'heure. Le prochain signe. Le prochain signe astrologique, c'est le cancer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont cancer sur le chat? Les cancers. Est-ce qu'il y a des cancers ce soir? Ah, il y a des cancers. Julie, cancer. Et ben voilà. Et ben on va voir si ton horoscope il est bien. Alors, cancer. Allons-y. Let's go. C'est pas grave, dans tous les cas, il habite en Belgique et moi en Bretagne. Bah, tant mieux. Au moins, la distance, voilà. Au moins, tu vas pas non plus entamer une amitié. Les lions sont passés? Non, je crois pas. Les lions, pas encore. On est au cancer. Alors, cancer. Les cancers, en ce moment, c'est pas trop ça avec les vierges. Non, c'est... Oula. Ça craint avec les vierges en ce moment, les cancers. Voilà, donc s'il y a des vierges en ce moment, on évite trop d'échanger avec les vierges. C'est pas vos potes en ce moment, c'est... On prend des distances. Voilà, donc c'est pas trop possible. Mais en revanche, les cancers, vous allez avoir envie de parler avec les gémeaux. Les gémeaux vont vous faire de la peine. Les gémeaux, vous avez envie d'échanger avec les gémeaux en ce moment. Voilà, vous avez envie d'être un petit peu leur, comment dire, l'épaule sur laquelle ils vont chialer. Hein, donc, vous allez être très, très connecté avec les gémeaux, les cancers. Mm-hmm. Oui, très connecté avec les gémeaux. Donc, Casito, t'inquiète. Voilà, Julie, elle est là pour t'aider. N'hésite pas à l'écouter. Avec, d'accord. Casito, Julie, hein, on reste ensemble. On reste soudés en ce moment. Bien. Eh bien, écoute, passons sur l'ambiance astrale. Je serai toujours là pour toi. L'ambiance astrale des cancers. Bah écoutez, vous parlez avec sincérité en ce moment. Vous écoutez attentivement. Vous prenez du bon temps. Vous passez des journées vraiment idéales. Vous exprimez vos idées. Vous exprimez vos pensées. Même des choses très, pudique, et ben vous les dites, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de donner du... Vous avez envie de transmettre de la bonne vibes dans votre entourage, vous avez envie de soutenir les gens, vous avez envie d'être à l'écoute des gens, et ça c'est beau. C'est très beau les cancers, vous avez envie vraiment de vous exprimer en ce moment,
vous avez envie de communiquer également. Vous avez envie d'être la personne qui va peut-être rassurer les gens, qui va leur remonter le moral, qui va dire des trucs sympas. Voilà, notamment avec les Gémeaux, ils en ont besoin, donc on n'oublie pas de les dire. Voilà, donc vous parlez avec sincérité, vous parlez avec, avec votre cœur. Ça, c'est beau. Votre vie amoureuse. Alors en ce moment, vous partez dans une quête un peu de croyance spirituelle en ce moment. Voilà, on est sur le karma, vous parlez de karma, vous parlez de bon œil, vous parlez de mauvais œil, vous parlez de méditation, vous parlez de yoga. Vous avez envie de vous détendre, pourquoi pas par un sport, avec votre partenaire, si vous êtes en couple, hein, je le rappelle. Vous avez envie de partager un hobby qui va vous détendre, notamment de la méditation. Vous avez envie de souffler, vous avez envie de renforcer votre complicité ensemble, via des étirements, via des exercices de relaxation qui va vous permettre d'échanger de manière coopérative. N'hésitez pas à grandir ensemble, à vous étirer ensemble vers quelque chose de bien, quelque chose de bon. C'est merveilleux ce qui se passe, c'est beau. Hein, les cancers ? Donc, si vous êtes en couple, bah, c'est plutôt pas mal. Hein, vous avez envie de partager des belles choses. Pourquoi pas de la natation ? Pourquoi pas aller à la salle ensemble ? Faites du sport. En tout cas, vous avez envie de faire des trucs qui vont vous détendre ou alors qui vont vous soulager. Si vous êtes célibataire, eh ben, c'est le moment de casser la routine du célibataire. Là, c'est le moment. Eh, les cancers ! Hein, on se retire les doigts du fiac, les cancers. C'est le moment pour partir à l'aventure, de s'enrichir votre vie personnelle. Pas forcément de rencontrer quelqu'un, les cancers. On s'en fout. Vous êtes célibataire, ça peut très bien se passer. Vous aimez bien votre vie de célibataire. Vous n'êtes pas contre à une rencontre inattendue, mais vous n'êtes pas non plus dans l'urgence, quoi. Ça vient pas, on s'en fout. Clairement, j'ai la console, j'ai la téloche, j'ai mon paquet de chips, on est bien cousins. Donc, vous allez peut-être en profiter pour enrichir votre vie professionnelle. Voilà, donc vu que vous êtes célibataire, ça va vous profiter peut-être de gagner un peu de temps dans votre travail, de saisir des collaborations, de l'autonomie dans votre travail. Vous avez envie de prendre des initiatives, pourquoi pas suggérer des petites réunions, histoire de développer quelques idées que vous avez en tête dans votre travail. Prendre du temps pour vous aussi, déléguer votre travail aux gens. Vos collègues, c'est vos collègues. C'est des gens avec qui vous vous entendez bien. Vous ne faites pas forcément un travail facile. Voilà, donc vous avez besoin de cohésion. Vous avez besoin de choses innovantes, efficaces. Et que chacun mène un petit peu sa contribution. Voilà, vous n'êtes pas forcément tout seul ou toute seule, les cancers. Donc, essayez de faire en sorte d'apporter des belles idées pour que votre environnement de travail soit le plus harmonieux possible et le plus simple. Parce que, il n'y a pas que vous qui bossez là, hein. Il y a une équipe là-dedans, là. Donc, on ne fait pas les tâches à gratte, hein. On délègue un peu et on demande aussi un peu d'aide, s'il y a besoin. Les très chers cancers. L'argent, bah, tout va bien. Eh, l'argent, tout va bien, les cancers. Bon, dis donc, on se refuse rien. Eh, on se refuse rien, voilà. Tout va bien, on peut aller faire des beaux petits week-ends, on peut aller visiter des musées, se faire des petits pique-niques. Pas forcément besoin de lâcher un max de moula. Mais, vous si vous avez besoin de lâcher un peu de moula, les cancers, vous pouvez. Hein, vous pouvez vous permettre. Le vrai luxe, et vous le savez, les cancers, c'est d'apprécier eh bien, les choses simples. Les choses peut-être même gratuites. Par exemple, les visites de musées peuvent être gratuites. Donc, il n'y a pas forcément besoin de dépenser un maximum de moula pour se faire plaisir. N'hésitez pas à faire des petites promenades avec vos amis. Voilà, dans un parc, posez-vous sur un banc. 5 minutes avec toi et regarde les gens autant qu'il y en a. Profitez. Voilà, des moments. Il n'y a pas besoin forcément de dépenser de la moula pour se faire plaisir. Parfois, les meilleurs moments sont les plus simples. Et vous l'avez bien compris. Et ce qui vous fait, économiser beaucoup de thunes, hein, finalement. Donc, tant mieux. C'est flippant, je me reconnais à 100%. C'est pas pour rien. Je vous l'ai dit, c'était réel. L'horoscope, c'est réel, bien sûr. Le bien-être, faites-vous une pause. Faites des pauses, les cancers. On fait des pauses sur les habitudes qui vous pèsent. Si un comportement de quelqu'un qui vous plaît pas, qui a tendance à dominer votre quotidien, eh ben c'est peut-être le moment de lui dire, bah, il faut
hein? C'est peut-être le moment de partir sur des alternatives plus saines. Voilà, essayez de plutôt aller voir des personnes qui vont vous dire des belles choses, hein. Il y en a marre des gens qui vous donnent des idées polluantes là, qui vous disent quoi faire. Faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc on évite ces gens-là. On fait du tri dans ses relations, histoire d'avoir un mindset beaucoup plus efficace. Sinon, à part ça, bah tout va bien. Hein, vous êtes content de vos amitiés, vous allez faire des belles rencontres, les cancers. Vous êtes toujours dans l'écoute. Voilà, avec des gens que, qui auront besoin de vous. Vous avez ce besoin d'appartenance. Donc vous êtes bien dans votre coco. Vous êtes bien dans votre coco, les cancers. Mais vous avez envie, voilà, d'être un peu plus peut-être reconnu au travail. Vous avez besoin de peut-être d'être un peu plus valorisé, aidé, poussé. En tout cas, tout est parfait pour les cancers. Juste faites du tri dans vos relations. Et à part ça, bah, le mindset est au top du top. Bravo les cancers! Ah, il est super cet horoscope! Eh, mais il est génial! Eh, les horoscopes des cancers! Bah, il est quasiment bien, il est quasiment parfait! Bah, dis donc! Eh, les cancers, vous avez bien de la chance, hein, dis donc, l'eau! Bon, alors, les cancers! Bravo, même si vous reconnaissez sur le replay. Bravo, les cancers! Ça me fait bien plaisir. Très, très belle chose. Bon, sauf les vierges, hein, donc on évite de se parler avec les vierges. Mais c'était un très, très bel horoscope. Bravo, bravo, bravo! Tirage de cartes. N'hésitez pas à balancer vos questions. J'ai pas encore fait les balances. Ouais, merci, c'est pour les 5 euros. C'est pour ça que j'ai fait un bon horoscope, hein, t'inquiète, je savais que t'avais donné déjà 5 euros. Sinon, c'était de la merde. Mais c'est parce que t'as balancé 5 euros, donc je fais genre... Ouais, très bon horoscope, Julie, ouais. Très, très bon horoscope, les cancers. C'était super. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas à les lâcher. Hein, peu importe. Même si vous êtes déjà passé, n'hésitez pas, lâchez votre question. Voilà, si vous avez une question qui vous trotte, je vais y répondre. Je vais étaler mes cartes sur le plateau. Ouais, t'inquiète. N'hésitez pas, le temps que je mélange. Est-ce qu'il y a une question qui vous taraude? Vous avez envie d'en savoir? Le professionnel, l'argent... Hein? Est-ce que mon mec va venir me voir à la fin du mois? Ça dépend si t'as, si t'as de la moula. Alors attends, on va voir. Est-ce que ton mec va venir à la fin du mois? Ça dépend de l'argent. Écoute, je vais te dire ça, je vais te dire ça, je vais te dire ça. Oh là 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 là. Bien. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben c'est exactement ça. Quel rapace! Ça, c'est ton mec qui est avare. Ton mec, il attend que ça. Ton mec, il est pas... Voilà. Il va venir à la fin du mois, ça c'est sûr, regarde. Il arrive en force, ton mec. Bien sûr, regarde comment il est en colère. Hein, il est déterminé à te prendre un maximum de moula. Donc oui, il viendra te voir à la fin du mois si tu es blindé. Si t'as pas de sous, il viendra pas. Il va prétexter un truc du style j'ai pas le temps, je dois aller à l'équitation alors qu'il fait pas d'équitation, il ne sait même pas faire la différence entre un cheval et un poney. Donc, ah, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pas sûr qu'il vienne. À part si tu as les poches bien remplies. Là, il viendra. D'accord? Donc, à toi de voir ce que tu peux faire de tout ça. Est-ce que la création de contenu est faite pour moi? Je vais vous dire ça. Ouais, le mieux, c'est, pas, c'est de lui dire de pas venir. Hein. moi, je pense que c'est le mieux. Hein. Parce que la création de contenu, elle est faite pour vous, madame, bien sûr! Bien sûr que oui, qu'elle est faite pour vous, la création de contenu. Vous êtes bien, ça vous plaît ce que vous faites, vous êtes vraiment très optimiste pour l'avenir. Parfois, peut-être un peu de doute, hein, vous posez pas mal de questions, mais les questions, c'est de l'apprentissage, hein, le doute m'habite et t'habite aussi. Donc, oui, ça te plaît très bien, la création de contenu, tu t'amuses bien, tu profites, t'arrives à créer des belles choses. Donc, aie confiance, regarde, tu vas briller telle une étoile. Regarde cette étoile, elle scintille, c'est beau, c'est pas pour rien. Bien sûr que oui, tu vas gérer, Constance. Voyons. Voyons, voyons. C'est quoi pour Bowser et Val?
Où est-ce que ça va m'amener avec Bowser? Tu prends des risques, hein. Bowser, si t'écoutes, si tu regardes en replay, c'est Val qui a demandé. Non, non, tu peux poser autant de questions que tu veux, quasi toi. Prenez des risques. Très intéressant. Très intéressant, cette carte. On est sur la carte du temps. On est sur la carte de l'horloge. Moi, je la vois comme vous prenez votre temps. Vous allez, ou alors, soit vous prenez votre temps, ou alors ça va prendre du temps. Mais dans tous les cas, ça va prendre du temps. Donc, vous allez rester un bon moment ensemble avec Bowser. Ouah, 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 ouah. Vous allez peut-être planifier des choses. Des projets sur du long terme, toujours la temporalité, hein, le temps. Donc moi je pense que oui, ça va, c'est un truc ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner, ouais. Ça, c'est des choses que vous allez faire durer. Hein, je sais pas combien de temps, je suis pas assez précis. Hein, il me faut beaucoup plus d'énergie pour vous dire combien de temps exactement, et puis beaucoup plus de... Hein, de d'encouragement. Mais ouais. Oui, ça va. C'est quelque chose qui va vous demander du... qui va vous prendre du temps, de l'investissement, mais ce n'est pas pour rien. Voilà, courage, Bowser. Courage, Val aussi. Allez, go. Est-ce que moi et ma meilleure amie, on va se reparler avant son mariage? Ah. Alors, écoutez. Ah, c'est... Cette question, elle me brûle les doigts. Je sens que ça va être terrible. Eh bien, écoutez, tu vas parler. Regarde, c'est trop marrant, hein. Tu vas parler. Regarde, c'est toi et ta meilleure amie sur la carte. Vous allez discuter, mais vous n'allez pas discuter avant le mariage. Non, vous n'allez pas vous voir. Vous n'allez pas vous voir avant le mariage, avant la cérémonie. Vous allez vous voir pendant la cérémonie. Ça veut dire que pendant ce mariage, vous allez en profiter pour vous, vous livrer. Voilà, tu vas peut-être dire des choses, tu vas dire des belles choses, des mauvaises. Tu vas favoriser les belles choses, hein, parce que c'est un peu son mariage, donc va pas tout capoter, va pas non plus lui briser hein, le moral. Mais vous allez discuter pendant la cérémonie, notamment de... Moi, je vois que des belles choses hein, dans cette discussion. Peut-être remettre des choses à plat, des non-dits. Des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous allez peut-être vous revoir. Donc, vaut mieux plutôt discuter pendant. Ah, t'es plus invité. Ah. Tu n'es plus invité. Ouais. Je vais repêcher une carte avant. Ah, exact. Ouais, c'est vrai. Sacré du Bouddha. Ouais, alors. En fait, le tirage de cartes ne ment jamais. T'aurais été invité, t'aurais pu lui parler. Mais vu que t'as pas été invité, elle te déteste. Elle ne peut plus te blairer. Voilà, donc tu as raison. Ouais, donc non, elle te parlera pas, ouais. C'est, voilà. Selon tes choix, ouais, non, elle peut plus te blairer. Elle a plus envie de te voir. Elle a juste envie que tu... C'est pas possible. Non. Oui, en fait, il y avait deux phases. C'était une question à deux phases. Ça veut dire que t'aurais pu, si tout se passait bien, t'aurais passé un excellent moment dans le mariage, hein, t'aurais pu profiter de la vie, t'aurais pu profiter pour lui dire des choses, mais vu que t'as merdé ou elle a merdé, bah, pour l'instant, ça va pas être trop possible. Hein, donc on fait Bélec. On parlera plus tard. Voilà, pour les questions, et on va passer au prochain signe. Pour ça, Pico, pour le savoir, et ben, salut Théo. Pour ça, eh bien, il faudra reposer une question tout à l'heure. Puisque là, nous allons passer au prochain signe astrologique. Mais très cher, nous allons passer au lion. Est-ce qu'il y a des lions ce soir? Est-ce qu'il y a des lions? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des lions sur le chat? Des... Il y a des lions? Ah, et ben voilà. Les lions, les lions, les lions! Est-ce que ça va rugir de plaisir? Ou alors ça va rugir de colère? On va voir, les lions! Alors! Eh bien, écoutez... Les lions, en ce moment, vous ne pouvez pas blairer les capricornes. Oh là là, que c'est compliqué avec les capricornes. Ah, il y a un souci avec les capricornes! Ils vous doivent de l'argent ou quoi, là, les capricornes? C'est pas possible! Les capricornes, c'est pas possible! Il y a un souci!
Il y a un souci avec les Capricornes. Donc, ouais, les Capricornes et les Lions, c'est pas la bonne entente, hein. Donc, va falloir peut-être prendre un peu des distances. Va falloir peut-être un peu, d'accord? En ce moment, Capricorne et Lion, Capricorne, pardon, et Lion, c'est pas la... C'est pas ça. Hein, on évite les tensions inutiles. En revanche, vous allez bien vous entendre avec les Gémeaux. Gémeaux qui est un peu le signe bah, de la Hesse hein, en ce moment. Donc vous aussi, vous avez ce côté un peu leader, un peu comme les cancers. Et vous avez aussi besoin de peut-être de protéger les personnes de votre entourage qui sont Gémeaux. Vous avez besoin peut-être de les ramener dans votre troupeau. Dans votre, tu vois, dans l'endroit où il y a des où il y a des lions, dans le parc à lions, d'accord? C'est un endroit où il y a plein de lions, bref, Hakuna Matata. Donc voilà, vous avez envie de peut-être, ouais, de, vous avez envie de protection, vous avez envie de protection. L'ambiance astrale, les lions en ce moment, l'alignement des planètes, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que le travail, ça va très bien. Le couple, ça va très bien, mais vous avez envie de plus. Vous avez envie de... Vous avez envie de projets. Vous avez envie de construire des nouvelles choses. Vous avez envie de laisser la passion vous guider. Vous avez envie de... Oh, de miaou. Vous avez envie de plus, là. Va falloir... hein, on débroussaille tout ça. On dépoussière un petit peu les choses un peu trop redondantes. Vous en avez marre un peu du, hein, du métro boulot dodo, c'est toujours la même routine. Bon, heureusement que dans votre vie, il y a des personnes, des situations ou des choses qui vous donnent un peu de piment, mais en ce moment, bah, c'est pas que vous vous faites chier, mais voilà quoi, hein, on tourne en rond comme un lion en cage. Oh, c'est, wow, c'est beau. Très inspiré, Flavien, en ce moment, ouais. Ouais, donc oui, vous tournez un peu comme un lion en cage. Et vous avez besoin de changements. Coucou tous ceux qui débarquent. Donc, des changements, pas forcément dans votre vie amoureuse, parce que votre vie amoureuse, elle est plutôt cool. Hein. Tout se passe très très bien. Vous n'avez pas trop de tact en ce moment avec votre partenaire. Vous dites ouvertement vos craintes, vos objectifs, vos envies. Parfois, ça peut blesser, mais vous le dites. Voilà, on redresse pas un arbre tordu. Ça veut dire que bah, vous allez directement droit dans vos objectifs. Hein, vous avez envie de partager. Donc, flemme, des fois, ça peut un peu vexer le partenaire, mais qui vous connaît depuis déjà un petit moment. Donc lui, bon, entre guillemets, il sait que vous êtes un lion, hein, il sait que vous êtes, voilà, vous n'allez pas prendre des pincettes. Donc lui, il trouve ça bien que vous dites les choses. Parfois, ça pourrait piquer, mais lui, il le prend bien, ou elle le prend bien. Des dialogues qui sont sincères, qui renforcent votre complicité, des soutiens mutuels, voilà, avec beaucoup de responsabilité. Vous avez envie de fonder des choses beaucoup plus stables, durables, des choses beaucoup plus épanouissantes, des choses fondamentales, de construire un climat de confiance encore plus sereine que vous l'avez déjà. En fait, tout est bien dans votre couple et votre vie amoureuse, mais vous avez envie de plus. Voilà, ce qui est normal. Vous avez envie de plus, de dépoussiérer un peu tout ça, peut-être. Pas, y a pas, c'est pas qu'il y a une routine qui s'installe, mais un peu de changement, ça vous fera pas de mal. Vous êtes pas dans la demande non plus, vous n'êtes pas dans le besoin. Mais ça peut que être un plus dans votre relation, les lions. Donc, pourquoi pas se gêner hein, GG pour les level up. En revanche, si vous êtes célibataire, la vie célibataire, c'est ça passe ou ça casse. Voilà, ça va être... Soit vous allez passer des moments de solitude vraiment très seuls, les lions, et vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas envie de passer des moments seuls en tant que célibataire, voilà, vous n'avez pas envie de surmonter vos peurs tout seul, donc ça peut être très compliqué si vous êtes célib, les lions, voilà, n'hésitez pas à échanger, à même pouvoir, si vous êtes seul, à essayer de trouver un épanouissement personnel, parce que le bonheur n'est pas forcément... le bonheur n'est pas forcément à aller chercher chez quelqu'un. Le bonheur, vous pouvez vous le trouver vous-même. Ça, c'est vrai, hein. Les lions et autres signes. Hein, le bonheur, c'est pas forcément une relation à deux. Le bonheur, tu peux être très bien tout seul. Donc, c'est soit tu acceptes ta vie de célibataire et elle sera super. Voilà, tu vas kiffer, tu vas profiter de tes proches, de ta famille, de tes neveux et nièces, de tes soeurs et frères, de tes amis. Et ça va être nickel. Ou soit tu vas pas l'accepter. Tu vas tourner, tu vas te poser énormément de questions. Tu vas pouvoir même te mettre en danger.
Donc on fait Bélec, les lions. Voilà, c'est pas grave. Mais à toi de voir. Essaie de prendre le bon chemin. Et puis si vous êtes en couple, voilà, bah, remettre un peu de piment dans votre relation. Exprimer vos sentiments les plus profonds. Des mots justes, des mots qui peuvent transformer une soirée banale en quelque chose de... PEGI 18. Ah, je rappelle, donc on n'hésite pas. Hein, parfois, il suffit de rien. Vous avez envie de regarder la dernière série sur Amazon Prime. Et puis au final, oh, bah, c'est chaud comme la braise. Donc, n'hésitez pas. Toujours la communication, les lions. Hein. Voilà. Vous faites des rêves. Vous pouvez faire des rêves en ce moment. Des rêves torrides. Et pas forcément avec la personne avec qui vous êtes en couple, hein. Mais tant mieux, puisque vous le savez, si vous rêvez d'une autre personne, c'est pas grave, c'est ok, et tant mieux, les rêves vous appartiennent. Ah, c'est bon, vous avez encore le droit, c'est vos rêves les lions. Vous avez le droit de rêver de Ken avec n'importe qui, c'est des rêves. Donc faites-vous plaisir, qu'il soit solo, que vous êtes à 4, à 5, à 12, ou que ce soit, j'en sais pas, une colonie de vacances, faites-vous plaisir. Et il va pas commencer à vous faire chier dans vos rêves, hein, donc gardez vos rêves secrets. Bien, faut pas le dire. Alors, le travail, bah c'est super. Et le travail c'est super, hein, c'est nickel, vous êtes toujours dans un truc qui vous plaît. Voilà, vous aimez beaucoup parler avec les gens, vous êtes dans un travail de communication. Alors ça me fait rire parce que Wanimi du coup vit son travail. Ouais, donc on est dans la communication avec vos clients, vos collègues ou alors vos supérieurs. Mais en tout cas, il n'y a aucune frustration dans votre travail. Voilà, vous êtes bien, vous vous plaisez, vous faites le boulot que vous avez envie. Vous avez débloqué des opportunités pour faire le travail que vous faites actuellement. Donc, why not? Vous ne savez pas combien de temps ça va durer tout ça. Mais en tout cas, en ce moment, votre travail et votre parcours professionnel et au top du top, les lions. Donc, kiffez, voilà, on profite du travail. En revanche, les finances, ouais, que ça va être la misère. Ça va être la misère. Voilà, avec tout qui augmente, des achats impulsifs, des achats qui ont été envisagés, mais qui coûtent cher, qui coûtent bonbons. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc va falloir réfléchir aux dépenses financières, les lions. On n'y va pas tête baissée. Demandez à votre partenaire de vous aider, hein, vous serez surpris combien, combien il a de l'argent caché sous son matelas. Donc demandez à votre partenaire, parce que peut-être qu'il est plus riche que vous ne le pensiez, hein, ouais. Si vous avez accès à ses comptes bancaires, hein, non, peut-être que il a bien plus que ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'argent à votre partenaire, hein, qui pourra vous l'apporter, sinon vous lui mettez un couteau sous la gorge. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Mais en tout cas, vous dépensez dans des choses inutiles. Donc, bon, on fait attention quand même. RIP mes achats chez Action. Et ben voilà. RIP mes achats chez Action cet après-midi. Et ben on arrête. On arrête d'aller chez Action, mon ami. On arrête. Voilà. Là, c'est des achats inutiles. T'as acheté quoi? Un chargeur? T'as acheté des dessous de verre? T'as acheté des classeurs? On s'en fout, c'est nul. Voilà, on arrête. On arrête. On garde ses thunes parce que ça te brûle les doigts. Donc, plutôt prends l'argent de ton partenaire. D'accord? Ce n'est pas le tien. Et c'est plus agréable de le dépenser. Faut pas le dire au Pitou. Faut pas le dire. Alors, son argent, c'est votre argent. Votre argent, c'est votre argent. Hein, c'est la base pour que le couple dure. D'accord? On partage tout. Enfin, il partage tout avec vous. Vous partagez rien avec lui de manière financière. Très bien. L'entourage. Vous évitez les quiproquos. Vous êtes plutôt attentive lorsque vous êtes dans des réunions en collectif. Voilà, quand vous êtes autour d'une table, vous êtes plutôt... vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en ce moment. Vous êtes, voilà, vous écoutez, parfois vous acquiescez. Merci pour le sub. Merci à toi, merci. Tu auras le droit à un petit tirage personnalisé. Merci, merci pour le deuxième mois, ça fait plaisir. Donc, en gros, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les gens en ce moment. Vous écoutez, vous n'êtes pas très contrariant ou contrariante. Vous êtes plutôt sereine. Vous avez compris que les gens, parfois, ne peuvent pas vous apporter ce que vous avez besoin. C'est ok. Bon, c'est pas que vous êtes au-dessus d'eux, mais... bon, vous avez pris du recul sur certaines personnes, certains points de vue. Et vous avez compris qu'en gros, parfois, le débat n'était pas possible.
Donc vous laissez de côté, on s'en fout. Et Béliève. Béliève, les gars. Et Béliève, il n'y a pas besoin de... Voilà. On s'en fout, quoi. On laisse parler, c'est pas plus mal. Et le bien-être, eh bien écoutez, prendre le temps de s'inspirer des petites choses qui peuvent transformer votre journée. Parfois, pareil, la redécouverte d'une passion éloignée. Ça peut être un truc que vous avez oublié de faire. Merci à toi pour le follow. Installez-vous. Il y a peut-être une passion que vous avez oubliée depuis très longtemps. Admettons du dessin, d'écouter de la musique, de faire du jardinage. Ça peut être de la peinture. Essayez de retrouver des petites passions comme ça qui peuvent vous détendre, qui peuvent vous aider, qui peuvent renforcer votre bien-être mental. Donc n'hésitez pas peut-être à retrouver des trucs que vous aimez bien faire quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, adolescent, voilà, que vous avez envie de... Je sais pas s'il y a un truc que vous aimiez faire à la base, il y a très longtemps, je sais pas moi, faire de la piscine, faire du kayak, etc. Mais pourquoi pas retourner là-dedans dans vos petites passions d'avant, oubliées, qui se sont éloignées avec le temps. Vous allez voir, ça va être trop chouette. Et sinon, à part ça, les lions, eh bien, coucou tous ceux qui débarquent. Installez-vous. Et tous ceux qui... Et sinon, bah écoutez, vous êtes plutôt pas mal. Il y a des phases de réflexion de temps en temps, histoire de prendre un peu de pause, de redonner un petit nouveau souffle à votre vie, personnelle, professionnelle. Voilà, donc, donnez-vous votre temps. Voilà, mais vous êtes très bien. Vous êtes au top du top, les lions. Donc, vous avez... vous n'avez pas... j'ai envie de dire à rougir, mais on va plutôt dire à rugir de ce qui se passe chez les voisins. Voilà. Bravo les lions, bravo. Oh là 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 là, mais quel beau horoscope. Alors ça, c'était un horoscope vraiment très bien, hein. Très très beau horoscope, hein. Ouais. C'était chouette, hein. Ah, bravo les lions là, au top du top. On est pas mal, c'était cool. Oui, il était très bien cet horoscope. Alors, je suis mort. Moi, ça m'a fait rire, je vais revenir sur un détail ou deux. Parce que Wanemi, elle est orthophoniste. Alors, quand il me parle d'un boulot qui parle de communication et que vous aimez ça, je crois qu'on peut pas faire plus dans la communication en tant qu'orthophoniste. On peut pas être plus dans la communication, là. C'est même toi qui apprends à bien communiquer aux autres. Donc... on est vraiment au top du top, hein, dans l'horoscope. Mais en tout cas, c'est un très très bel horoscope. Et bah super. Est-ce que vous avez des questions? On rappelle les cartes. Des petites questions, on en fait 3-4. Avant de repartir. Ah, je vous l'ai dit, cette soirée est incroyable. Si vous avez des questions personnelles, professionnelles, des questions d'amour, des questions d'argent, grâce à mes cartes de sorcier de l'Umbra, j'aurai les réponses à vos questions, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je vais avoir un copain cette année? Ah! Très bien. L'amour, l'amour. L'amour. Est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que tu vas avoir un copain cette année? Ah! Eh ben écoute, toutes les choses te sourient. Ah, c'est quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un qui va être un peu le soleil de ta vie. Donc, tu sais pas si ça va t'amener... Ça va peut-être pas forcément être la personne de ta vie, genre très longtemps. Enfin, c'est peut-être juste une belle personne. Tu vas rencontrer de belles personnes cette année. Ça, c'est sûr. Hein, la carte ne ment jamais, bien sûr. Tu vas rencontrer de belles personnes. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vas pas trop prendre la tête. La personne va être là. Ça va être une personne très positive. Elle va t'apporter ce que tu as envie. Elle va te mettre en hauteur. Elle va te mettre sur de bonnes phases. Donc, oui, moi, je pense que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est beau. Ouais. Les amours en 2024. Très cher Nao. On va aller voir ça. L'amour, l'amour, bah décidément. Vous êtes très amoureux en ce moment là. Hein, vous avez envie de... Hein, qu'est-ce qui se passe? Allez, l'amour. Ah. Cette carte, on est sur de... l'observation de la sécurité. Regarde, parce que là, on croirait que c'est une... On dirait un truc qui sécurise, mais c'est également... un œil. Regarde comme tu peux le voir. On est sur un œil. Donc, moi, je ressens cette carte comme tu es prudente, Nao. Il y a quelqu'un que tu kiffes
en ce moment. Il y a quelqu'un qui te donne de la joie. Je retire une carte. Mais tu vas pas mettre la charrue avant la bœuf avant d'avoir vendu la peau de la crémière. Donc tu vas d'abord analyser, histoire d'être sûr, si cette personne est la bonne ou est la mauvaise. Toi t'es là. Quelle décision je prends? Je dois aller vers le paradis ou alors je dois aller vers la hef? Ah, c'est ça la question. Donc moi Nao, je pense que toi-même tu ne sais pas. Toi-même tu ne sais pas si tu vas rencontrer une personne cette année. En tout cas, il y a une personne en ce moment. C'est sûr, il y a une personne que tu aimes plutôt bien. Mais tu vas prendre ton temps, tu vas analyser, tu vas rechercher si c'est vraiment la bonne personne. Voilà. Elle va pas donner son cœur à n'importe qui. Elle va pas se donner en fait à n'importe qui, Nao. Voilà, donc c'est bien possible, je pense. Voilà, donc on sécurise avant de se lancer dans une relation. D'accord? Est-ce que je dois tenter ma chance avec Monsieur B? Alors, est-ce qu'il doit tenter sa chance avec Beyoncé? Avec Bernard Campan. Ou alors avec Brigitte Bardot. On va voir. Est-ce que tu vas tenter ta chance avec Monsieur B? Attendez les énergies. Ouh là là! Aïe aïe aïe! Ah non! Alors surtout pas! Surtout pas! Oulala! Oulala! Pervers narcissique! Alerte! 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 Ne surtout pas! Non non non! Tente pas! Le mec il va te mettre la misère! Oh là! Oh là là! Ne tente pas! Clairement, c'est pas le mec qu'il te faut! Le mec il va être là, il va te pomper ton énergie, il va te pomper, bon bah tout court, mais en tout cas, la personne ne te veut pas du bien! Aïe aïe aïe! Donc je pense que ce n'est pas la bonne personne. Je vais essayer de refaire un tirage. Mais ça craint du boudin. Je pense que la personne que tu penses n'est pas la bonne. Mais la suivante, celle que tu ne penses pas, eh bien c'est elle. Elle, c'est la bonne. Voilà. Donc B, on oublie. Caca. Mais l'autre, oui. Et c'est pas forcément celle que tu penses. D'accord? Très bien. On oublie Beyoncé. Mauvais plan. Ah, ça red flag. Les cartes ne mentent pas. Hein. Les cartes ne mentent pas. Bien. Est-ce que je vais avoir une bonne note à mon contrôle de physique chimie? Ah là 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 là. Bonne note ou pas? Pas mal. Moi, je pense que oui. Oui, oui, oui. Et c'est même pas une bonne note. Je pense que tu vas avoir même une excellente note, regarde. Ça brille. Le soleil est là. Il y a que de la lumière, là. C'est genre, tu vas bien réviser. Ça va très, très bien ça va très, très bien se passer. C'est pas une bonne note. Non, non. C'est genre une excellente note à ton contrôle. Ah, mais les cartes ne mentent jamais. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. L'horoscope, les cartes, tout ça, c'est très important. Hein. Est-ce qu'il y aura un bébé avant fin 2024? Alors déjà, la question, c'est est-ce que tu vas ken avant la fin de... Il te reste pas beaucoup de temps. Ouais. Ça va être compliqué, là. Va falloir planter la graine très vite. Parce que normalement, c'est 9 mois, hein, donc je crois que c'est un peu mort. Mais bon. Hein? C'est pas en regardant téléfoot que tu vas y arriver. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Clairement, t'as la tête dans les voyages là, voilà, t'as pas du tout envie de partir avoir un bébé, il y aura pas de bébé. Hein. Là clairement, c'est les plaisirs solitaires ou en couple, tu vas te barrer quoi, t'as envie de vacances, c'est pas le moment. Mais alors pas du tout, le gosse, il sera bien rangé dans le tiroir à gosse, pour l'instant c'est pas du tout la priorité, non, pas d'enfant, non non non, pas d'enfant. Le plaisir avant tout personnel ou le plaisir en couple. Voilà. J'adore cette soirée. On passe au prochain signe. Avant de refaire, le temps que les cartes se régénèrent, avant que les cartes peuvent reposer, parce que je peux pas non plus répondre beaucoup de questions à la fois. Il va falloir laisser un peu l'harmonie, les chakras, les énergies. Hein, d'accord. On va laisser recharger tout ça et on va passer au prochain signe. Alors, prochain signe. Nous passons aux vierges. Voilà, là, les vierges, les vierges.
Est-ce qu'il y a des vierges? Est-ce qu'il y a des vierges? Je parle toujours du signe astro, hein. On s'en fout si vous avez été dépucelé ou pas. Est-ce qu'il y a des vierges dans la salle? Ah, il y a des vierges. Ah. Oh, c'est bien les vierges. Vous êtes là. C'est magnifique. Oh, c'est super. Alors, voyons si votre horoscope est bien. Voyons ça. En ce moment, les vierges, vous ne pouvez pas blairer les scorpions. Aïe, 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 je suis scorpion. Donc, écoute, you can hit it. Hein, est-ce que tu entends ça? Eh ben, écoute bien. Écoute bien, parce que on va pas trop communiquer, toi et moi. Donc, les scorpions, faut les éviter. Vous n'avez pas envie de parler, peut-être trop de caractère. Vous avez envie de simplicité, vous avez envie de douceur. Donc, les scorpions ne seront pas les personnes qui seront là pour vous écouter. Et vous n'avez pas le temps non plus, vous n'avez pas envie. Il va y avoir un petit souci avec les scorpions. En revanche, vous allez bien vous entendre avec les Gémeaux. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà, voilà. Mais écoutez, encore une fois, hein, les Gémeaux en ce moment, c'est vraiment les Gémeaux en ce moment, c'est le signe qui chiale. Et comme vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de choses simples, vous avez besoin de choses très cute, et ben les Gémeaux vont vous apporter ce que vous recherchez en ce moment. Mais attention, ne soyez pas trop exigeant envers les Gémeaux, parce que les Gémeaux, ils sont un peu double face. Donc, n'allez pas vous surmener non plus, hein, les vierges. Vous avez pas, on n'a pas leur temps, hein. Je vous ai déjà bien gentil, vous êtes déjà bien, d'accord, attentif et attentive. Donc, priorisez votre temps. Vous êtes là, mais faut pas non plus déconner, hein. On pense à soi d'abord. On priorise la qualité, la quantité, pour soi-même, hein, le temps, c'est de l'argent, et on n'a pas à le donner aux Gémeaux, hein, on fait bélec, d'accord? Voilà, vous savez, ça reste des Gémeaux, donc on fait attention. La vie amoureuse, alors, tout est pas mal, mais attention à la toxicité. Et la toxicité dans la relation, là, ça peut devenir insupportable, de votre côté, comme du sien. Donc attention aux mots méchants, aux petits pics comme ça, juste pour déclencher une relation, une réaction. On évite les petits mots comme ça qui ne servent à rien, qui parasitent le dialogue, hein. Si vous êtes célibataire, bon, vous en foutez, vous êtes célibataire. Mais ne sous-estimez pas trop l'impact de vos mots non plus, les célibataires. Parfois, vos mots ont des graves conséquences, soit positives ou négatives. Mais en ce moment, les célibataires, c'est pas le moment du dialogue. Non, non, non. Les vierges célibataires, c'est pas le moment de faire des rencontres de l'amour. C'est pas le moment de faire des rencontres de sentimentales. Parce que clairement, il faut craindre de l'inconnu. Ça craint du boudin. Va falloir plutôt mettre des réserves, hein. Voilà, donc on évite de faire des rencontres qui peuvent être, qui peuvent avoir beaucoup d'impact négatif dans votre mindset. Donc on laisse de côté l'amour pour l'instant. On se fait plutôt plaisir, voilà. Si vous êtes célibataire, on fait bélec, on profite plutôt de soi-même. On se concentre, on se ressente, on travaille bien à l'école, au travail. On favorise plutôt des projets créatifs. Mais alors clairement, pas l'amour. Ah non, l'amour en ce moment ça pue. Ça craint. En revanche, si vous êtes en couple, prenez le temps de chérir chaque instant partagé. Ah, c'est formidable, je vous l'avais dit. Laissez les soucis du quotidien derrière. Voilà. Et essayez de plutôt vous dire que demain est un autre jour. C'est peut-être une journée de merde. Demain est un autre jour. Donc, essayez de ravaler un petit peu vos mots. Ne soyez pas trop direct avec les gens. Ça veut dire, si vous avez envie de dire quelque chose à votre mec ou à votre meuf, bah parfois ne le dites pas, ça évite de créer une petite fissure ou une situation un peu instable. Donc on tourne sa langue dans sa bouche cette fois avant de parler, les vierges, d'accord? Ok, si vous êtes en couple, hein. De toute façon célibataire en ce moment c'est pas le moment, donc on évite. Le travail c'est plutôt cool, vous avez envie de communiquer également et pourquoi pas faire un travail en duo avec un collègue. Ou alors, si c'est pas un travail, c'est peut-être des missions. C'est peut-être un partenariat. En tout cas, vous avez envie de main dans la main
avec une personne. Vous avez envie de faire quelque chose avec une personne. Vous avez envie que votre travail soit valorisé avec cette personne. Donc écoutez, ouvrez-vous aux gens. Écoutez celle de votre partenaire de travail avec attention. Si un partenaire vous donne une idée, même si c'est pas la vôtre, eh ben ça reste quand même une idée, donc gardez-la en tête. On évite les malentendus, on renforce la coopération au travail. N'oubliez pas que deux têtes valent mieux qu'une. Les vierges, d'accord? Donc vos idées, c'est vos idées. Leurs idées, c'est leurs idées. Mais quand vous les fusionnez, c'est une magnifique idée. Les vierges, bravo! Attention, ça peut créer de la jalousie. Voilà, ça peut créer de la jalousie avec les gens. Notamment avec les signes d'eau, les poissons. Voilà. Donc, on fait bélec. Ça veut dire que vous êtes peut-être sur un terrain miné avec les signes d'eau. Donc, si jamais vous travaillez, vous avez des collègues qui sont poissons. Poissons! Voilà. Les poissons qui sont des signes à émotion. Bah, il se peut que vous allez prendre tellement de place dans votre travail que ça va l'affecter. Il va se mettre en retrait et il va aller chialer. Donc, on y va en douceur, les vierges. Sinon, côté finance, les vierges, bah écoutez, vous êtes plutôt prudents, mais vous faites plaisir également. Quand il y a des promos sur certains trucs, des objets, de l'alimentation, des objets coup de cœur que vous recherchez, vous aimez bien fouiner des trucs que vous n'avez pas forcément besoin, mais en tout cas, vous êtes à l'affût de petites réductions. Donc, ce qui fait que votre finance se porte plutôt bien. Vous gardez un œil ouvert sur les différentes réductions, les bons plans. Vous checkez un petit peu l'affût des applis, les dernières tendances. Est-ce que je peux l'avoir moins cher? Donc, vous comparez, vous êtes beaucoup dans la comparaison. Et votre portefeuille vous remercie. Ce qui vous permet d'acheter de meilleures choses. Voilà, des trucs peut-être que vous n'aviez pas l'habitude d'acheter. Vous allez vous récompenser de tous ces petits efforts. Qui ne sont pas forcément des efforts pour vous, mais qui peut l'être plus tard, en vous récompensant avec peut-être un gros truc sympa. Pourquoi pas mettre des sous dans une tirelire, dans un petit billet qui traîne, ne dépensez pas inutilement, mettez-le à côté, j'en sais rien, dans un pot. Et vous allez voir que petit à petit, le pot est bien rempli. Et beaucoup de moulards. C'est bien ça, c'est cool. L'entourage, il y a des défis familiaux en ce moment, mais ça va vous renforcer vos liens. Prenez le temps d'écouter, de soutenir des personnes de votre famille et uniquement de votre famille. Un petit geste, même un tout petit, ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Et ça, c'est vrai, hein, parfois on s'en rend pas compte. Un petit sourire, une petite main sur l'épaule, c'est tout bête, mais je vous jure que dans des moments difficiles, une main sur l'épaule, un je suis là. Faut pas hésiter à communiquer avec des personnes avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de communiquer petit à petit, hein, on ne demande pas non plus de casser des routines bien ancrées, mais ça peut ouvrir des portes et vous allez pouvoir, et les personnes vont s'en souvenir et vont vous rendre l'appareil, même si vous n'attendez pas forcément un retour. Et pour votre bien-être, pareil, c'est essentiel de prendre du temps pour vous, les vierges, d'accord? Lire un beau livre, écouter une bonne musique pour se redynamiser. Pour voir la journée sur un nouvel angle. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à trouver l'équilibre dans vos activités. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir vers de nouvelles choses. À vous exprimer librement. À profiter de moments de quiétude. Lire un bon livre, une courte promenade. Écouter un disque que vous n'avez pas écouté depuis un petit moment. De jouer à un jeu de votre enfance. Ça peut être des belles choses qui vous redynamiseront. Pourquoi pas des promenades liées également avec des animaux. Si jamais vous sentez que le moral est un petit peu en baisse, et pourquoi pas vous promener avec des animaux, promener avec des chiens, aller faire un tour dans des parcs animaliers, si jamais vous aimez ça. N'hésitez pas, en tout cas, peut-être à être plus proche des animaux, ça va peut-être vous donner envie de redonner un petit peu de bien-être dans votre mindset. Mais en tout cas, tout est bien, apparemment, les vierges, dans votre horoscope. Donc c'est plutôt bon signe. Bravo les vierges! Eh, il est super aussi celui-là! Il est génial! Et vous reposez aussi! Faut se reposer, hein! Quelques jours de vacances, ça fera pas de mal! Un peu de repos! Ne demandez pas trop à votre corps! Mais il était super les vierges! Bravo cet horoscope! Ah, il était très très bien les vierges! Mais tout est clean! Tout est clean! Un peu de repos, un peu de... Ouais, c'était super! Bravo les vierges! Ouais, GG! On passe au tirage des cartes. C'était bien.
Les vierges, comme quoi. C'est beau, hein. Ouais, bravo à eux. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions personnelles? Des questions professionnelles, d'amour, d'argent? N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Je vois tout dans les cartes. Est-ce que mon ami qui est lion veut vraiment me voir? Ah! Ah! On va voir ça. Eh bien, écoute, la réponse est oui. Oui, elle veut bien te voir. Elle veut bien te voir. Elle n'est pas contre, elle est ouverte, comme tu peux voir ses bras. Elle est ouverte, ton ami. De toute façon, de base, elle est ouverte. Mais là, elle est encore plus ouverte. Elle n'est pas contre, de dialogue, elle veut bien te voir, nos problèmes. Bah, sa vie, elle est plutôt sereine en ce moment, elle a du temps. Tu as du temps aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne veuille pas te voir. Donc, n'hésite pas à lui envoyer un petit message, un petit DM, un petit WhatsApp. Prends pas de mal. Mais oui, elle veut bien te voir, ouais, ouais. Donc, c'est nickel, bravo. Est-ce que je vais bientôt avoir un ordinateur? Nous allons voir ça. Est-ce qu'il va avoir un ordi? Aïe, aïe, aïe. Uniquement, toi aussi, si tu montres ta lune. Hein, comme on a vu, la lune. On peut voir la lune. Le petit slibard. Si tu montres pas ta lune, t'auras pas d'ordinateur. Ouais, faut montrer sa lune. C'est important de la montrer. Parce que ton stage, ça se passe très mal. Donc, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir avoir de l'argent. Hein, ton stage va pas te mener à... Ouais, va falloir penser à une autre carrière. Donc, pourquoi pas... hein? D'accord? Va falloir penser à une autre carrière. Mais en tout cas, c'est pas celle que tu penses. Donc, l'ordinateur en ce moment... c'est compliqué, hein? Ok? Pas tout de suite. Est-ce que je vais réaliser mon rêve? Très bien. On va voir ça. Que tu vas réaliser ton rêve. Oh, bah toi aussi, seulement si tu montes ta lune, hein. Oh, bah ouais, tu crois que c'est ça, le temps de réaliser ses rêves? Bah non, tu crois quoi? Voilà, tu veux réaliser tes rêves? D'accord, bah monte ta lune aussi, c'est pareil. C'est pareil, c'est comme Casito. Ah, vous voulez des choses? D'accord, va falloir les montrer. C'est pas comme ça, va falloir montrer votre lune. Ah, désolé. Parce que vous avez beau travailler, c'est pas ça qui va vous rapporter de l'amour, de la gloire et de la beauté. Si vous voyez ce que je veux dire, donc le rêve, bah pour l'instant, c'est pas trop le cas. Non, sauf si tu montes ta lune. Y'a trop de lune. Est-ce qu'il pourrait tomber amoureux de moi? On va voir. Hop. Est-ce qu'il va tomber amoureux de toi? Ah, ça fait beaucoup de lune, hein, ouais. Aïe, 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 aïe. Eh ben écoute, aïe. Je ne pourrais pas te dire oui, je ne pourrais pas te dire non. Ah, c'est la carte de la machine à laver, du siphon, de l'hésitation. Toi-même, tu sais pas si tu as vraiment envie qu'il tombe amoureux de toi au final. Lui ne sait pas non plus. Pour l'instant, votre relation ne dit pas. Votre relation n'est pas encore assez poussée pour dire s'il peut tomber amoureux de toi. L'avenir ne le sait pas encore. Tu n'as peut-être pas encore ouvert toutes les portes pour avoir cette réponse. Pour l'instant, ce n'est pas un non, mais ce n'est pas un oui. Voilà, donc c'est un peu... mayo ketchup, quoi. C'est soit là, soit l'autre, mais on pourrait les mélanger, why not, ça pourrait être sympathique, mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? Ouais, aucune dernière question? Est-ce qu'il y avait une dernière question? Est-ce que je vais être accepté en école de graphisme? Très bien. Beaucoup d'énergie, tout ça. Excusez-moi, j'ai besoin de... Oh là là. Très bien. C'était pas le bon bruit. On recommence. Alors oui, je pense que tu seras accepté dans ton école de graphisme. Mais tu vas faire un peu le jeu du serpent. Ça veut dire que tu vas te... Tu vas t'immiscer dans des... peut-être dans des histoires qui te regardent pas. Ça veut dire que fais attention. Parce que tu seras dans ton école de graphisme. Tu vas y arriver, certainement. Hein, tu iras là où tu auras envie d'aller. Mais ça peut te mener à des endroits ou à des histoires voilà, qui sont très serpenteuses. Donc... N'oublie pas tes objectifs.
Pourquoi tu voulais aller en école de graphisme? Pourquoi tu voulais aller à cette école? Hein, te laisse pas distraire par les bavardages. D'accord? Tu es là pour le travail. Tu es là pour ta carrière professionnelle. Donc on fait très attention aux vipères. Hein, je le rappelle, hein, la carte du serpent. Les vipères. Les langues de vipères. On fait très attention parce que une parole, un mot, une phrase peut clairement te dire bye bye à ton rêve. Donc fais très attention à l'école de graphisme. Il n'y a pas que des gens qui te veulent du bien là-dedans. Trop de concurrence. Mais tu y arriveras. Bravo à toi. Voilà, on reste focus. Et on reste pas, et on reste focus aussi. Ah, focus. Focus et focus. C'est important. Ok? Ah, beaucoup de lune ce soir. Ouais, mais après, c'est peut-être la pleine lune, hein, ça, je sais pas. Mais oui, c'est vraiment une soirée lunaire. Ouais. On passe au prochain. Alors, le prochain signe, c'est le signe des balances. Est-ce qu'il y a des balances ce soir? Est-ce qu'il y a des balances? Il nous reste encore 6 signes. 6 signes. Est-ce qu'il y a des balances ce soir sur le chat? Peut-être sur YouTube en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. En tout cas, les balances, en ce moment, vous ne pouvez pas blairer les capricornes. Aïe, 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 aïe. Ah, ça passe pas! Aïe, aïe! Les balances avec les capricornes. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Non, ça se passe mal. C'est pas votre truc, hein. C'est les capricornes. Vous avez beau essayer de mettre du vôtre, ça passe pas. Non. En revanche, vous vous entendez très bien avec les scorpions. Voilà, parce que eux savent vous parler. Ils savent communiquer avec vous. Ils passent pas par quatre chemins. Alors que les capricornes, voilà, ils sont un peu sur la retenue. Mais les scorpions, bah, quand ils disent quelque chose, ils le disent et ça vous fait du bien. Donc écoutez, ma foi, les capricornes en ce moment, c'est pas vos potes. Donc on dit bye bye aux capricornes. On dit plutôt bonjour aux scorpions. D'accord? Allez, balance. On croit en vous, hein. Faut croiver. Non, tu n'es pas la seule balance ici. C'est juste qu'ils ne balancent pas leurs signes sur le chat. T'inquiète, il y en a plein d'autres. Alors, les balances en ce moment, écoutez votre instinct, hein, pour naviguer avec sagesse, avec tranquillité, dans des discussions qui peuvent être délicates. Voilà. Donc, vous avez envie de discuter de choses très sérieuses. À plus, bye bye. Vous avez envie de discuter de choses très compliquées avec certaines personnes, mais va falloir prendre des gants et pas n'importe lesquels, des grosses moufles, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on fait bélec, hein, on fait bélec. Donc, on prend vraiment des grosses moufles avant de dire les choses, les balances. On essaie de tempérer, hein, on essaie d'équilibrer les discussions. Parce que si vous mettez trop de poids vers un avis qui peut clairement, bam, ça peut faire des ravages. Donc, on tempère dans les relations. Sinon, à part ça, la vie amoureuse, elle est super. Communication très ouverte. Vous partagez vos pensées. Vous partagez vos sentiments les plus honnêtes. Vous n'avez pas peur du jugement. Vous en foutez. Vous êtes vraiment nickel dans votre vie amoureuse. Que ce soit la communication, que ce soit la durabilité. Tout est super. Les balances, vous êtes épanouis. Vous êtes authentiques. Vous arrivez facilement à renforcer vos liens. Vous êtes vraiment dans l'écoute. Vous échangez sans jugement, sans peur. Des belles pensées qui vous traversent l'esprit. Vous êtes vraiment dans un mood au top du top. Les balances. Parce que encore une fois, vous savez tempérer les choses. Vous savez quand il faut agir, quand il faut se retenir. Hein, vous le savez. Donc du coup, ça fait du bien de discuter avec vous en tant que couple. Les balances, vous êtes au top du top. Donc ne changez rien et n'oubliez pas que c'est donnant-donnant, hein, c'est 50-50 comme une balance. Genre vous faites la part de votre travail, il fait la part de son travail ou elle fait la part de votre travail. Donc ce n'est pas que vous, bravo les balances. Si vous êtes célibataire, eh ben, vous êtes célibataire, vous avez le temps. Cultivez l'empathie pour enrichir des liens personnels. Peut-être que des amis vont être plus que des amis. Mais pour ça, prenez le temps de discuter, d'en apprendre sur eux, d'en apprendre sur vous-même, sans justement le poids de la relation. Donc profitez d'être célibataire pour discuter avec les gens, voir si bah, ça peut matcher ou pas. Ça matche pas, c'est pas grave. Tu te prends pas la tête.
Vous savez prendre du recul, vous savez approfondir une amitié sans non plus la détruire. Ça veut dire que, voilà, vous tentez. Si ça se passe mal avec la personne, ça va pas entacher votre amitié, les balances. Voilà. Hein, s'il y a besoin de... 18. De goûter la marchandise pour dire que t'aimes pas, bon, vous aurez tenté. Et en général, ça va pas non plus détruire son amitié. Vous aurez tenté, au pire des cas, hein, dans quelques temps, vous direz, bon... Vous direz, bah, hey, tu te souviens quand on a Ken? Ouais, c'était dégueulasse, oh ouais. Bon, bah, vous avez tenté, bon, vous prenez pas trop la tête avec les gens. En tout cas, tout équilibre, trouvez, maintien, quelque chose de très stable. Si vous arrivez à trouver votre duo, si vous êtes en couple en ce moment, tout est solide. Dans vos relations de couple, vous êtes, vous arrivez à révéler vos vraies attentes. L'équilibre est vraiment super. Vous avez une relation hyper solide, hyper cadrée, les balances. Il y a rien qui pourra entacher tout ça. Tout est dans la mesure. Vous partagez vos besoins. Vous êtes honnête, vous êtes complice. Vous êtes transparent. C'est l'harmonie. Décidément, eh, mais c'est que du kiff, la balance aussi, hein. C'est que du kiff, coucou tous ceux qui débarquent. C'est que du kiff, les balances. Et également au travail. Voilà, au travail, pareil. Une approche, eh ben écoutez, dans les discussions de travail, qui va renforcer vos relations professionnelles avec vos collègues. Vous allez même pouvoir tisser des liens avec certains collègues. Pourquoi pas des collègues qui vont devenir des amis, les balances. Donc si vous sentez qu'il y a une bonne alchimie avec certains et certaines, ben n'hésitez pas à faire plus. Hein, voilà, donc montrez votre esprit d'équipe aux gens. Voilà, vous allez voir que certains et certaines collègues, eh ben ça pourrait être de bons potes à l'extérieur. N'hésitez pas, même si vous savez qu'il faut pas mélanger vie privée et vie professionnelle, eh ben parfois faut laisser un peu tomber tout ça et de se dire que ben, certaines amitiés peuvent se créer au travail. Donc let's go, hein. Il faut prendre son... faut bien travailler, vous travaillez bien, mais vous savez saisir des opportunités, et surtout avec vos collègues. Finance, nickel, également. Ouais, les finances, c'est parfait, les balances. Voilà, c'est nickel, il y a beaucoup de rentrées d'argent. Vous avez envie de vous lancer dans un petit travail freelance. Ça veut dire vous avez envie de vous faire un truc qui peut vous générer un petit peu plus de revenus. Pourquoi pas monter une auto-entreprise? J'en sais rien, si vous êtes passionné d'un truc, pourquoi pas le monétiser? Vous êtes passionné de création, passionné de création artistique, des choses que vous avez envie de monétiser, bah pourquoi pas le faire? Lancez-vous! Voilà, vous pouvez mixer votre travail de salarié avec un truc auto-entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à, pourquoi pas, se faire un petit peu plus de sous. Vous en avez déjà pas mal. Ouais, ils sont très bladax. Vous êtes déjà pas mal en termes de budget, mais pourquoi pas encore plus? Voilà, histoire de renforcer vos comptes en banque. Avoir une assurance financière accrue au top du top. Pour l'instant, l'argent coule à flot. Profitez-en, c'est le moment. L'argent, c'est fait pour être dépensé. L'entourage. Eh bien, écoutez, pourquoi pas proposer une belle soirée pour accueillir des nouveaux venus dans votre cercle. Vos collègues, admettons. Parce que vos collègues, vous les voyez ben, au travail. Les potentiels collègues qui peuvent devenir des amis, vous les voyez souvent au travail. Eh bien, pourquoi pas les faire venir chez vous? Ou alors ailleurs, pourquoi pas créer une soirée dans un bar, une soirée dans un karaoké, un bowling, histoire de favoriser des échanges qui vont renforcer eh ben, vos amitiés à l'extérieur, mais aussi renforcer vos amitiés au travail. Donc n'hésitez pas à prendre des initiatives, notamment pour des sorties extra-scolaires, extra-professionnelles, extra-boulot. Bah, sinon le bien-être, écoutez, favoriser le développement personnel. En affrontant vos peurs, n'hésitez pas à augmenter votre confiance en vous et à gérer votre stress. Aïe, aïe. Il y a un peu de stress, les balances. On stresse sur pas mal de choses. On se pose des questions sur la confiance en soi. On est un petit peu dans des obstacles psychologiques qui sont très difficiles à surmonter, à confronter. Une mentalité de croissance qui a du mal à retrouver l'équilibre. Les balances, apparemment, vous posez trop de questions. Vous êtes trop dans la réflexion. Est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que je suis bon pour ça? Est-ce que je suis bonne pour ça? Oui. Posez-vous les bonnes questions là. Va falloir se faire un petit travail de développement personnel. Ok? Bah ouais, téléchargez le petit bambou là. Non mais c'est vrai. Va falloir faire quelque chose. Vous êtes très anxieux. Exactement. Vous êtes très 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 anxieux. Donc faites attention à vous.
On est sur un travail d'obstacle psychologique. Donc, à ne pas surmener quand même. Ne vous surmenez pas. Mais faites attention à vous. D'accord? Mais à part ça, vous êtes dans des phases de réflexion. Il vous faut un temps de pause également pour redonner un nouveau souffle, peut-être, à votre vie. N'hésitez pas à déléguer votre travail aux collègues. Prenez du temps pour vous et profitez des choses extérieures. Il n'y a pas que le travail. Même si tout se passe très bien, vous pouvez vivre de belles choses à l'extérieur avec les collègues, qui peuvent être des amis. Donc profitez des sorties extérieures et pas que intérieures. Le travail, c'est le travail. Les sorties, c'est les sorties. Et c'est bien de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà! Voilà, voilà! Les très chères balances. C'est plutôt pas mal aussi. Hein. C'est plutôt pas mal aussi. C'est toujours trouver un équilibre. Hein, trouver un équilibre, les balances. Bravo, les balances. Bravo, bravo. C'est très, très bien. Voilà. Donc, il faut trouver vraiment un petit équilibre entre les deux. Hein. Non, on n'a pas encore fait Capricorne. Attendez, où est-ce qu'on est là? On était à balance. Capricorne, c'est vers la fin, non, je crois. Capricorne, c'est où? Ouais, non. Les prochains, ce sera les scorpions. Mais t'inquiète pas, en temps et en heure, on le fera. C'est pas pour l'instant, Capricorne, c'est vers les derniers. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un bon, hein? C'est plutôt un bon horoscope. Est-ce que vous avez des questions? Très chère personne du chat. Est-ce que vous avez des questions pour les cartes? N'importe lesquelles. Que ce soit professionnel, personnel, argent, amour. Les cartes ne mentent jamais, ne l'oubliez pas, les cartes ne mentent jamais. Est-ce que je vais grandir plus? Des questions quand même qui ont du sens. Voyons. Est-ce que je vais avoir des enfants un jour? Ah! Ça c'est une bonne question. Comment tu fais pour tout savoir? Bah parce que je suis... c'est un don que j'ai, bien sûr. C'est un don que j'ai depuis toujours, enfin, bien sûr. Alors, est-ce que tu vas avoir des enfants un jour? Oh! Alors écoute-moi bien. Oui, tu vas avoir des enfants. Ils vont être très turbulents. Aïe, 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 ça va être des petits démons. Ils vont te mettre la misère. Alors réfléchis bien, hein, parce que t'es pas sûr de... Hein. Fais gaffe avec qui tu fais tes gosses. Parce que je crois que tes gosses, ils vont te mettre la misère. Ah, ça va être des petits diables. T'auras beau avoir la meilleure éducation possible. Ils vont te mettre la misère du diable. Ah, clairement, tu vas galérer. Mais ça vaut le coup. Hein, tu vas galérer, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être la misère. Mais t'auras des gosses. Et je sais pas combien. Je vais essayer de te dire ça. Si tu vas avoir combien d'enfants. Oula! Apparemment, tu vas en avoir un seul et un dur, hein. Genre, lui, il est vraiment très, très dur. Tu vois, regarde, lui, il a pas le temps. Un seul, mais ça rejoint avec la carte d'avant, hein. Aïe, aïe, aïe. Un seul, mais lui, va te mettre la misère. Voilà, tu vas appeler Super Nanny, je crois. Ouais, ouais. C'est de galère. Ouais, il va falloir investir un grand congèle. Un grand congèle. Est-ce que je vais réussir à courir un 10 km avant la fin de l'année? Je vais te dire ça. Un 10 km. Oh, attendez, j'ai besoin de plus d'énergie. Oui! Ah, oh, mais tu vas même faire plus que 10 km! Tu vas te surprendre! Regarde! Eh, hey, tu vas même pouvoir toucher les étoiles tellement que tu cours vite et tellement que tu cours loin. Bien sûr que tu vas réussir ton objectif. Ah, mais bien sûr. Et je pense que ça va être cet été, hein, du le soleil. Cet été, tu vas te... T'auras envie de... Ouais, t'auras envie de faire un sacré objectif. Ah, il y a un semi-marathon. Eh ben voilà, c'est cet été peut-être. Mais écoute, c'est ton moment. Va falloir courir là. Tu vas y arriver. Hein, on se donne à fond. Y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ouais, hein. Let's go. Est-ce que je vais avoir une bonne relation amoureuse? Très bien. Voyons ça. J'en prends 3. Je sens qu'il y en a besoin de 3. Je vais mélanger. Très bien. Oh ah là 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 là. Aïe 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 aïe.
Alors, je pense que tu vas pas avoir une bonne relation amoureuse. Tu vas en avoir plusieurs et ça va tourner, tourner, tourner. Hein, ça va être les tournantes en pagaille. Ouais, en gros, tu vas avoir plein de relations, mais ça va être compliqué. Hein, y a pas de stabilité. Voilà, tu vas te lasser ou ils vont se lasser, elles vont se lasser, peu importe du genre. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas de stabilité en vue. Hein. Ça va tourner comme une machine à laver. Donc, oh là 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 là, attention quand même, hein, on se protège. Hein, pas de relation sérieuse. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Est-ce que je vais rencontrer Lady Gaga un jour? Alors, oui, mais que en concert. Tu vois, là, elle est en train de danser, là. Elle est en plein milieu de la scène. Elle est en plein show. Tu vas pas la rencontrer en vrai, juste en concert. Elle est là en train de faire son petit showcase. Oh, calling a barrel man. Tu vois, là, autour, c'est le public, avec les enceintes et tout. Elle est juste en train de chanter. Tu la verras que en concert. Si elle fait encore des concerts, parce que quelque chose me dit que elle commence à se faire vieille. Donc, faut se dépêcher, hein. On va pas faire des concerts longtemps, celle-là. Faut se dépêcher, hein. Est-ce qu'il y a d'autres conseils de... Est-ce que je vais réussir mon rêve cette année? Ha! Est-ce que cette année, tu vas réussir ton rêve? On va voir ça. On va voir ça. Oui! Alors, ça sera peut-être pas ton rêve, mais en tout cas, tu vas réaliser quelque chose de bien. Alors, je ne pense pas que ça va être ton rêve. Hein, ça va pas être le rêve que forcément t'attends, mais tu vas réaliser quelque chose de super. Quelque chose qui va t'apporter de la douceur, qui va t'apporter peut-être une cohésion avec quelqu'un. Ça sera peut-être pas ton rêve, celui que tu attends. En tout cas, ça va t'apporter quelque chose de cool. Et ça, c'est le principal. Donc oui, ça va être très chouette cette année. Il va t'arriver un truc bien. Bravo à toi. Ah, il y a de belles choses. Ah, ça m'émeut. Ça m'émeut. Ah, ça m'émeut. Des belles choses. Une petite dernière. J'ai envie de m'en faire un tirage. Est-ce que je vais avoir un follow Twitch là dans quelques instants? Ah, apparemment oui. Ouais. Apparemment quelqu'un va s'abonner à la chaîne dans très peu de temps et va nous donner sa force. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore abonné à la chaîne Twitch et apparemment bah il arrive. Voilà, il arrive. Let's go, on lâche le petit follow. Donc c'est super. Bah écoute, on t'attend. Voilà, la personne qui va nous suivre va être une personne bienveillante. Apparemment une personne très sympa. Qui va faire du bien à la communauté. Voilà, donc est-ce qu'elle va arriver dans 3 secondes, comme dans 5 minutes ou dans un quart d'heure, on ne sait pas. En tout cas, la prochaine personne qui va suivre la chaîne sera une personne bien. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. On passe au prochain signe. Et pas n'importe lequel, on passe au scorpion. Voilà, voilà. Les scorpions. Est-ce qu'il y a des scorpions dans la salle? Est-ce qu'il y a des scorpions? Alors moi je suis scorpion également. Est-ce qu'il y a d'autres scorpions dans la salle? Montrez-vous les scorpions. Où est-ce que vous êtes les scorpions? Les scorpions, est-ce que vous êtes là? Ah, il y a des beaux scorpions. Les petits scorpions alors? Ouais, il y a les petits scorpions. Et sur YouTube, n'hésitez pas, quel signe vous êtes? Est-ce que les prédictions, ça vous a parlé? Bon, évidemment, c'est du second degré, hein, je lis les horoscopes. Mais parfois, on peut se retrouver dans certains trucs, et ça peut vous déclencher une petite pensée ou deux. Bah écoutez, j'en suis ravi. Hein. Ah, c'est bien les scorpions! Alors, ce qui ne m'étonne absolument pas, mais en ce moment, vous ne pouvez pas blairer les gémeaux. Est-ce que c'est que en ce moment, ou c'est en général? Hein, on va se dire les termes. Je crois que les gémeaux et les scorpions, c'est pas possible. Vous savez comment ils sont les Gémeaux et ça vous casse les couilles. Vous avez pas le temps avec les Gémeaux, ils sont tellement changeants, ils sont tellement pénibles. On prend pas de pincettes avec les Gémeaux. Ah voilà, moins on les voit, mieux on se porte. En revanche, en ce moment, vous êtes en symbiose avec les Capricornes.
Les Capricornes, c'est le signe de ma maman. Donc, et c'est vrai que, bah, hier, voilà, on a passé une journée assez difficile et c'était très sympa d'être en symbiose avec la maman. Donc, en ce moment, les Capricornes, vous êtes en symbiose avec les Capricornes. Vous leur apportez du bien. Les personnes Capricornes vous apportent du bien. Ça fait plaisir d'avoir des gens Capricornes dans votre entourage, les Scorpions. Donc, profitez de ces gens-là parce que, bah, ils vous apportent douceur, stabilité et du plaisir. Voilà, ça fait du bien les Capricornes en ce moment. Alors les Scorpions, on écoute les pressentiments. Hein, vous savez qui vous guide de base. Dans vos interactions avec les autres, vous avez toujours la bonne intuition. Dans vos relations professionnelles, vos relations personnelles. Voilà, les intuitions, le Scorpion, ça ne se trompe jamais. Et ça c'est vrai. Les Scorpions, en général, quand vous avez une intuition, c'est souvent la bonne. Alors n'hésitez pas à les garder pour vous, tout n'est pas à partager aux autres. Gardez-la et vous faites en fonction. Hein, on les garde. Tout n'est pas à partager. La vie sentimentale, amoureuse, n'hésitez pas à enrichir l'intimité si vous êtes en couple avec votre partenaire. Hein, il y a peut-être une sorte de lassitude qui s'est créée avec le temps, ce qui est normal. N'hésitez pas à partager vos rêves et vos désirs qui peuvent renforcer la connexion émotionnelle avec votre partenaire. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une écoute attentive et de la bonne communication et une sincérité partagée. Tu chiales, ma pauvre Lucette. Voilà, c'est pas grave. T'as envie de chialer? Chiale. Le principal, c'est d'être sincère à 100% avec ta partenaire. Donc, on fait de chaque jour l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau avec son ou sa partenaire. Voilà. Même s'il y a un certain fossé, une certaine distance avec le temps ou distance géographique, on n'oublie pas de donner un peu de belles choses à l'un ou à l'autre. Tout peut très bien se passer, mais à vous de discuter et de prendre les choses avec parfois beaucoup de recul. Si vous êtes célibataire, bon là, faut s'ouvrir à l'amour là. Allez hop, allez hop. Les Scorpions, c'est le moment là. Allez hop. Allez hop, on s'ouvre. On s'ouvre à fond de balle, les Scorpions. Wouh. Allez hop, on se fait plaisir, c'est le moment. Il y en a marre. Et c'est bon. Et vous avez tourné assez autour du pot. L'analyse, c'est bien mignon. La sécurité, c'est bien mignon. Mais à un moment... Peggy 18. Faut y aller, là. Eh bébé, faut y aller. Alors, on y va. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. Hein, on s'ouvre à des investissements sentimentaux. Voilà, c'est peut-être... les économies qui vous freinent. Parfois, vous êtes dans des impasses financières et vous avez peur. Parfois, vous avez peut-être pas la possibilité de payer un ticket de train pour aller voir la personne, de prendre un ticket de bus parce que bah, l'économie aussi, ça joue dans votre future relation de couple. Mais vous inquiétez pas, l'harmonie viendra en temps et en heure et viendra casser ce problème, financier. Donc, là, c'est le moment de mettre un peu de sous de côté. Histoire de voir la personne ciblée. Voilà, peut-être que la personne est un peu loin de vous. Allez, peut-être, j'en sais rien, vous êtes dans le sud, la personne est dans le nord. Voilà, donc il faut mettre un peu de côté. N'hésitez pas à les voir. Un billet de train, un billet d'avion. Là, c'est le moment de dépenser, là. Hein, on met de côté. Pourquoi pas aussi pour créer une situation stable pour votre prochain couple. Ça veut dire, c'est peut-être le moment de déménager. C'est peut-être le moment de louer un appartement. Peut-être un peu plus petit, mais qui vous permettra de mettre de l'argent de côté. Merci à toi pour le Prime. Merci à toi pour le Prime. Et ben voilà, regardez, un peu d'argent, ça fait plaisir, je mets de côté, hop, et comme ça, Cricri sera content. Voilà, c'est peut-être le moment de mettre des sous de côté. Merci pour le Prime. Des sous de côté pour essayer de créer une relation stable plus tard. Ok? Et ben regarde, c'est beau, hein. Le travail, eh ben écoutez, vous allez trouver du travail. Vous allez peut-être suivre en ce moment une formation qui va vous mener à un boulot qui va vous plaire. Un boulot qui sera en plus bien rémunéré. Voilà, un métier. Mmh. Ah, attendez, l'autre vient de pécho là. Oh. Vous n'allez pas pécho au travail. Oh. Oh. Non. Mmh. On n'écoute pas la grande fée. Non, non, non. Non, non, non. Non. On n'écoute pas la grande fée. Non. Non. Le travail, c'est le travail, les Scorpions. Vous allez travailler. Vous allez trouver un travail qui va vous plaire. Ça va pas être forcément le travail de votre vie.
mais le travail vous permettra de créer votre stabilité plus tard. Donc, pour l'instant, le travail, il arrive. Voilà, vous allez prendre des initiatives. Vous allez pouvoir peut-être même, grâce à ce travail, ça va peut-être vous ouvrir des portes vers l'extérieur. Alors, ça précise pas, mais ça peut être un déménagement. Ça peut être un l'achat d'une voiture pour aller trouver un autre travail plus tard. En tout cas, ça va vous créer des opportunités, le travail. Donc, let's go. Hein, on croise les doigts pour le travail. On croise les doigts. Côté finance, c'est un peu la misère. Ah, les finances, c'est un peu la misère. Mais vous le savez. Et vous prenez en considération les signaux de votre vie. Donc, on économise là où on peut économiser. On essaie de regarder le compte en banque. Qu'est-ce que je peux diminuer, histoire d'acheter intelligemment. N'hésitez pas à comparer pour faire des courses parce que tout augmente. Voilà, essayez d'organiser vos dépenses, vos finances. N'hésitez pas à revendre des choses que vous ne désirez plus. Des vêtements, des choses, pas dingues qui vous servent à rien. N'hésitez pas à faire un tri dans votre maison. Des fois, il y a des trucs que vous regardez depuis très longtemps, vous ne l'utilisez plus. Bah, ça va peut-être vous rapporter 2-3 euros par là. Téléchargez Vinted, ça vous fera pas de mal. Salut Kurem. Voilà, faites du tri dans votre vie là. 100 euros, c'est 100 balles. Bah, les 100 balles, vous les mettez de côté, ce qui pourra vous permettre... Pourquoi pas d'acheter un billet d'avion, quelque chose, pour aller voir l'être aimé s'il est un peu loin. Donc on économise et on arrête de dépenser des trucs qui servent à rien non plus là. C'est le moment d'équilibrer les besoins et les désirs. Bon, il y a des choses que vous avez besoin de manière vitale. Il y a des trucs, c'est des désirs, vous n'avez vraiment pas besoin, mais vous achetez quand même. Donc là on fait Bélec, hein, on n'est pas là pour ça. L'entourage, écoutez, vous arrivez à tisser des liens très forts, les scorpions. Voilà, vous êtes bien les scorpions. Il y a eu des moments compliqués, mais vous avez réussi à sortir la tête de l'eau. Voilà, que ce soit dans un sport, dans un atelier créatif, une sortie culturelle, tout est bien encadré en ce moment. Vous partagez des bons moments, vous aimez créer des choses, vous aimez renforcer l'affection mutuelle avec les gens. Vous êtes bien dans votre entourage en général, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit le milieu professionnel. Tout est impeccable. Les scorpions, vous brillez. En ce moment, vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. Vous prenez du plaisir dans les sorties extérieures. Bah, les scorpions, nickel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est parfait. Voilà, on change rien. On ne change pas une équipe qui gagne. Et le bien-être, eh bien, écoutez, arrêtez de chercher la quête de la perfection. Voilà, ça n'existe pas. Les scorpions, vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. Personne n'attend de vous à ce que vous soyez parfait ou parfaite. Voilà, donc on s'enlève le petit doigt du fiac. On accepte les erreurs. Voilà, on prend du temps pour soi également. Hein, y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent mal, il y a des choses qui... on s'en fout. Hein, on s'écoute. Vous n'avez pas peur du jugement à la base. On arrête un peu de se prendre le chou avec des trucs vraiment bidons. Hein, ça veut dire que il y a un moment, faut lâcher un peu du lest. Hein, ça veut dire... s'il y a un truc que vous ne maîtrisez pas, bah vous ne le maîtrisez pas et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir une maîtrise sur tout et n'importe quoi. Notamment sur les personnes. Ça veut dire que en général, vous avez envie qu'une personne réagisse comme ça. Bah non, c'est pas possible. Voilà, donc laissez faire. S'il y a un truc à faire, c'est de laisser faire. Pour tout et de n'importe quoi. Un truc que vous n'aimez pas, bah laissez faire. Un truc, une situation qui vous saoule avec quelqu'un, laissez faire. Quelqu'un que vous n'aimez pas refait un comeback. Ben laissez faire, on s'en fout. Voilà, allez, on dit ciao bambino, les scorpions. On n'a pas que ça à foutre. Et surtout, pour le bien-être, les scorpions, le repos. Voilà, c'est le moment de prendre un peu de repos, mais d'éviter les activités énergiques qui vous demandent de la concentration. Ne foutez rien, les scorpions. Voilà, on ne fout rien. On laisse le temps au farniente. A plus, Wanemi, merci du lurk. Voilà. Les farniente, on se prend pas le chou, les scorpions, d'accord? On profite, on se détend la nouille. Voilà, vous pouvez remettre les choses à demain. Voilà, c'est d'habitude vous faites tout au taquet, vous êtes très perfectionniste. Bah, il y a un moment, va falloir prendre du temps pour soi, parce que la vie est courte et il faut profiter de tous les instants. Voilà les scorpions, voilà les petits scorpions. Bah écoutez, moi ça me parle un petit peu quand même. Il y a des trucs qui me parlent. Il y a des trucs qui me parlent en tant que scorpion. Voilà, donc c'est cool. C'est chouette. Il y a des trucs que je mets déjà en place, donc ça fait bien plaisir. Tout n'est pas à prendre, mais ça me parle bien, moi, ce petit horoscope. Donc ça fait du bien.
Voilà, vous avez pensé quoi? Ça va bien et toi, Marmotte, comment vas-tu? C'était chouette cet horoscope. Il est plutôt positif. Mais en gros, on s'enlève le doigt du fiac, hein, le scorpion. Hein. Ouais, ça vous a plu? Bon, bah super. Wow, ça fait plaisir. Il était bien, hein. On va se refaire un petit tirage de cartes. Les questions, c'est le moment. Voilà. Elle est bien cette soirée horoscope. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi de cette soirée horoscope astrologie? Bon, évidemment. Eh, les cartes, c'est du second degré, hein, bien sûr, hein, on rigole. Je vous donne des conseils comme ça, c'est pour rigoler. Hein. Mais parfois, s'il y a un petit truc qui peut vous déclencher une envie, une pensée, bah écoutez, j'en suis ravi, hein, je suis pas un professionnel, c'est de la blague. Mais tant mieux, c'est cool. Bon, bah tant mieux si ça va. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Racontez-moi, là. Vos petites questions. Ouais, c'est agréable. Est-ce que je vais pouvoir aller finir mes études au Canada? Alors, je vais te dire ça. Attends, laisse-moi mélanger mes cartes. Oh! Laisse-toi le temps! Attends, non, c'est pas le bon bouton. Regarde. Laisse-toi le temps! Regarde, oui! Je pense que tu... Regarde. On sent que c'est l'horloge, tu vois, c'est le temps. Laisse-toi le temps, voilà. C'est pas encore le moment, mais je pense que oui, tu finiras tes études au Canada. Tu iras, ça prendra du temps. Parce que le Canada, c'est pas la porte à côté. Va falloir mettre un peu de sous de côté. Et peut-être, tu vois, là, je vois un symbole d'union. Donc peut-être que même tu feras ta life là-bas avec quelqu'un. Est-ce que ton partenaire ou ta partenaire... au Canada, ce qui est possible, ce qui te motiverait davantage à aller au Canada, clairement, si c'est le cas. Moi, je vois comme une sorte d'union avec un temps, donc c'est possible, hein. C'est possible, hein. Écoute, que tu vas aller là-bas. Je pense qu'il y a le travail et il y a aussi tu vas pécho au Canada, hein, qu'on se le dise, hein. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un. Ouais. Ah bah voilà, voilà. Alors, tu vas pécho ton mec ou ta meuf au Canada. Et en plus, tu vas bosser au Canada. Mais ça prendra du temps. Donc, laisse-toi le temps. D'accord? Eh ben, tant mieux si ça te va. Est-ce que mon évier va se déboucher? Ah! Alors, ça, c'est une question très... Oulala, très existentielle. Il va me falloir plus de chakras. Eh ben écoute, oui, et t'auras besoin d'un... Ouais, tu vas avoir besoin là, tu vois là ce qu'il a là dans les mains, c'est une ventouse. Donc la ventouse, ça va bien t'aider à déboucher, ouais. Regarde-moi ça là, tu vois la ventouse qu'il tient dans les mains? Oh bah tu vas en chier là, donc déjà tu vas aller acheter du produit. Et en plus avec la ventouse, ça va te déboucher, mais alors d'une puissance. Oui, il va se déboucher ton évier, mais il va falloir y aller là. Va falloir mettre de l'huile de coude. Ah, écoute, si t'as une ventouse à la maison, ben on ventouse à fond. Hein. On ventouse. C'est le moment. Mais ça va pas être de la tarte. Bien sûr, vous avez le droit à une deuxième question, bien sûr. J'en fais 3-4 entre chaque signe. Est-ce que je vais réussir à faire mon gâteau? Ah. Ah, écoute, tu vas mettre la main à la pâte. Tu vois, la main à la main blanche et la main dans la pâte. Mais si tu surveilles pas, en fait, le gâteau, il va pas t'attendre. Le gâteau, va falloir le surveiller vraiment. Tu vas réussir, mais la moindre chose qui va te déconcentrer, rail, tu risques de le rater. Donc, fais très attention à ton gâteau. Tu peux le réussir comme tu peux l'échouer. Rien n'est acquis pour le gâteau. Fais très attention. C'est un gâteau à quoi? Fais très 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 attention au gâteau. Hein. Ouais ouais ouais. Faut faire attention. Hein. C'est un gâteau à quoi? À la vanille. Vanille comme la main qu'on a vue. Ouais ouais. Ouais attends, je vais refaire un tirage. Est-ce que la vanille va apporter quelque chose de positif à ton gâteau? Aïe 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 aïe. Alors tu vas réussir ton gâteau mais il va être dégueulasse. Ouais, ça va être dégueulasse. Ça veut dire que tu vas le manger une fois, ça va être tellement dégueulasse que tu vas le jeter à la poubelle. Tu vois les bouts de gâteau là qui tombent. Ouais. Tu vas le réussir le gâteau, il va être beau d'extérieur.
Il va être beau, mais il va pas être bon. Si tu le surveilles pas. Donc fais très attention, Marmouth. Ça veut dire, surveille-le bien, ton gâteau, si tu veux qu'il soit bon. Donc, fais attention. Hein, on surveille bien. D'accord? Allez, prochaine question. Est-ce que si je commence sur Twitch, ça se passera bien? Surveille le gâteau, Marmouth. Eh ben écoute, ça va se passer plutôt pas mal. Ça va se passer bien, mais t'auras l'impression de tourner en rond. Ça veut dire que ça va pas forcément être les attentes que tu attends. Tu vas pas devenir le prochain... voilà. Le prochain streamer star, mais tu vas prendre du plaisir. Tu vas passer des bons moments sur Twitch, mais t'attends pas non plus à avoir 30 abonnés à ton premier live. Hein. Parfois, tu vas être tout seul. Mais on commence par... on commence tous par là. Donc, oui, ça va très bien se passer, mais n'oublie pas pourquoi tu te lances sur Twitch. C'est la base. Où est-ce que tu as acheté ton verre Zelda? Ok, c'est une autre question un peu particulière, mais vas-y. Je l'ai acheté à Auchan. À Auchan, le verre Zelda. Mais alors, tu vois, si tu l'achètes... Merci, curatrice. Merci, curatrice. Merci à toi. Merci infiniment. Et merci, Curem, qui offre également un sub à Opetsu. Merci, merci, merci infiniment. Mais ça veut dire, là, pour le verre Zelda, ça veut dire que si tu l'achètes, attention aux représailles. Attention représailles. Parce que du coup il peut se casser. Donc si tu veux me copier, souvent copier, jamais égaler. Donc fais très bélec si tu veux avoir le même verre que moi. Donc c'est bien beau de copier, mais attention. Voilà. Est-ce que je vais réussir mon oral du 18 avril? Ah, allez, dernière question avant de passer au prochain signe. Après tu sais, en avril on se découvre pas d'un fil. Oh là là. Voyons voir. Bougez pas. Est-ce que tu vas réussir l'examen? Ouh. Alors je pense que tu vas... Alors ça va être mi-figue mi-raisin. C'est pas la... C'est pas le... C'est pas l'examen que tu vas réussir avec brio. Hein, tu vas le réussir, je pense. Tu vas le réussir, mais ça va être très juste. Ça va être juste là. Il va falloir... d'accord. Va falloir quand même mettre les bouchées doubles. Ça va être juste, hein, l'examen. Va falloir bosser plus, là. Parce que tu vas l'avoir. Mais si tu te reposes un petit peu trop sur tes lauriers, tu risques de le rater. Donc, fais attention, hein. On bosse, on bosse, on bosse. Ok? On est à quel signe? On est à... on passe au Sagittaire. On passe au Sagittaire. Est-ce qu'il y a des Sagittaires dans la salle? Est-ce qu'il y a des Sagittaires ce soir? Est-ce qu'il y a des Sagittaires? Oui, va bosser, ouais. Ah, il y a des Sagittaires. Bah, super. Eh ben, c'est cool. Allez, les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, en ce moment, vous êtes sous l'influence de Mars. Et en conjonction avec Saturne, imaginez. Donc, ce qui veut dire que les Verseaux, caca. Les Verseaux, ça pue. Ah ouais, trop de frustration avec les Verseaux, parce qu'ils sont lents. Voilà, en ce moment, ils sont lents, les Verseaux, trop de lenteur. Vous êtes pas patient. Hein. Vous êtes pas patient avec les Verseaux. Hein. Ils sont un peu chiants. Donc, ça vous plaît pas. Donc, vous nextez les Verseaux. Vous n'êtes pas en phase avec les Verseaux. Ils sont trop chiants, hein, les Verseaux. Donc, voilà, donc on ne parle pas avec les Verseaux. En revanche, en ce moment, mes très chers compatriotes, vous vous entendez bien avec les Verseaux. Voilà. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit les Verseaux? Oui, c'était un Sagittaire. Les Sagittaires, vous entendez bien aussi avec les Verseaux, mais pas tous. Ça veut dire que ça va être un petit peu mi-figue mi-raisin. Donc en gros, c'est certains Verseaux, ça va pas être possible, mais certains Verseaux, ça va être possible. Donc en gros, pas tous. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des Verseaux, admettons, de votre entourage familial, vous pouvez pas les blairer. Ça va être possible. Voilà, s'il y a des Verseaux dans votre famille, ne leur parlez pas.
Mais si vous avez des Verseaux par exemple dans votre cercle amical ou professionnel, il se peut que vous entendez bien. Va falloir faire un tri sur les Verseaux. Vous pouvez pas jouer sur deux tableaux avec eux, d'accord? La famille, on évite les embrouilles. Les amitiés et les vies professionnelles, ça peut le faire. Mais avec on prend des pincettes, hein. On réfléchit aux actions, d'accord? On fait mes lacs avec les Verseaux. On s'entend bien, mais on prend pas trop la confiance non plus, hein, les Sagittaires, ok? Alors, vie amoureuse. Vie amoureuse, pour vous en cacher, vous avez besoin de transparence. Vous avez besoin de dialogue. Vous êtes une personne qui discute, qui mettez des objectifs communs, qui crée des budgets pour respecter vos rêves, respecter vos limites. Vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de clés. Vous avez besoin d'être dans une situation durable, harmonieuse. Vous avez pas, vous, rien ne se fait au hasard. Vous avez besoin d'être, tu vois, vous avez besoin d'être cadré, quoi. Ça veut dire, c'est pas un jour c'est A, un jour c'est B, un jour... Non, tout est impeccablement trié, bien organisé, bien rangé. Tout est impeccable. Voilà, donc dans votre, si vous voulez vous lancer dans une vie amoureuse, si c'est pas encore le cas... il faut que cette personne respecte tous les critères que vous êtes donnés. En tant que célibataire, vivez l'aventure de nouvelles tendances mode ou beauté pour, pourquoi pas, pécho quelqu'un. Ça veut dire, vous avez envie d'une nouvelle coiffure? Let's go. Ça va peut-être déclencher un wow du côté de quelqu'un que vous n'espérez pas. Donc n'hésitez pas à évoluer, comme tel un Pokémon. Changer de look, changer de truc si vous avez envie. Nouvelle couleur de cheveux, let's go. Une nouvelle coupe, allez, on y va. Une moumoute, c'est parce que vous avez la calvitie. T'inquiète, il y a des belles moumoutes maintenant. Donc on se fait plaisir. Nouvelle coupe, nouvelle vie. Qui a peut-être, voilà, déclenché quelque chose de... de physique avec quelqu'un. Et pourquoi pas la personne de votre... qui sera votre coup de cœur sentimental. Exprimez-vous pour attirer le genre de relation qui vous complète. Comme d'hab, hein, vous aimez pas le blabla, vous. Hein, que du résultat. Donc, exprimez-vous, dites les choses que vous avez envie dans une relation, si vous êtes célibataire, histoire de ne pas perdre de temps. Parce que vous, les Sagittaires, vous n'aimez pas perdre de temps. Voilà, c'est let's go, pas d'imprévu. Hein, si vous voulez finir le célibat, il faut que ce soit riche et personnel et encadré. En revanche, Reliloen, si vous êtes en couple, les Sagittaires, bah, y a des moments difficiles. En couple, il y a des moments difficiles. Voilà, peut-être un manque de communication entre vous. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir avec votre partenaire. Voilà, peut-être que vous êtes un peu perdu. Aïe. Avec votre partenaire, peut-être que la routine s'est installée. Voilà, des petites crises, parfois de temps en temps. N'hésitez pas à parler et à dire vos peurs, à ce que vous ressentez pour renforcer vos liens. Parce que bah, il se peut que en ce moment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous passez trop de temps avec certaines personnes, ou alors vous passez pas assez de temps avec lui. Vous vous sentez peut-être laissé de côté. Voilà, une bonne discussion, ça arrange tout. Je vous le dis pour vous, le Sagittaire Kosei Coquin. Kama Sutra, histoire de bousculer les habitudes. Peggy 18. Voilà, Kama Sutra, n'hésitez pas. Allez hop, et puis on se fait plaisir. Le travail. Le travail. Bah écoutez, le travail, prenez un moment pour réévaluer vos priorités. Si vous sentez qu'il y a un travail qui empiète trop sur votre vie professionnelle en ce moment, si vous n'arrivez pas à couper entre vie professionnelle et vie privée, bah il s'agirait peut-être temps de changer les horaires, d'adapter vos horaires en fonction de votre vie. Hein, vous pouvez pas être sur deux tableaux là. Il y a un moment, vous pouvez pas non plus être par là et par là. Je veux dire, le travail, c'est le travail. La vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Enfin, la vie personnelle, c'est la vie personnelle. On mélange pas tout quand même. L'équilibre, d'accord? Parce que sinon, Vénus, ça va pas blaguer celle-là. D'accord? Donc, entente cordiale avec le copain. Stabilité avec le travail. Pour trouver une harmonie parfaite et un juste milieu. Les finances, bah, va falloir changer de banque quand même. Voilà, on change de banque. On change de banque. Ça fait un moment que vous pensez à changer de banque parce que vous trouvez que ça coûte trop cher. Trop de frais bancaires, trop de frais de compte, frais de trucs, de frais de machin, trop d'assurance.
Il y a peut-être même des trucs que vous savez même pas que vous avez signé alors que vous avez signé. Mettez votre nez là dans vos comptes bancaires. Les Sagittaires. Il y a des trucs que vous achetez qui vous servent à rien, c'est inutile. Des économies, petite économie, ça fait plaisir. Vous allez voir que ça va se transformer en grosse somme. Voilà, n'hésitez pas à comparer vos factures EDF, vos factures de assurance voiture, assurance habitation. Parfois, vous payez une carte bancaire trop chère alors que vous n'en avez pas besoin. Il va falloir réévaluer tout ça là. Parce que si vous voulez faire un peu d'économie, les Sagittaires, il s'agirait d'y aller. Donc on plonge son nez dans les comptes. Histoire d'avoir un gros gain de sous à la fin de l'année. D'accord? On est bien d'accord, les Sagittaires? Bien! L'entourage! Il y a quelqu'un qui a besoin de vous en ce moment. Ouais. Quelqu'un a besoin de vous plus que tout. Une personne qui a besoin de votre soutien. Une personne qui a besoin de votre oreille attentive. En général, vous êtes une personne qui écoute. Les Sagittaires, vous avez peut-être même fait votre métier. Ou vous allez en faire votre métier. Donc n'hésitez pas à écouter cette personne qui a besoin de vous. Voilà, si jamais vous sentez que quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas à lui rendre l'appareil. Malgré que ça va jouer sur votre bien-être, les Sagittaires. Voilà, parce que vous prenez le temps d'échanger, les Sagittaires. Mais ça risque de... ça risque de vous mettre des désaccords dans votre mindset. Essayez de prendre du recul sur ce qu'on vous raconte. Voilà, donc parlez clairement avec les gens. Vous savez qu'il y a un temps pour tout, essentiel pour votre bien-être. Il ne faut pas tout mélanger. Ça rejoint à ce qu'on a dit au début, hein. Partie par partie, on mélange pas la vie privée et la vie professionnelle. Ça veut dire que même si vous avez des gens dans votre vie professionnelle qui prennent trop de place, n'essayez pas de faire en sorte que ça joue dans votre relation personnelle et dans votre relation amoureuse. Parce que votre travail, peut-être qu'il prend beaucoup de place dans votre foyer. Donc, on fait bélec, hein, quand même, d'accord? Sinon, ça peut vous jouer des tours, les Sagittaires. Ah bah tu fais des études de psychologie, bah je suis mort. Ah bah voilà. Et bah tu diras à tes futurs clients, va falloir prendre du recul hein, sur ce qu'ils te racontent. Ok. Et merci Ren. Merci à toi pour le follow, bah je suis mort. Attends mais le timing il est incroyable. C'est dingue. Voilà. Donc prends du recul sur tout ça. On met pas sa vie professionnelle dans son couple. Mon copain qui a peur que je l'analyse. Eh ben merde. Bah voilà. Ah évidemment qu'il se pose des questions. Bon, en même temps il sort avec une psychologue, ou futur psychologue. Évidemment que ça fait partie de ton travail. Mais essaie de lui prouver que non. Tu ne l'analyses pas du tout. Non. Dis-lui que dans le mot analyse, il y a anal. D'accord? Donc c'est pas pour rien. Voilà, tu sais mettre de côté la vie de psychologue. Et la vie de Sagittaire, la vie de toi. D'accord? Ok? Mais il y a une phase de réflexion en ce moment. Voilà. Vous discutez trop là. Vous avez envie de besoin d'un petit temps de pause pour redonner un petit nouveau souffle à votre vie de couple. Hein, parce qu'il y a des petites tensions. Il y a des petites tensions, de l'incompréhension. En tout cas, n'entamez aucun gros projet. Restez sur vos acquis, c'est pas plus mal. Hein, tout le monde sera content. Voilà les Sagittaires! Je fais aussi des études de psychologie, je suis Sagittaire. Et ben voilà Nathan. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est pas foufou, hein. C'est pas mal pour certains trucs, mais en ce moment, vous êtes un peu un électron libre, hein, les Sagittaires. Les Sagittaires. Va falloir mettre de l'ordre là-dedans, là. C'est un peu le bordel, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on en pense, les Sagittaires du live? C'est un peu le bordel. Hein, on mélange pas tout, là. Hein, on ne confond pas tentacule et j'encule ma tante. Ne l'oubliez pas. Ok? Il y a un temps pour tout. Le travail, c'est le travail. La vie privée, c'est la vie privée. Les sorties, c'est les sorties. On mélange pas tout. D'accord? On n'est pas dans un thermomix, là. On se détend la nouille, les Sagittaires. Oui, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dans analyse, il y a anal. Eh ben, écoutez, c'était un peu turbulent, les Sagittaires, aujourd'hui. Hein. Oh, on va être très, très, très turbulent. Nouveau tirage de cartes. Faites-vous plaisir pour les questions. Est-ce que vous avez une question? Un truc qui vous tient à cœur. Et au cas où, si vous voulez rejoindre le Discord, si vous voulez discuter des astrologies, il y a un topic Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien, il est dans la bio. Ou alors, il est tout là-haut. Normalement, il est épinglé dans le message épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous avez envie de poursuivre cette discussion sur le topic horoscope. Est-ce que vous avez des petites questions professionnelles, personnelles? Petit tirage de cartes. En tout cas, merci à vous. Hein. Merci à vous de participer parce que c'est très, très cool. Je passe un très, très bon moment.
la semaine n'a pas été évidente, et ben ça me fait bien rire. Alors on s'amuse bien. Donc merci à vous. Est-ce que je suis en bonne santé? Alors on va voir. Est-ce qu'à ce moment tu es en bonne santé? Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Alors, je crois que t'as un problème de conjonctivite aussi, ouais. Va falloir faire. Ouais, on a vu que les écrans! Ouais, c'est pas que t'es pas en mauvaise santé, mais t'es. Aïe aïe aïe! Ouais, va falloir mettre tes lunettes ou des lentilles, y'a un souci là, ça pique les yeux là. Ouais, j'ai besoin de reprendre une deuxième carte. Parce que là, je pense que ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, ouais. Ça veut dire que là, bah, si tu fais pas des efforts, c'est soit tu vas être très bien, soit tu vas être très pas bien. Très mal. Donc, il y a un moment, va falloir, hein, d'accord? Va falloir aller chez le médecin, là. On se fait un petit check-up. On va aller, d'accord? On va se faire des petites prises de sang, parce que ça fait longtemps que tu les as pas fait, arrête de mentir. On se fait un petit bilan sanguin, histoire de voir si tout va bien. Si tu le fais pas, tu risques d'avoir des bricoles. On va au laboratoire, on se prend un petit rendez-vous, ça coûte pas cher, c'est remboursé. D'accord? Donc c'est une bonne mutuelle, let's go. Mais ça crée en ce moment. Ça fait pas mal, une petite prise de sang. Est-ce que j'aurai un bon avenir? Alors c'est vague. Un avenir professionnel, un avenir... Tu sais, moi j'ai besoin de précision. Un avenir professionnel, un avenir personnel. Est-ce que c'est ton avenir d'amour? Dis-moi, est-ce que c'est vague? Moi j'ai besoin de précision, sinon je peux pas faire un tirage de cartes normal. Ça fait longtemps que t'as pas fait de prise de sang? Bah voilà. Va falloir y aller là quand même. Professionnel, d'accord. Très bien, allez let's go. Eh ben écoute, pas mal. Tu vas, regarde les bras. Regarde les bras. Ils s'ouvrent vers de nouveaux horizons. C'est peut-être Twitch hein. Vers de nouveaux horizons, regarde-moi ça. Regarde. Donc ça veut dire que c'est un truc qui va te plaire. Professionnel, tu vas bien t'amuser. En tout cas, tu vas passer un très très bon moment. Donc, je sais pas si c'est Twitch ou c'est autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, professionnellement, tu vas t'ouvrir vers de nouveaux horizons. Et tu vas kiffer la vibes. Hein, tu vas kiffer. Donc, top. Je pense, amuse-toi et crème quoi, step by step. Tu vas y arriver. Est-ce que je dois troquer ma Switch Lite contre une Switch OLED blanche? Bonne soirée, ma Kamano. Voyons voir. Switch OLED blanche. Oulala. Bah alors là, pas du tout, non. Là, garde ta Switch Lite, là. Trop de dépenses en ce moment. Tu sais pas du tout gérer ton argent, là. Non, non, t'as autre chose à foutre que d'acheter une Switch OLED blanche. On s'en branle. Voilà, donc garde tes sous. Paye ton URSSAF, ça fera pas de mal. Parce que là, t'es un peu dans la zone rouge, si tu continues comme ça. Il y a beaucoup plus important qu'une Switch blanche, là, OLED. Hein, ça t'apportera rien. Pour le peu de temps que tu joues à la Switch, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc, l'argent fait bélec. Ça pue l'argent, Constance, là. Donc, fais bélec. Non, non. Garde ta Switch Lite, là. Elle est très bien. sera-t-il un rock en scène? Ton amour? Un artiste? Voyons voir. J'ai besoin d'énergie. Oh là là! Oh que oui! Oh que oui qui sera présent! Et ça va se passer mal! Regardez, il est bien là! Au milieu du concert! Ah, la personne est bien présente. Alors je ne sais pas si c'est un artiste ou si c'est une personne que tu aimes, mais la personne sera là. Et ça va pas très bien se passer. On va falloir faire attention quand même à cette personne. Tu sais, tirage de cartes, c'est très important. Donc fais attention quand même. Je ne sais pas qui sera cette personne, mais fais attention. Tu vois, elle est bien là. Et ça va pas être un bon moment. Donc à mon avis, n'espère pas trop de choses à Rock en scène. Voilà, n'espère pas trop. Ça risque d'être compliqué. D'accord. Allez, on passe au prochain signe. Il est déjà 23h, waouh, ça passe vite. Prochain signe. Et on va parler des... Attendez, où? Capricorne. On passe au Capricorne. Les petits Capricornes. Est-ce qu'il y a des Capricornes dans la salle? Les petits Capricornes. Bonjour les Capricornes. Où est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes là les Capricornes. Ah, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Capricorne,
Bah en ce moment, vous pouvez pas blairer les vierges. Voilà, les vierges que vous trouvez peut-être un peu trop exigeants en ce moment. Hein, donc les vierges, vous pouvez pas les blairer. C'est trop pénible. Voilà, donc on oublie les vierges, hein. Mais en revanche, vous allez plutôt bien vous entendre avec les taureaux. Avec les taureaux. Vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde avec les taureaux, voilà. Vous savez ce que vous voulez, ils savent ce qu'ils veulent. On tourne pas autour du pot, on perd pas son temps. Avec les taureaux, c'est plutôt une belle union. Donc, que ça dure, hein, voilà, vous êtes très unis avec les taureaux. Bah, que ça dure, en fait, que ça dure. Ton chéri, les taureaux, bah, ça m'étonne pas, mais bien, mais je ne mens pas, tu sais. C'est pour voir de l'horoscope, mais tant mieux. Alors, profitez, du coup, de tout ça, de cette alchimie avec les taureaux, pour des projets peut-être un peu exigeants. Voilà, s'il y a des projets sur lesquels vous n'êtes pas sûr, eh ben foncez. Voilà, il faut foncer. Il y a un moment, la vie, elle est trop courte pour se poser des questions. Donc, let's go avec les taureaux. Les taureaux seront toujours là pour vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire confiance aux taureaux. Les efforts d'aujourd'hui, pardon, sont les victoires de demain. La vie amoureuse, elle est parfaite. Voilà, la vie amoureuse, c'est un amour qui dure. Vous avez réussi à trouver un équilibre entre les moments partagés ensemble, les moments solo. Voilà, vous savez que chacun a le droit de faire ses trucs où il n'y a pas de jalousie qui s'installe. Vous savez consacrer du temps à votre relation de couple. Et en même temps, vous savez consacrer du temps dans des relations personnelles, vos passions personnelles, ses passions personnelles. Voilà, ça peut paraître anodin pour certains, mais pour vous, c'est la clé. Ça veut dire la confiance est égale une relation épanouie. Il y a un respect mutuel avec votre partenaire, des espaces qui sont individualisés. Ça veut dire que voilà, chacun a son espace. Vous avez le vôtre, votre partenaire également. Voilà, vous ne marchez pas dessus. S'il a envie de prendre du temps, il prend du temps. Si tu as envie de prendre du temps, toi, tu prendras du temps. Il y a un respect vraiment dans une belle connexion profonde avec votre partenaire. Et ça, c'est beau. Que ça dure. Chacun a sa place et les hippopotames seront bien gardés. Vous pensez à un jardin. C'est un peu comme un jardin. Votre façon de faire avec votre couple. Voilà, c'est chaque chose et ça a sa place. Vous savez arroser de temps en temps. Vous savez un petit peu mettre de l'eau sur votre relation histoire que ça pousse correctement. Vous savez retirer les mauvaises herbes, quand il y en a. En tout cas, rien n'est laissé au hasard, tout est organisé. La vie amoureuse, elle est parfaite. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, profitez du célibat. Profitez du célibat, mais très cher. Voilà, on s'en fout. Essayez d'établir pourquoi pas des critères pour rechercher le futur amour. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Sortez de votre zone de confort. Voilà, n'hésitez pas à aller dans des endroits que vous n'avez jamais été avec des amis. Peut-être que vous rencontrerez quelqu'un. Peut-être que vous ferez la rencontre de quelqu'un qui va vraiment vous attirer. Vous, et attirer également des personnes de votre entourage. Ça veut dire des gens qui vont s'entendre bien direct avec cette personne. C'est dans l'inattendu que l'amour révèle souvent sa magie. Donc n'hésitez pas à aller voir des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, ou alors d'aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller voir. Ça peut vous faire du bien et ça peut créer des rencontres amoureuses. A plus, pharmacien, bye bye. Si vous êtes en couple, dans votre duo, vous avez établi des limites saines. Voilà, vous, saines, c'est incroyable. Ça veut dire que si la limite n'est pas saine, ça ne marche pas. Voilà, vous savez mettre les choses saines. Il y a un échange, il y a de la communication, vous savez parler, vous savez écouter, il n'y a pas de jalousie dans l'échange, la relation elle s'épanouit parce que vous dialoguez, voilà la communication. Vous négligez absolument pas l'étape de la communication parce que sans ça, tout s'effondre. Le jour où ça passe mal, s'il y a un truc qui ne communique pas, vous ne lâchez rien les Capricornes. Vous avez besoin vraiment de... Faut y aller là, ça veut dire, ah ouais tu veux pas me parler, comment ça? Si tu vas me parler, parce que sinon on passe pas au truc suivant. Donc la communication pour vous c'est crucial. Et ce qui fait que votre couple fonctionne impeccablement bien. C'est limite une relation parfaite. Donc que ça dure. Que ça dure les Capricornes. C'est Capricorne en ce moment. Ah c'est vrai, je parle de ta relation, bah trop cool. Et bah tant mieux que ça dure. Bah les finances c'est pas mal.
les finances, c'est pareil. Vous faites des petits gestes simples dans votre quotidien. N'hésitez pas à penser par exemple à changer vos ampoules pour économiser l'électricité qui vous permettent de gagner un peu plus de sous-sous dans la poche. Vous économisez, votre conjoint ou votre conjointe a un boulot qui lui prend du temps, mais qui rapporte un petit peu. Alors qui rapporte peut-être pas tout de suite énormément, mais qui rapportera sur du long terme. Ce qui fait que vos finances sont pas mal. Vous contribuez chacun à avoir un environnement stable, chacun paye ses factures, 50-50. Ça veut dire que vous payez votre part de votre part de facture. Lui également, voilà, les petites pièces, on les met de côté. Vous savez quand même vous faire plaisir. Lui également, l'environnement est durable, il est sain, tout est payé, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de superflu, tout est analysé pour faire en sorte que vous n'ayez pas trop de tracas en ce moment de thunes. Donc, tout est plutôt pas mal, côté moula. L'entourage, en revanche, ça peut être compliqué avec certaines personnes de votre entourage. Parce que la compréhension n'est pas mutuelle. Avec les amitiés, ou les collègues de travail, c'est pas trop ça en ce moment. Ça veut dire que vous avez envie de vous exprimer avec bienveillance, mais il y a des malentendus. Il y a des personnes qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez clairs dans vos, dans vos mots, parce que, certains vont pas trop comprendre là où vous voulez en venir. Donc, parlez calmement, parlez bien, mais parlez. Parce que sinon les gens vont trop prendre la confiance. Ils vont essayer de un petit peu monopoliser l'attention. Ou alors vous allez être mal. Ils vont essayer de vous piquer un peu. Faut pas que ça vous touche les Capricornes. Parce que sinon vous foncez tête baissée. Clairement vous avez pas le temps. Donc ne laissez rien au hasard. Discutez. Mais discutez bien. Et le bien-être. Et ben sinon en ce moment. Ça pète la forme. En ce moment ça va. Même si vous avez un petit peu la tête. Vous réfléchissez à plein de trucs. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les Capricornes. Vous êtes pas mal, vous avez des habitudes saines. Vous travaillez bien, vous mangez bien, vous buvez bien. Vous faites peut-être un peu de sport ou alors vous vous reposez bien. Vous vous éloignez des écrans, des tentations qui sont un peu éphémères. Vous passez pas trop de temps sur des trucs futiles en ce moment, histoire d'être épanoui. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les gens. Donc vous essayez de faire en sorte de bien vous entourer, même si c'est pas évident. Mais en tout cas, vous laissez le superflu de côté, les très chers Capricornes. Vous n'avez pas le temps, la vie passe tellement vite que le temps est précieux. Donc profitez des beaux moments avec les gens qui vous donnent du bien, qui vous rendent bien, qui vous donnent du plaisir, qui vous donnent des belles choses. Voilà, histoire qu'on laisse le superflu de côté, qu'on se focus sur les gens sympathiques. Et à part ça, bah écoutez, il se peut qu'il y ait quelquefois vous avez des phases de réflexion. Est-ce que vous êtes sûr d'aller vraiment là-bas? Est-ce que son choix est le bon? Bon, c'est des réflexions qui passent mais qui repartent aussi vite qu'elles soient arrivées. En soi, tant que c'est pas arrivé, les choses que vous pensez, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Laissez-vous le temps. En tout cas, tout est bien, je pense, pour les Capricornes. Eh, c'est bien les Capricornes. Eh, vous avez des bêtes de notes, hein. On est sur du 90%, 99%, 88%. Bah, écoutez, les Capricornes, c'est pas mal. Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont. Les Capricornes, un très très bon horoscope. T'as, il m'a mis le smile, votre horoscope. C'est cool, notamment pour les relations amoureuses, là. Pour ceux et celles qui sont en couple. Et la stabilité émotionnelle, bah écoutez, vous êtes au top. Hein. Vous êtes au top, les Capricornes. Et ne changez rien. C'était bien cet horoscope. Allez, petit tirage de cartes. Il y a des questions là. Il y a des questions qui vous taraudent. Vous avez des questions? Vous avez envie de... Hein? Est-ce que vous avez envie de que je réponde à vos questions? Est-ce que je vais finir comme une vieille grille avec des chiens? Alors écoute, on va voir ça. Uniquement... Alors oui, sauf si tu montres ta lune. Voilà. Si tu montres ta lune, il y a moyen que tu ne finisses pas aigri avec des chiens. Si tu la montres pas, oui, tu finiras aigri avec des chiens. Tu sais. Mais il faut montrer sa lune. Voilà. Donc c'est le moment. Hein, on baisse la culotte et c'est toi qui pilotes. Donc tout dépend de tes choix.
Dans les deux cas, que tu rencontres quelqu'un ou pas, ça te plaira. Mais il va falloir vraiment passer la culotte, hein. Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont, bonne nuit, dormez bien et bon week-end, hein. Nous on se reverra que lundi soir. Est-ce que mon copain va céder au deuxième chien? Ah là 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 là. On mélange. Hop. Deuxième chien ou pas? Oh oui. Oh regarde-le déjà en train de gambader. Direction le refuge, direction la SPA, direction un élevage pour aller chercher le deuxième compagnon qui viendra habiller vos vies, habiller votre quotidien. Alors là, écoute-moi bien là, arrête d'hésiter. Les animaux, c'est la vie. La carte a dit que tu dois prendre le chien. Alors oui, t'as peut-être peur. Tu te dis, attends, deuxième chien, on en a déjà un, c'est compliqué. Niveau finance, etc. J'ai pas assez de temps, on le promène pas assez, machin. Dis-toi que le deuxième chien, c'est ton avenir. Tu as absolument besoin de ce chien. Ce chien va t'apporter quelque chose de bien. En plus, ça va être très positif pour ton chien actuel. Ça veut dire que le deuxième chien va permettre un voyage, une connexion. Attends, j'ai besoin d'une deuxième carte. Voilà, ça ne va être que du positif pour ton chien. Ils vont s'amuser, les étoiles vont briller. Ça va être la vie, ça va être l'oxygène. Donc oui, pour le bien-être de ton chien, pour le bien-être de ton couple, hein, si tu veux pas que ta femme te quitte, achète le chien. Achète le chien. D'accord? Voilà, le chien, c'est le moment. Voilà, tu pourras pas céder plus longtemps. Ok. Est-ce qu'il faut que je change de travail? Ah. Ouh là là. Est-ce qu'il faut que tu changes de travail? Bah je vais te dire ça bien sûr. Attends, bouge pas. Bouge pas. Salut Faye. Salut Nanook. Est-ce que tu dois changer de travail? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, moi je pense pas. On est sur la carte de la sécurité. Pour l'instant, tu aimes ton travail. Enfin, c'est pas que tu aimes ton travail, mais t'es dans la sécurité financière. Ça veut dire, t'as envie de changer, mais en même temps, bah, t'es dans la sécurité. Ça veut dire, si tu changes, tu sais pas ce que tu vas trouver après. Donc, le moment est à la réflexion. Attends, laisse-moi réfléchir encore un peu. Est-ce que tu vas trouver mieux ou pas après? C'est pas sûr. Ah, tu vois, t'es dans le tourbillon de la vie. T'es dans le tourbillon de la vie. Voilà. Donc tu vois, c'est pas le moment peut-être de changer de travail. Reste sur la sécurité. Ah, c'est pas le moment. Moi, je trouve que ça pue. Ça pue, hein, la carte tourbillon de la vie. Non. Change pas de travail maintenant. Ce serait un risque. À toi de le prendre. Ou pas. Bah oui, y a que des beaux arguments, hein, pour le chien. Est-ce qu'une autre mouche va rentrer dans ma chambre? Alors ça, on va voir. Est-ce qu'une autre mouche va rentrer dans la chambre? Oui! Il y a deux mouches, regarde. Elles sont copines en plus, peut-être cousines. Cousin-cousine, je sais pas. Mais en tout cas, il y en aura deux. Regarde, ils sont à deux, ils sont en coop. Ils sont ensemble. Donc ils vont peut-être être contents d'être là. Ils vont bien s'amuser. Ouais, tu vas être dans la merde. Il y aura deux mouches. Ah, tu vas être dans ch'merde. Ah ouais, ouais. Ouais, deux mouches là, deux mouches. Ouais. Ça va être compliqué là. Ouais, on est sur une soirée horoscope et tirage de cartes. Ouais. Ça va être compliqué les mouches. Est-ce que ta sucrète va pécho Nathaniel lundi? Alors, j'ai pas envie de répondre à cette question parce que j'ai peur. Je vais me garder le suspense pour moi. Est-ce que chaque viewer doit se sub là maintenant? Alors, j'ai même pas besoin de tirer les cartes pour dire que oui. Ah, y'en a marre. Une dernière petite question avant qu'on passe au prochain signe. Eh ben merci à vous en tout cas pour cette soirée, hein. C'est rigolo, hein. Avant que je mélange, attendez, je vais remettre les chakras. Ok. Est-ce que je vais prendre de la masse? Alors. Oui, regarde, encore la même carte. Oui. Et en plus, tu vas être encadré par quelqu'un. Regarde, tu dois peut-être avoir... tu as peut-être un coach sportif en ce moment. Je sais pas. Tu vas peut-être avoir quelqu'un qui te booste. Quelqu'un qui va t'aider à prendre de la masse.
Donc tu vois, oui, tu vas prendre de la masse. Oui. Et quelqu'un sera là pour t'aider. Bien. C'était la dernière question. Avant de passer au prochain signe, gardez vos questions. Et on passe au prochain. Alors, prochain signe. On est sur les Verseaux. Ah, les Verseaux, on en a beaucoup parlé, les Verseaux. Hein. Est-ce qu'il y a des Verseaux ce soir? Sur le chat. Ou en replay, hein, bien sûr, hein, sur YouTube, hein, on vous embrasse. Est-ce qu'il y a des Verseaux ce soir? Des petits Verseaux, est-ce qu'il y a des Verseaux? Sacha, Verseaux, Nanouk, Verseaux, Manu, Verseaux. Il y a des Verseaux? Super! Très bien, les Verseaux. Alors, les Verseaux, en ce moment... ouais. Les Scorpions, aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. A plus que Rem. Ouais, 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 ouais. Ça va être compliqué avec les Scorpions, en ce moment. C'est pas vos potes. Ouais, les Scorpions, c'est... Vous pouvez pas vous entendre avec les Scorpions. Il y a un gros souci de compréhension mutuelle avec les Scorpions. Donc, voilà, vous pouvez pas vous blairer. Ils peuvent pas vous blairer. Vous êtes un peu trop relou, peut-être, aussi, pour les Scorpions. Eux, ils sont peut-être un peu trop exigeants. Donc, laissons tomber les Scorpions. Mais, vous allez vous entendre avec les Cancers. Avec les Cancers, voilà, les Cancers qui ont cette envie en ce moment d'écouter, d'aider, de réconforter. Donc, il se peut que oui, vous ayez des bonnes relations avec les personnes Cancer. Voilà, mais pas les Scorpions. Les Scorpions sont trop dans le... Ils sont trop bruts de décoffrage. Les Cancers sont plus doux. Et vous, en ce moment, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de discuter, vous cherchez de l'attention. Voilà, mais donc les Cancers seront là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Ok? Parce que oui, vous avez besoin d'une oreille attentive en ce moment. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'être entouré de vos proches, vous avez envie de dialoguer. Donc, bah, les Cancers seront là pour vous. Votre vie amoureuse. Alors, pour ceux qui sont en quête d'amour, bah, faut pas vous isoler. Hein, clairement. Si vous restez chez vous avec votre daronne, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer des gens. Donc sortez de là, hein, allez prendre de l'air, vous allez voir, il y a un truc bien dehors. C'est l'extérieur, c'est la vie. Hein, vous pouvez pas chercher des interactions que sur internet. Va falloir rencontrer des gens aussi. Hein, parce que là, vous êtes peut-être dans une prison dorée. Vous êtes peut-être dans votre confort un peu trop confortable. Va falloir prendre des risques là, si vous voulez chercher, vous voulez trouver quelqu'un. Si c'est votre cas, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y a des amitiés qui sont très sincères, il y a des amitiés qui vous donnent du plaisir. Mais vous avez ce manque, vous avez envie peut-être de partager un truc amoureux. Un truc qui vous donnera beaucoup d'enrichissement personnel. Peut-être un sens à votre existence. Peut-être qu'en ce moment, bon, bah, vous savez pas trop ce que vous faites, quoi. Vous êtes là, est-ce que c'est l'amour qui va combler vos attentes? Ça, on ne le sait pas. Mais pour le savoir, bah, faut sortir de chez vous, là. Donc, allez hop, on s'enlève le doigt du fiac, là, et puis les Verseaux, là. Et puis, on va aller rencontrer du monde. C'est le moment, là. Si vous êtes célibataire, bah, écoutez, même si vous êtes très indépendant, vous n'êtes pas forcément indépendant. Vous avez l'impression d'être indépendant, mais vous comptez beaucoup sur les gens. Et vous avez l'impression que les amis vont peut-être vous faire rencontrer quelqu'un. Alors que non. Non, les Verseaux, non. Pas du tout, c'est pas vos amis ou votre famille qui vont vous faire rencontrer quelqu'un, non. Va falloir rompre tout ça là. Va falloir se bouger le fiac si vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord? Chaque expérience est bonne à prendre. Même si vous vous ratez, gardez à l'esprit que l'extérieur vous mènera à quelque chose d'authentique. D'accord? Donc on se bouge les Verseaux, hein. Vous prenez cher, hein. En revanche, si vous êtes en couple, eh ben écoutez, c'est pas non plus l'autoroute du bonheur. Et ben voilà, si vous êtes en couple, va falloir se détendre, hein, parce que vous êtes trop volage ou alors vous êtes un peu trop vous avez besoin de trop d'écoute là, vous avez besoin de réconfort et c'est peut-être pas non plus votre conjoint ou conjointe qui va vous le donner. Donc pourtant, va falloir parler à des personnes cancer par exemple, ça peut être des amis, voilà. C'est pas votre couple qui va vous aider en ce moment. Hein, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à parler à des gens extérieurs de votre couple. Voilà, surprenez-vous à parler avec des gens, des amitiés,
Voilà. Le secret d'une bonne relation épanouie et pleine d'amour, c'est la communication dans un couple, mais c'est également ne pas s'enfermer dans une routine de couple. Donc ça craint. Voilà, en ce moment, l'amour célibataire, faut s'enlever le doigt du fiac. Et le couple, faut s'enlever le doigt du fiac. Voilà, les Verseaux, vous êtes un peu trop... dans l'incertitude. Le travail. Bah le travail, c'est pas trop ça non plus, les Verseaux, en ce moment. Voilà, vous arrivez pas à être trop concentré sur les trucs. Vous avez la tête partout. Vous allez chez l'un, chez l'autre. Vous dispersez. Vous avez pas les idées les plus audacieuses. Oh les Verseaux, vous prenez cher. Eh ouais. Vous êtes pas dans un mood avec des bonnes vibrations. En ce moment, ça veut dire vous dispersez. Vous faites un peu n'importe quoi. Voilà, vous avez pas des solutions les plus innovantes à vos problèmes. Vous êtes créatif, ça c'est sûr. Voilà. Vous êtes créatif, vous êtes lancé dans des passions peut-être artistiques. Alors oui, c'est bien mignon, hein, vos passions créatives. Mais c'est pas ça non plus qui va vous apporter un travail. Donc dans le travail, il va falloir y aller là. Hein, vous pouvez pas compter non plus sur l'aide des gens. Parce que le jour où les gens ne sont pas là, ben, y a plus rien. Donc pensez à votre avenir professionnel. Ok les Verseaux? Vous me reconnaissez? Bah écoutez, je sais pas si je peux dire tant mieux. Courage, oui courage, c'est ça. Courage les Verseaux, hein. Les finances. Bon, les finances, ça pue du cul également. Mais c'est normal, c'est relié à votre travail. Ça veut dire vous n'allez pas pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ce que vous faites en ce moment parce que vous êtes trop volage. C'est compliqué là, il va falloir passer au long terme. C'est bien mignon, vous êtes plus un enfant. Pensez à votre avenir. Va falloir dépenser de la moula intelligemment. Hein, on peut pas compter sur papa et maman. C'est fini là, les parents là. C'est bon, ils vont vous aider, mais malheureusement, tout a une fin. Il s'agirait de prendre ses responsabilités, de faire ses propres démarches, d'aller chercher un travail, d'aller pourquoi pas sortir du climat familial. Si vous vivez encore chez vos parents, il s'agirait d'aller prendre un appartement là. Hein, c'est le moment les Verseaux. Hein. C'est bon. Hein, vous avez pas croûté chez vos darons et daronnes. À 50 piges. Donc on pense à la croissance professionnelle et financière. Ok. Top. Ça fait mal. Votre entourage. Alors, l'entourage, il y a un proche ou une proche qui aurait besoin d'un peu de soutien. Mais clairement, c'est pas vous qui allez le donner. Voilà, vous le savez que cette personne a besoin de soutien. Mais en ce moment, vous n'êtes pas de bons conseils. Vous pouvez écouter sans juger. Voilà, vous êtes patient. Vous avez quelqu'un qui va échanger avec cette personne qui a besoin de vous. Mais ne donnez pas de conseils. Parce que même vous, vous savez pas les appliquer, les Verseaux. D'accord? Donc, écoutez. Voilà, c'est bien. T'as tel problème, j'écoute, c'est super. Mais parfois, les conseils sont bien à garder dans votre tête. C'est pas à vous de les donner, là, en ce moment. Donc, votre avis, c'est comme les poils de cul, on en a tous. Mais gardez-les pour vous, les Verseaux. Ok? Et le bien-être, bah écoutez, heureusement qu'il y a votre créativité. Heureusement qu'il y a votre passion créative. Heureusement qu'il y a cette chose, donc ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être le jardinage, ça peut être une source, un truc que vous avez fait, que vous avez découvert il y a peu, un truc qui vous apaise, parce que dans votre vie c'est clairement un bordel. Heureusement qu'il y a cette expression artistique, voilà, qui vous aidera à progresser. Pourquoi pas vous lancer dans le dessin, si c'est pas fait, n'hésitez pas à approfondir votre source artistique. Ou alors vous lancez dans la musique. Jouer d'un instrument. Acheter un matériel qui vous permettra d'écouter de la musique. Si jamais vous avez besoin de musique, le calme avant la tempête. Parce qu'en ce moment, la vie, c'est clairement la tempête. Donc la musique, quelque chose de créatif qui vous donnera, en tout cas de la sérénité. Ok? Parce que c'est pas trop ça, les Verseaux, en ce moment. Là, vous êtes dans des pleines phases de réflexion. Il y a peut-être des examens en ce moment. Des examens de santé. Ou alors des examens professionnels. Voilà. C'est un peu le bordel. L'année va être un peu compliquée. Mais redonnez un peu de temps. Il va falloir vous laisser le temps, là. Mais cette année, c'est pas votre année, les Verseaux, en ce moment.
C'est un peu compliqué. Donc, courage. Courage à vous, les versos. C'était le pire signe astro avec le Gémeaux. Aïe, 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 aïe. Bon alors, les versos, là, c'est quoi ce bordel? Courage à les versos, hein. Ça me frustre comment je me suis reconnu dans absolument tout. Aïe. Salut, Kivini. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais. Ah, c'est le bordel, hein, les versos. C'était n'importe nawak. C'était compliqué. Après, comment dire, après... enfin, le calme après la tempête. Bon, alors, en ce moment, vous êtes en pleine tempête. Donc, on s'accroche. On s'accroche. Ok? Je vais rater le bac. Eh ben, regarde, je vais faire un tirage de cartes. Est-ce que tu vas rater le bac, Sacha? On va voir. Est-ce que tu vas rater le bac? Je vais te le dire tout de suite. Posez vos questions, n'hésitez pas. Et ensuite, on passera au dernier signe astro. Eh bien, écoute, je ne pense pas, non. Tu ne vas pas rater ton bac. Regarde ça. Pas du tout. Tu vas prendre ton temps. Le temps, c'est de l'investissement. Et tu vas réussir, tu vois. Tu vas réussir tes projets. Ça va prendre du temps, mais non, t'inquiète pas, tu ne vas pas rater. Le temps va faire son œuvre. Non, 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 pas du tout. Tu vas pas rater ton bac. Mais il va falloir vraiment, ok. On se donne à fond. Tu vas réussir ton bac. Vas-tu ouvrir ton magasin de voyance? Non. Mais oui, 2025 sera peut-être votre année, mais 2024, c'est pas le moment, hein, les Verseaux. Est-ce qu'il faut que je monte ma lune au premier venu ou j'attends un peu? Non, non. Bon, moi, ma question elle est vite répondue, hein, mais bon. On va voir. Ouais, là, c'est le moment de bouger, là, Constance. C'est le moment. C'est le moment. Il va falloir y aller, là, tu vois. Il va falloir se barrer, il va falloir sortir de chez toi. Tu peux pas rencontrer des gens si tu bouges pas. Apparemment, tu dois être quelqu'un de casanière. Bah, si tu veux montrer ta lune, bah, tu prends ton baluchon et hop, monte ta lune. C'est le moment, là. Et hop, va falloir aller dans les bars, aller dans... Hein? Va falloir sortir ta lune. Parce que c'est pas chez toi que tu peux la montrer, ta lune. C'est le moment de la montrer, là, Constance. Est-ce que tu vas sortir de ta grotte? La très chère Nanook. Oh là là, je suis le bordel. Oh là là, regarde, c'est galère. J'ai deux cartes qui me viennent. Oh là là. Alors. Tu auras l'envie de sortir de ton coco. Regarde ça. Tu vois, on sent que t'es prisonnière de ton cocon, de ta chrysalide. Tu as cette envie, hein, de sortir, regarde. Laissez-moi! Je veux sortir de ma grotte! T'as envie de sortir de la grotte? Regarde-moi ça! Comment il est étriqué dans sa grotte! T'as envie de sortir! Malheureusement, si tu sors, attention aux vipères! Attention aux vipères! Parce qu'il y a des personnes qui te veulent pas forcément du bien! Attention aux langues de vipères! Voilà, tu vois? Ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues, ils sont vilains! Donc oui, tu peux sortir de ta grotte, tu vas sortir de ta grotte, mais tu feras pas des bonnes rencontres, Nanook. Non! Fais très attention, hein. Fais très attention. Il y a deux mouches dans ma chambre, mais je te l'avais dit! Est-ce que cette personne me kiffe? Voyons voir. Oh là là, c'est le bordel! Oh là là! Ah, écoute-moi bien. Le quart du tourbillon. Ah, machine à laver. C'est soit vous allez laver vos culottes et vos chaussettes ensemble, ou alors c'est parce que vous, les deux là, vous êtes dans le flou. Il y a toi qui n'ose pas lui dire que tu kiffes, et lui qui n'ose pas te dire qu'il te kiffe aussi. Va falloir discuter là, les deux là. Ok, Roméo et Juliette, va falloir dialoguer, parce que sinon ça va pas être le tourbillon de la vie là. Attends, bouge pas, parce qu'il va falloir que je prenne une deuxième carte pour être sûr, hein, parce que voilà, la sécurité. L'analyse, voilà, comme d'hab, comme tout à l'heure. Si tu veux pas que ce soit le tourbillon de la vie, arrête d'être trop sécure là. Va falloir se bouger le fiac, si tu veux le savoir. Ok? Voilà. Va falloir y aller là. Elles sont belles, les cartes, ouais. C'est les cartes de Bayonetta 2, hein. Elles sont trop belles. Voilà, voilà, bonne nuit, Manu. Merci à toi. Kevinie, tu as une question? Avant que je passe au poisson.
Bah écoutez, je m'attendais pas. Eh, hey, moi qui pensais que j'allais finir à 22h30, bah au final, eh, hey, pas du tout, on y est encore. Pose-la moi, Kevin, ta question. Pose-la moi. Je vais te donner la réponse. Et après, on passera au poisson. J'ai besoin d'énergie, je vais essayer de remettre un peu d'énergie dedans. Vais-je me lancer dans le monde du stream? Allez, let's go. Poisson. Voyons voir. Ah, bah, on a encore... Eh, c'est des... eh, y a qu'une carte, hein. C'est marrant comment je la prends tout le temps. Alors, oui, mais tu sauras pas trop comment t'organiser, là. Peut-être qu'il y a un manque de temps. Il y a peut-être un manque de... d'argent. Un manque de connaissances. Hein, va falloir... t'es un peu dans l'hésitation. Parce que si tu te lances sur le stream, est-ce que ça va pas empiéter sur une autre activité professionnelle? Donc, pour le moment, t'es encore dans la réflexion. Mais, je vais relancer une carte pour être sûr. Si tu te lances... Attention! Attention! Si tu te lances dans le monde du stream... J'allais dire du string. C'est pas la même chose. Attention à ne pas te refaire une fixette dans le stream. Voilà. Hein, te mets pas trop comme un mode tyrannique. Je vais dire, c'est que du kiff, le stream. Te prends pas trop la tête, Kevini. Ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Je parle du mode du stream. Hein, d'accord? On parle du stream. Tu peux te lancer, mais on se détend la nouille. Exactement, on se détend. Exactement. Une dernière question, puis on passe au... Non, on va passer... Non, allez. Allez, hop. On passe au poisson. Les poissons. Qui est le dernier signe? Ouais, est-ce qu'il y a des poissons sur le chat? Est-ce qu'il y a des poissons également sur YouTube? Est-ce qu'il y a des petits poissons dans l'eau? Ah, mais il y a des poissons. Eh ben, super. Les poissons dans l'eau. Alors, les poissons en ce moment... Ah ben, vous n'aimez pas les lions, hein. Ah, les poissons en ce moment, les lions, c'est la merde. Trop caractériel, les lions, ça vous fait peur. Trop de caractère, ça peut vous bouffer. Voilà, les lions, faut pas trop leur parler, hein. Les lions en ce moment, c'est pas trop ça. C'est peut-être trop de caractère, ça vous fait peur. Voilà, vous avez invité un peu, vous avez envie d'éviter les distractions inutiles. Ils sont peut-être un peu trop imposants pour vous. Vous avez peur d'être un petit peu trop en retrait. En revanche, vous serez hyper compatible avec les scorpions. Les petits poissons, voilà. Parce que vous avez besoin de gens qui vont vous aider à avancer sur vos projets personnels et professionnels. Et les scorpions sont des personnes très productives. Donc n'hésitez pas à faire appel aux scorpions de votre entourage et éviter les distractions inutiles. Maximisez votre productivité en délimitant des objectifs clairement. Inspirez-vous des personnes de votre entourage pour faire un travail incroyable avec les scorpions. Voilà. Donc si jamais vous avez un projet à faire et que vous connaissez des gens de votre entourage qui sont scorpions, eh ben n'hésitez pas à leur demander conseil. On évite les lions et on dit bonjour aux scorpions. Voilà. La vie amoureuse avec ton père, eh ben super. Voilà. Pourquoi pas un projet avec ton papa? La vie amoureuse. De nouvelles objectifs communes. Si vous êtes en couple, vous aurez peut-être envie de faire de la cuisine. Vous aurez peut-être envie de faire des petites randonnées avec votre partenaire. En tout cas, vous avez envie de partager des moments qui vont renforcer vos liens, qui vont vous donner un petit peu de nouveauté dans votre relation, qui peut s'essouffler un petit peu, mais pas de là non plus à créer une routine, quoi. Enfin, il y a une routine, mais c'est normal, vous l'acceptez. Vous avez envie de construire des nouveaux souvenirs, des souvenirs qui seront inoubliables, histoire de raviver la flamme, même si celle-ci n'est pas forcément éteinte. Et c'est dans l'action commune que l'amour se fortifie. Donc pourquoi pas faire des trucs qui vont vraiment vous allez dire what, on a passé une trop bonne journée, ça va être super, on va s'en souvenir, c'était chouette. Donc pourquoi pas faire des trucs, par exemple comme j'en sais rien, de l'escalade, faire de l'acrobranche, des trucs à sensation forte. Vous avez besoin un peu de voilà là, de vous décrouter la nouille parce que vous êtes un peu dans... Vous êtes un peu dans votre zone de confort là, mais trop boulot dodo, c'est un peu morose. Donc n'hésitez pas à demander à votre partenaire de faire des nouvelles choses. Si vous êtes célibataire, des connexions inattendues, les poissons.
Voilà, donc n'hésitez pas à être ouvert d'esprit, même avec des personnes que vous attendez pas forcément. Il y a de la beauté ailleurs, pas forcément sur celle que vous l'attendez. N'ayez pas peur de vous épanouir. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Explorez vos passions. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui a les mêmes passions que vous. Mais pour cela, il faut rencontrer des gens. Donc n'hésitez pas à aller dans des endroits prévus, idéaux pour vos passions. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de très indépendant. En général, les poissons. Mais ne faites pas en sorte que ça crée un isolement. Voilà, plutôt des voyages, parce que c'est un peu compliqué. Sinon, vous avez tendance à vous isoler fortement. Et ce qui peut pas créer une relation de amoureuse avec quelqu'un si vous êtes isolé. D'accord ? Vous êtes amoureux vous êtes amoureux de l'amour, mais vous n'avez pas encore franchi le pas. Donc, si vous êtes célibataire, c'est le moment de pécho. Peggy 18. Bien. En tout cas, si vous êtes en couple, bah écoutez, let's go. On se délaisse de la routine, voilà, on explore des nouvelles activités, pourquoi pas sportives, ludiques, des choses qui vont vous faire transpirer. Je sens que l'autre il va encore pécho là, misère, ça va être dégueulasse. Des trucs qui vont vous aider encore plus à raviver la flamme qui est déjà bien brûlante, les poissons qui sont en couple. Ah oui, 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 ouais, pas besoin de confort, on s'en fout. Voilà, vos habitudes ne vont absolument pas éteindre votre passion qui est déjà bien charbonneuse. Voilà, vous avez plutôt l'aventure à deux, des moments d'apprentissage, de rire, la complicité qui se renforce. Oh, ça va Ken. Peggy 18. Ça va Ken, les poissons en couple. Oh là là. N'hésitez pas à avouer vos fantasmes. Voilà, n'hésitez pas à être inventif et créatif dans vos débats. Oh, ça va Ken. Eh bien donc, wouh. Eh, ça va péter les lattes du clic-clac. Bon, le travail. Le travail, les poissons, va falloir lancer la discussion. Ok. Va falloir lancer la discussion, le travail. Parce que y a des... Parfois, vous êtes un peu dans une zone de conflit. Il y a des non-dits. Vous n'êtes pas sûr. Vous vous posez trop de questions dans votre travail, là. Est-ce que lui, est-ce que elle. Vous avez trop la tête dans les nuages. Ou alors la tête dans des sujets qui vous regardent pas. En ce moment, Mars et Saturne, c'est pas trop ça pour le travail. Voilà, vous vous posez plein de trucs. Est-ce qu'il est sincère? Elle est sincère? Est-ce que mon équipe ça va? Est-ce que mon collègue est pas mal? Est-ce que mon collègue est sincère avec moi? N'hésitez pas, vous êtes un peu dans des eaux agitées, les poissons. Hein, vous nagez en eau trouble, si je peux dire. Va falloir prendre du recul sur tout ça, sur le travail, les poissons. Avoir un accord mutuel et avantageux, à portée de main. N'hésitez pas à vous aider. Parce que les poissons, en ce moment, le travail, c'est un peu le bordel. Donc, ça veut dire, clairement, il va falloir mettre un petit peu mettre un peu le frein, là. Parce que vous pensez à beaucoup de choses. Beaucoup trop agité au travail. En revanche, les finances, ça va, mais c'est pas non plus la joie. Il y a des petites rentrées d'argent de temps en temps. Ça fait plaisir. Rien de stable. Des trucs qui peuvent vous stresser, quand même. Donc, pensez à organiser vos finances, à étudier les fuites, à étudier les moments où vous pouvez gagner un peu plus. N'hésitez pas à checker vos assurances également. Est-ce qu'il n'y a pas un abonnement que vous pouvez résilier qui vous sert à rien? N'hésitez pas à les annuler, histoire d'économiser un peu de thunes. Investissez votre temps qui pourra vous générer de l'argent. Voilà, vous passez beaucoup de temps au travail, mais ça vous engendre pas assez d'argent. Donc il s'agirait d'être plus organisé. Voilà, mais pour être organisé, pensez à écrire des notes. Des petits pense-bêtes, n'hésitez pas à mettre des listes, des wishlists qui pourront vous permettre d'empêcher des pertes importantes de sous-sous. Donc on fait attention, d'accord? On fait attention les poissons. L'entourage, eh ben écoutez, abandonnez les rancœurs, abandonnez les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce que en ce moment, il y a de la sorte de compétitivité, les poissons. Ah là là! Ça peut être un ami éloigné qui vous met un bâton dans les roues. Ça peut être un concurrent direct. Vous avez l'impression de ne pas assurer. Ça peut être quelqu'un des vieilles histoires qui ressortent. Qui ressortent alors que vous n'avez rien demandé. Peut-être que vous êtes responsable de ces histoires. Mais en tout cas, laissez tout ça de côté. La vie est trop courte pour se faire chier avec ces personnes de votre entourage. Voilà. Même si c'est des personnes à distance. C'est peut-être des gens qui sont très loin de vous, mais finalement sont très proches de vos pensées. Donc, on met table rase de tout ça.
ces gens toxiques de votre entourage. On laisse les vieilles histoires de côté, on les laisse, il n'y a pas besoin de tout ça. On partage des moments simples avec les gens qui vous veulent du bien, parce que l'entourage en ce moment c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou dingue, les poissons. Donc on zappe tout ça, hein, Béliève. Il n'y a que des gens bien, mais il faut essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord ? Le bien-être, écoutez, il faut prendre le temps d'être honnête avec soi-même. Il faut renforcer son bien-être, intérieur et extérieur. Quelque chose ne vous plaît pas ? Dans votre tête, changez-le. Quelque chose qui ne vous plaît pas sur votre physique et que vous le constatez, changez-le. Aujourd'hui, c'est le moment de découvrir votre liberté et de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Il y en a marre, là, de toujours laisser de côté les problèmes personnels. Il faut y faire face. S'il y a un truc que vous avez envie de changer sur votre mindset, eh ben, c'est le moment, les poissons. D'accord ? Vous vous sentirez mieux, ça va vous alléger, ça va vous faire du bien. Vous allez être bien dans votre tête, bien dans votre corps. Donc, pourquoi pas, let's go ? Pourquoi pas remettre, ne pas remettre justement les trucs à demain que vous pouvez faire aujourd'hui. Salut Venti, comment ça va ? Donc c'est le moment là. Va falloir penser à vous, à votre physique, à votre mental. Parce que, bah, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, c'est important les petits poissons. D'accord ? On pense à vous. Phase de réflexion en ce moment. Voilà, beaucoup de temps, vous papillonnez à droite à gauche, vous passez beaucoup de temps à droite à gauche, vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes partout et en même temps vous êtes nulle part. Donc du repos, apprenez à déléguer, beaucoup de parasites dans votre entourage, que ce soit dans votre milieu professionnel, mais également dans votre esprit. Vous avez beaucoup de parasites les poissons. Donc comptez sur votre partenaire si vous en avez. Si vous n'avez pas de partenaire, comptez sur votre famille. Votre famille qui sera toujours là pour vous les poissons. Voilà la famille. Vous êtes très fusionnel avec votre famille. Papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine. Donc pensez à votre famille parce que eux seront toujours là pour vous. Alors que les personnes que vous avez dans votre tête sont que des gens de passage. Les poissons, on pense à vous. Voilà pour les poissons. Bon, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin pour les poissons. Voilà, bon après on prend, on laisse, hein, bien sûr, c'est pas une science exacte. C'est pas une science infuse. Mais prenez du temps pour vous les poissons. Voilà, d'accord. On prend du temps pour vous, on fait du tri dans ses idées, on dit bye bye aux gens de merde et on se concentre sur ce qu'il y a de plus beau finalement, les amis et la famille. Mmh. Voilà, voilà. On vous aime, le poisson. Oui. Apparemment, Val, il va ken. Val va ken. Oui, c'est chaud pour les poissons en couple. Ouais, ouais. Ah, les poissons en couple, là, vous allez ken. C'est votre soir. Ouais, que ça va. Ah, ça va être un fond de balle. Ça va être le... Ouh, ça va être chaud à la baraque. Ils vont péter le clic-clac. Et voilà, les amis. Cette soirée Radio Flavia spéciale, astrologie, horoscope et tirage de cartes. Mais évidemment, c'est beaucoup de second degré, on lit des horoscopes. Mais comme je le répète, si ça peut vous donner des petits déclencheurs, parce que bah on n'y croit pas. Hein, l'horoscope, évidemment, là c'est pas forcément le vrai horoscope. Ça dépend également de votre signe lunaire, ça dépend de plein de choses. C'est une interprétation personnelle, hein, ne prenez pas à cœur ce que j'ai dit évidemment. Mais si jamais cette soirée vous aura peut-être déclenché un petit truc, bah inespéré. J'en sais rien, ça vous a motivé à faire quelque chose, à arrêter quelque chose, ça vous a motivé à changer un petit truc. Bah écoutez, j'en suis ravi. Voilà, parce que l'horoscope, on prend pas. Parfois, ça peut être un déclencheur à changer des trucs. Des trucs qui sont positifs, des trucs qui sont négatifs. Donc n'hésitez pas, ok ? En tout cas, beaucoup ont pris cher. Beaucoup ont pris cher ce soir. Voilà, clairement. Beaucoup ont pris cher, mais c'est surtout de la régalade, hein, et de la rigolade, on s'amuse bien. Voilà les amis, pour cette soirée, pour cette soirée Radio Flavia spéciale astrologie. Bah écoutez, je me suis régalé. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, sachez-le. J'en avais besoin, j'ai passé une semaine vraiment très difficile. Donc ça m'a fait du bien. C'était un peu relou, donc j'avais besoin de me changer les idées, c'était très très cool. Donc merci à vous, c'était très chouette. Et prenez ça encore pour de la rigolade, hein, c'est le second degré, on est là pour plaisanter, hein, d'accord, même ceux qui regardent en replay, hein, d'accord.
Donc on fait Bellec, c'est de la blague, d'accord? Allez super, oui, on croise les doigts hein, pour ton chien, on croise les doigts pour ton chien. Bon, je vais pas faire de raid ce soir, on va se quitter comme ça, et je vous fais des gros bisous. Merci les modos d'avoir été là, rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures, nouveaux plannings. Voilà, on se repose, je suis content que ça vous ait changé les idées, écoutez, trop cool. Merci à vous pour les subs, merci à vous pour la bienveillance comme d'hab, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et je vous dis... à lundi. Bye bye.